自古上单一条路，狭路相逢当然要打，拼全力打出虎虎生风，拼心力更要不落下风。疾风耳边过，唯我留声。河道野区，四分峡谷，兵者相对，好似林中博弈。蛰伏是隐士，观局是谋士，出招是勇士。棋逢对手，当以谋略决定谁棋高一招。声势即战势，战鼓未响，但已硝烟弥漫。敢忍耐，敢出击，敢于赌上一切。因为你是一粒星，就该点燃一团火。老将小将，只拼实力，一鸣惊人。军心涣散之时，所有人不动如山，坐断战局。登峰涅槃，在前行。群雄矗立，步伐不止，山后就是无限荣光。 LPL 扛旗来见。De retour, mesdames, messieurs, pour le deuxième BO de cette journée. Le premier, c'était un turbo stomp. On a vu Frost tout nu et tout. C'était incroyable. Le deuxième BO, bah, en théorie, ça pourrait être un peu pareil si on prend les anciens splits. FPX meilleur et LNG moyen. Mais là, pour l'instant, sur ce début de split, LNG, ils sont en haut. Ouais, ils sont carrément tout en haut, ils sont pour l'instant invaincus. Il y aura quand même un perdant sur ce BO, mais il y aura match normalement. C'est vrai qu'FPX, qu'on les voyait finir comme des fous sur le Spring, normalement au-dessus, on aurait dit au Spring, il y a nos matchs, normalement FPX au-dessus, mais LNG, attention un tout petit peu. Là, c'est attention beaucoup quand même. Oui, et c'est ça qui est assez drôle, je trouve, hein. C'est de voir les équipes comme ça qui arrivent à step up, quand il y a des changements, du coaching, de l'entraînement, il y a des choses qui évoluent. Et c'est très agréable en fait de voir que bah, ce qu'on prenait pour acquis ne l'est pas forcément. On verra quand même, parce que FPX, on les attend normalement meilleurs. Ouais. Mais on ne sait jamais, LNG, ce n'est pas une équipe à sous-estimer en tout cas. On n'est pas sur, malheureusement, les Rogue Warriors ou les OMG qui sont des équipes clairement en dessous. Face à eux, c'est comme FPX. Et FPX, bon, Nuguri, il est chaud bouillant depuis que Tian est revenu, je trouve. Enfin, il a toujours été chaud bouillant, mais je trouve qu'avec Tian, ça marche particulièrement bien. Dwinbee, qui fait son petit bonhomme de chemin en étant toujours un facilitateur pour son équipe. Vraiment, on est beaucoup moins sur le super carré Dwinbee qu'on a eu à une époque. Et la botlane, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que juste, il marche bien au niveau de la botlane. Ouais, c'est vrai que ça marche tranquillement, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Du moment que Nuguri maintenant se met en place tranquillement, c'était vraiment l'insertion du champion du monde qui était un peu délicate. Le retour, forcément, avec tous les problèmes qu'on a eu en jungle, donc l'arrivée de, à nouveau de Tian, ça s'est résolu un petit peu avec le midlaner. Donc du moment que maintenant on joue avec Nuguri, qu'on peut jouer un petit peu avec le midlaner, il n'y a pas de soucis, on a une botlane un petit peu autonome, ça peut passer aussi. Alors qu'on aura une la magnifique A7, hein, forcément, vous avez sûrement vu l'affiche du côté de Skyfall pour notre ami Tarzan, magnifique dans ce costume, et qui va peut-être sniper justement les FPX. Et il faut bien ça, un Tarzan maintenant, le seul coréen de cette équipe LNG. On a fait un petit apport avec Ale aussi sur le topside, Natural il s'appelait avant comme ça, avant d'être rename. Il a la licence pour tuer, ouais, effectivement. Avec des stats plutôt pas mal et solo kill, il en a fait déjà deux. Hein. Bah ouais, c'est Tarzan, quoi, un ancien des Griffins. Hein. Si vous n'avez pas suivi les Griffins, c'est une équipe qui il y a 3 ans maintenant, je crois que c'est en 2018,
Étaient arrivés du côté de la Corée, en fait. Ils venaient de la deuxième ligue coréenne qu'ils avaient gagné. Ils sont arrivés en LCK. Ils ont pas mal stompé la LCK. Vraiment, ils arrivaient avec un playstyle de jeunes joueurs, très mécaniques, un coach qui était assez sévère, mais ça marchait bien. Ils ont fait de très belles heures en LCK. Maintenant, Griffin n'existe plus. Mais voilà, Tarzan vient de cette équipe-là, en l'occurrence, au même titre que Chovy, au même titre que Viper, pardonnez-moi. Oui. Et Lens, je sais pas où il est actuellement, Lens. Lens, il est du côté de la Corée. Ouais, il semble. Normalement, il est dans une des équipes de Corée, de LCK, si je ne m'abuse. Après, je ne pourrais pas te redire qui, mais on checkera, mais normalement, il est en LCK. Le chat, c'est toujours. Oui, ils vont aller trouver ça instantanément. J'avoue que j'ai plus tous les joueurs de Corée. Il y a toujours Faker, bon, c'est ce qui compte. Eh, hey, il avait été contesté un petit peu avant de faire son retour chez les T1, effectivement. Compliqué pour lui à un moment donné. C'est vrai qu'on a essayé de faire la place aux jeunes. En tout cas, voilà, la LCK qui essaye de se retrouver un nouveau souffle. Hein. Les Damwon qui étaient quand même insaisissables, qui ont été quand même vaincus par les RNG. Fiers qui vont commencer dès demain. Soyez présents pour le retour du grand champion du MSI. Alors qu'on vous propose quelques petits, évidemment, replays des moves des FPX, notamment. Les FPX qui nous ont tellement fait plaisir en playoff Gardoum, tellement porté tellement vers bien. L'attaque, prêt à tout le temps être proactif en premier. Cette équipe agressive qu'on ne voit pas autrement qu'au Worlds, normalement. Comme les top e-sports dans la game précédente, en fait, hein, je trouve vraiment on retrouve cet ADN dans les équipes top LPL, c'est on va créer du move. Vous ne voulez pas bouger, on va vous forcer à bouger en fait, on va vous forcer à prendre des risques. Peut-être que nous, on va y perdre des joueurs, mais vous aussi, vous allez en perdre encore plus. Et c'est ça, là, toute la dynamique chinoise qui, je trouve, est très intéressante, qui avait été amenée en Corée après le Mid-Season Cup l'année dernière, événement qui avait remplacé le MSI du Covid, vous le savez. Et du coup, bah, cette année, ça n'a pas suffi à la Corée, hein, vraiment, d'avoir essayé de réadapter un playstyle. Ils peuvent peut-être pas assez s'entraîner à la bagarre. Pour le coup, on a eu les petits RNG qui sont arrivés, ils ont fait Damwon, c'est quoi cette équipe? Parce qu'ils les ont battus déjà en plus dans le Rumble, deux fois. Plus. Donc en fait, ils ont gagné c'est vrai, ils ont plus la grande face à eux. Alors à noter quand même, au niveau de la finale du MSI, pour revenir là-dessus quand même et rééquilibrer un peu tout, ça a été 100% de victoire Blue Side, donc que ce soit Damwon ou RNG, c'était victoire Blue Side. Et en fait, il faut savoir que le side s'est géré sur un coin flip. Voilà, pour le premier side. Pour le premier, et puis ensuite, c'est le perdant normalement qui joue. Exactement. Alors qu'on a une petite asset sur le combattant Tian qui revient bien après son inactivité. Et vous le voyez, il est bon, il est présent. Hein. 20% de first blood. C'est vrai que tu le disais, il essaye vraiment de mettre bien le top side. Il essaye d'être présent et souvent ça le lance bien. Bon, il a beaucoup abusé du Udyr. Bon, il y avait la méta Ekarim Udyr. Généralement, au début, il est revenu. Il était 100% sur Ekarim. C'était scandaleux. On demandait à chaque fois à ce qu'il soit ban au bout d'un moment parce que c'était pas possible. Mais ouais, mais le pick marche bien. T'as un bon clear. T'as des engages longue distance en fait. Ce que n'a pas Udyr par exemple. Parce qu'on n'a pas réellement Rumble, il va être gênant à longue distance, mais c'est pas lui qui va faire une grosse engage, faire office de front lane. Et du coup, le pick va particulièrement bien avec la composition justement des FPX. Still a champion, hein, évidemment, on se rappelle, c'était dans l'équipe à l'époque des IG. C'était le jungler des IG, Tian. Non, c'était Ning, pardon. C'était Ning. Oula, là, j'ai mélangé Tian et Ning, veuillez m'excuser. Le pire, c'est que dans ma tête, je dis ça et puis je sens qu'il y a un truc qui marche pas et mon cerveau m'a rappelé non, Ning. Des choses dans ma tête. Non, effectivement, Tian, champion du monde avec FPX. Hein, oui. Il avait été MVP de la finale, hein, si je ne m'abuse. Pas LWX ? C'était pas LWX. Alors, Tian, je sais qu'en jungle, il y a eu un MVP. Est-ce que c'était genre tout le BO ou c'était juste une des games ? Je ne sais plus comment ça fonctionnait, mais je sais qu'il me semble à un moment donné que la jungle était MVP. C'est fort probable. Mais... on ne m'étonnerait pas. Attention, le gars est très très bon. Et si vous ne le savez pas, il y a eu quelques petits différends avec un des modérateurs du stream de Dwinbee, etc. Le fameux. Ça a été résolu normalement. On l'a vu en tout cas au niveau de leur game. Ça jouait vraiment bien. C'est un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour la suite et c'est ce qu'on espère. Donc pour moi, FPX, dans ce genre de BO, t'as envie de faire 2-0, de dire au LNG, hop, calmez-vous, on reprend la tête et on va garder le trône. Après, c'est chaud, hein. Il y a IDG qui est déjà là aussi en 3-0. On attend RNG l'entrée en matière. Pour eux, c'est pas forcément évident hein, parce qu'ils voient déjà les équipes qui ont joué quasiment 3 fois. Eux, ils vont commencer demain. Après, ils ont eu un petit peu plus de temps, c'est normal. Il faut un petit peu se reposer, se remettre en place, mais... on ne voit pas les RNG non plus, choke à fond, etc. Mais c'est vrai qu'il y a déjà une dynamique et les FPX sont les voix, effectivement. Alors sur le papier pur, on est d'accord, ils sont favoris, ils devraient normalement s'imposer, mais pas aussi facile que ça. Donc ça va être la manière qui va être surveillée, comment les LNG résistent aux FPX. Ils devraient tomber, mais il y a un monde. Il y a un monde où les LNG je parie sur quoi. LNG, ouais. Bon, après, je ne vais pas mettre 45K, hein, je ne te cache pas. Mais alors qu'on a la présentation des FPX là-dessus, garde-moi avec Steak, leur coach bien sûr. Cette équipe FPX
championne du monde en 2019. On ne va pas vous rappeler trop de choses là-dessus, c'était très très dur mentalement. Ouais, non, il cool. manquait finalement Nuguri. Moi je l'ai bien vécu, hein, t'inquiète. Tu l'as bien vécu, ok, très bien, merci. Bah écoute, c'est la Chine, on sait que c'est une bonne ligue et tout, l'Europe n'était pas assez préparée, ils n'étaient pas forts, ils ont perdu. Il faut l'accepter, les gens pas assez forts ne sont pas champions du monde, point. Oui, théoriquement, l'entrée en matière des LNG, cette équipe justement renforcée avec Haley sur le topside, Tarzan toujours dans la jungle, Icon sur la middle lane, Lighty, Wandy sur le bot side. Et Light, mine de rien, on l'a vu au Bagger Club aussi, beaucoup de questions, il est chaud, il avait les KDA, il avait les games, enfin, c'est pour l'instant, Light, ça fait du bien, et Wandy, pour l'instant, pas trop de bruit, mais cette bot lane fonctionne. Icon, toujours pareil, constant, il n'est pas le plus shiny des midlaners. Non, bah c'est, ça fait partie de ce que j'appellerais les midlaners tier 2. Quoi. Tier 1, évidemment, on va mettre tout ce qui est Doombie, enfin Knight, etc. Mais tier 2, ouais, c'est les mecs, ils font le taf. C'est rare qu'ils soient vraiment mauvais. C'est ça. Tu peux compter sur eux. C'est cool, quoi. Ça ne te fait pas une équipe de champion du monde, mais en tout cas, ça fait quand même un bon boulot. Et on ne peut pas leur retirer ça. C'est une équipe qui marche bien à LNG. Tarzan est très impressionnant et ça a été un gros boost pour l'équipe. On le voit de plus en plus parce que je pense qu'il y a aussi la période d'intégration en termes de playstyle et tout. Mais face à eux, bah, y a Tian dans la jungle, t'as Nuguri au top, et Nuguri, autant j'aime beaucoup The Shy, hein, autant The Shy il a un playstyle et parfois il a son cerveau de débranché, autant Nuguri, bah, il est fort sur tout. Il doit jouer weakside, il joue weakside parfaitement, il doit jouer strongside, il sait le faire aussi, il joue des carry, il peut, des tanks, il peut, enfin, je suis impressionné par la constance de ce joueur en plus. Ouais, mais bon, c'est pas étonnant hein, qu'il ait été un petit peu estimé comme le meilleur top laner du monde. Parce que même s'il est champion du monde, c'est vrai qu'il a été vraiment costaud, capable, tu le disais. C'est pas voilà, celui qui va faire les plus beaux moves, mais c'est, comme tu disais, pour être vraiment meilleur à ton poste, c'est faut être capable d'avoir un gros pull champ, faut être capable d'être weak, faut être capable de jouer pour sa team, mais aussi de carry. Il peut jouer tous les styles. Ça permet à sa team de tellement être polyvalente en fonction des games. Et tu l'as dit, si ça se passe mal, eh bien, tu t'adaptes en fonction. Et en plus, on sait que déjà, bah, il y a beaucoup de force sur Tian dans la jungle. Capacité pour Doenbi aussi d'être pareil, d'être pour la team, de beaucoup bouger, mais aussi de carry à l'époque aussi un petit peu. Franchement, c'est pas mal. Non, mais c'est très agréable à voir vraiment les FPX. Et j'ai hâte de voir la draft qu'ils vont pouvoir nous proposer. Puisque, agressive, voilà, on sait que maintenant, il y a du Viego, il y a du Gwen, il y a du Kog, il y a du Lulu, il y a du Xin Zhao, il y a tellement de choses en fait. Les seuls picks qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est genre des Zac ou des trucs comme ça. Varus 7 de ban, classique. Lee Sin, Thresh, ok. Lulu et Karma sont disponibles encore par contre. Ah, les deux enchanteurs flexibles qui posent pas mal de soucis. Lee Sin retiré très très tôt cette fois-ci, on ne veut pas le first pick. Il y a le Rennec aussi qui est généralement retiré. Est-ce que ça sera fait par les FPX? Est-ce que justement on retire éventuellement une Karma qui pourrait être reprise? Non, déjà le Rennec, ça sera par le blue side de LNG. Okay. C'est étonnant. Ah, ils se disent que peut-être face à Nuguri, de toute façon, ils ne veulent pas laisser à Nuguri. Ils se disent que si eux prennent Rennec face à Nuguri, ça ne marchera pas non plus. Du coup, je comprends l'idée, FPX en red side, ça veut dire qu'ils ont du counter potentiel. Vous connaissez un peu le principe hein, maintenant. Vous êtes habitué après 11 ans de League of Legends. Même si c'est vrai que la phase de draft a évolué. Il y a Lulu qui est dispo. T'as Udyr si tu veux y aller en mode vraiment chill, tu révèles rien. Rumble. Xin, ça marche bien. Xin, pareil. Alors, allez, qu'est-ce qu'il peut nous jouer? Allez, Kété, bah, tu parlais beaucoup du split push, lui qui est porteur de 3 Camille déjà du côté RNG. Et tu parlais forcément, on va se jeter sur ce Udyr pour Tarzan. Il va être peut-être le roi de la jungle, mais tu as dit quelle montagne se dresse face à lui, Tian, mine de rien. Donc pour les LNG qui se sont renforcés entre guillemets là-dessus, Gardon, parce qu'on a essayé. Déjà, je les trouvais pas mal au spring. Ils avaient Mikuya qui était un des rookies. Ça a été dur, tu l'as dit, tellement de bons top laners en LPL. Derrière, finalement, on essaye autre chose avec plus de constance avec Ale. Wow, réponse à coup. C'est vrai qu'on n'a pas ban cette Senna, donc la possibilité de fasting avec quoi du coup? Il y a un Tahmkench qui est open, il y a une possibilité de prendre autre chose. Ils peuvent faire à peu près tout n'importe quoi. Je les aurais bien vus ici, moi, récupérer. Ne laissez pas finir ma phrase, les FPX, tout va bien. Ah, ils n'ont pas le time, hein. Le Rumble devrait être positionné, donc jungle, évidemment ça peut être flex aussi, on ne montre pas grand chose, la reprise peut-être avec un bot side, le Varus a été retiré, mais d'autres choses sont possibles, est-ce qu'on joue du weak side qui se met en place avec le fameux Ezreal maintenant qui est en reprise assez safe face à une Senna, après est-ce qu'on a vraiment envie de temporiser, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir quelque chose de plus agressif, très tôt, la Camille. Alors Camille, c'est fort. Ça peut se faire détruire aussi. Et il est face à Nuguri. J'aime bien le fait qu'il ose quand même prendre ce genre de match-up. Ça veut dire qu'il se dit, écoutez les gars, c'est Nuguri en face. Je vais prouver que je peux faire des trucs. Une Zoé au niveau de la mid lane. Dans ces moments-là, j'adorais, tu sais, c'est voir Doombie sur une Irelia. Ça n'arrivera pas, malheureusement.
Mais ça aurait été un vrai plaisir face à Zoé. T'as tout Indra, t'as beaucoup de pics. Tu peux jouer à Lucian aussi potentiellement, c'était chaud. Alors, je pensais au Ryze, il l'a joué deux fois. Ça va être validé du côté d'Icon. Choix du late game. Un petit peu la possibilité à la fois de split push. Est-ce qu'on met bien aller éventuellement en essayant de nerfer un petit peu entre guillemets Nuguri. Ah, le fameux Tam Kenshi va être verrouillé. C'est Natam. Ouais. Lulu. C'est vrai qu'il y a cette possibilité. Qu'est-ce qui va être ban par FPX? Justement des AD ou des supports. Maintenant, obligatoirement, est-ce qu'on retire un pick comme Ezreal? Est-ce qu'on retire, tu le disais, à fait. Ouais, ça sera Ezreal pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait faire un choix late Far game Frost. Si Frost, le fort. C'est vrai qu'il y a déjà Thresh qui a sauté. Donc, oui, c'est vrai. Mais petit coq Lulu là du côté des LNG, tu peux détruire le Tam Kench, hein, c'est un des intérêts principaux du truc. Ça marche bien, ça scale en plus au moins autant que la CDR, pas de soucis, enfin t'as pas un scaling de l'infini mais. Est-ce que tu bannes Est-ce que tu bats tes midlaners là? Donc quelque chose peut-être face au Ryze, Ryze qui devrait être pré-shot mid lane, donc du coup on sait déjà, ouais on va protéger. Elle a Camille, c'est vrai qu'il a un gros gnar Nuguri aussi. Bah Ryze il aime pas affronter les Cassio, mais les Cassio on en voit pas beaucoup en ce moment. Ouais, zéro même. Ou, tu peux avoir la Orianna Doombie hein. C'est jamais mauvais Orianna face à Ryze, c'est ok. Voilà, il casse. Il y a le S que j'ai pré-shot, il y a la Lulu que t'avais pré-shot pour le Lulu Kog. On va casser tout de suite la dynamique. Et Lulu qu'on pouvait voir, des fois c'est assez marrant qu'il se flex un support mid et top. Ouais, aussi, c'est. Qui permet de booster ton. Il y a des picks, ça me gêne pas que ça se flex, il y en a d'autres, j'aime pas quoi. Genre Lulu, j'aime pas. On a toujours le Viego 2 disponible, ne pas oublier, il a pas été touché ni par une équipe ni par l'autre. Du côté des LNG, il n'a aucune chance d'apparaître, mais du côté des FPX. Ah, ça pourrait. Il peut te scier un petit peu. Ça, c'est tous les pics de Doombie. Ouais. On est en train d'essayer de bait. Oh. Alors, Kled, face à Ryze, détruit le Ryze, je pense. Hein. Et surtout, bah, Doombie pourra courir avec son chargé pour aller aider Tian. Et c'est chose faite du côté des FPX. Oh là, le Kled, le fameux, hein, le seul, vous le connaissez en LPL, le Kled de Doombie qui permet de prendre l'initiative. Il était là à chaque fois avec ses Nocturnes, ses Kleds. Les gars, on rentre dedans. De toute façon, je donne le top départ. Et la possibilité, pourquoi pas, de rentrer dedans avec un Equalizer derrière en plus pour Tian. On a la possibilité évidemment de se replacer. Il y a le Tam Kench qui est là pour sécuriser spot side. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour essayer un petit peu de gêner tout ça? Ça sera. Oh, Rakan, ils veulent aller engage vraiment. Est-ce qu'on peut disengage avec un Xayah Rakan du côté de Light? Ouais, tu peux engage, ah, hein, c'est sinon, chaud tu, de prendre Jean contre Jean, ceci dit, t'as du wave clear. Par exemple, niveau 5, vraiment, t'es pas mal en termes de wave clear. Donc tu vas outpush Senna. Tu vas pouvoir lock avec le Rakan en plus au besoin. Jinx, c'est pour assurer le scaling. Sachant qu'en termes de scaling, Camille, Ryze, Jinx, ça va, tu vois. T'es plutôt bien en termes de scaling. Par contre, au niveau de la bot lane, si Doombie arrive à se libérer du mid avec son Kled, tu peux aller détruire Jinx. Ouais, complètement. Ça permet de rendre le bot side incroyable. C'est chaud de prendre encore un AD, j'imagine. Et ça pourrait carrément être une Akali. Alors pour qui? Pour Nuguri, normalement, le Kled serait plutôt mid lane. Tu le disais, sur un Ryze. Moi, je préférerais. En fait, c'est juste que je préfère Nuguri sur Akali que Doombie sur Akali. Voilà, ouais, c'est juste d'accord. En termes de ouais, mécanique des joueurs. Et c'est ce qui va arriver, pour le coup. C'est ce qui va arriver. Alors au niveau du top, là, Akali face à la Camille, je ne connais pas exactement le match-up, mais je pense qu'avec ta smoke, t'es plutôt pas mal. Parce que même si la Camille arrive à te mettre le hookshot, à te stun, faut pas oublier qu'il y a une augmentation de vitesse d'attaque hein, après le hookshot, bah, elle pourra pas toucher ses protocoles de précision, quoi. Parce que tu seras caché. Ça tempo bien, ouais. A priori, sur le 1v1. Possibilité, évidemment, de dépush facile aussi avec les kunai. Ouais, la smoke, effectivement, qui peut perturber les combos du côté de la Camille. On s'y attendait, hein, c'était le pic le plus joué. Ça, pas surprenant, ça a été pris tellement tôt qu'on a la possibilité de flex. On a pris le Kled, on a pris en dernière rotation Akali. C'est incroyable, qui n'a pas été du tout ban. Parce que Akali qui snowball, ça veut vraiment donner... vraiment le rythme du BO et du côté FPX, on va aller chercher l'agression totale. Et justement, tu l'as dit, quand on voit les options late game qu'il y a en face du côté LNG, on veut pas perdre de temps. Et c'est l'ADN FPX, c'est-à-dire qu'on va rentrer dedans, le Kled, top départ, la Akali qui peut faire des pick-up, la possibilité évidemment de jouer avec ce Rumble également. Et il me faisait peur parce que le Jinx c'était compliqué à sortir, il n'y aurait pas trop eu rappel de rideau. Là, la Jinx, pourquoi pas, rester un peu plus safe. J'attends de voir le Rakan aussi. Bah, la Jinx va bien avec le reste de l'équipe en termes de scaling en fait, finalement. Ouais, tu auras de gros teamfights et clair. Tout, mais ça peut prendre du temps. Et le temps, tu n'en auras pas forcément selon comment joue Doombie, selon comment joue Tian. Ça va être les deux acteurs vraiment de leur lit, à mon avis. Hein. Parce que la Kali, elle va être là pour ramasser les miettes comme Knight tout à l'heure. Mais j'aime bien l'idée des LNG de se dire on a des options mécaniques, on a aussi une belle option de scaling. Pour ça, il faut juste pas mourir trop vite. Ouais, on sait jamais si Tarzan arrive à faire des diffs, qu'on gêne un petit peu Nuguri.
On verra un petit peu où est-ce que va se passer, placer Rumble. Mais tu peux jouer soit du snowball un peu top, soit après tu as du late game avec ta mid lane plus ton bot side. Normalement, en tout cas, on est parti. Première game de ce BO qui est mine de rien équilibré sur le papier, même si les FPX sont peut-être légèrement devant. Deux équipes invaincues. Vous le verrez bien sûr, une équipe sera seule invaincue à la fin de ce BO. Et oui, et ils ont été vus là, les LNG, en faisant coucou dans la jungle adverse. Ils ont pris l'information au niveau du red buff des Fun plus Phoenix. Pas de rune fondamentale surprenante, hein, qu'on soit bien d'accord. On reste vraiment sur quelque chose de classique. À noter peut-être Icon qui, au lieu de jouer avec un rush phasique, ce qu'on voit souvent, joue avec un Conqueror. Oui. Voilà, je me dis, ça mérite au moins d'être mentionné. Ouais, il s'attend à devoir rester longtemps dans les fights et de gagner en puissance plutôt que d'avoir de la mobilité pour se repositionner, ce qui aurait pu être intéressant pour essayer de temporiser un petit peu l'agressivité et le go-in de Duanbi notamment. C'est vrai que ça va rentrer dedans. Il y a une telle possibilité de rentrer dedans avec en plus cette WX qui généralement sustain à distance éventuellement pour aider Nuguri, voire Duanbi, voire même Tian. On le rappelle, Rumble fait beaucoup de dégâts mais assez squishy hein, en early mid game. Ah oui, non. Rumble, faut pas hésiter à lui sauter dessus. Faire attention au lance-flamme parce qu'il y a des chances qu'il te fasse aussi mal, voire plus mal qu'autre chose. Mais bon. Et voilà, c'est révélé là. C'est le 21e joueur à avoir 3500 assists. 3500, mais c'est qui le premier exactement et il a combien? Ouais, à chaque fois, il y a cette petite course sur les assets là aux assists là avec le premier, mais je sais plus, il y a 3500, ça doit être pas loin d'être lui hein, parce que j'ai pas vu de camp 1000 hier, il y avait des 2005, des choses 21e. Comme ça. Ça veut dire qu'il y a 20 personnes devant lui quoi. Non, il lui reste 21 pour atteindre les 3005. Il reste 21. Ok, autant pour moi. C'était... Non. Ouais, j'ai cru que c'était son classement 21e. Non, non, sinon c'était... À avoir 3500 assists et tout, ok. Pardonnez-moi. Ouais, c'est le Rich qui lui manque. Désolé, je parle pas très bien chinois encore. Hein. C'est Frost qui me perturbe. Je sais que tout à l'heure, ça t'a un petit peu perturbé. On va rester focus quand même, malgré mes coups d'éclat. C'est incroyable. J'étais sûr que vous étiez pas prêts, c'était tellement... Ah ouais, non mais parfait comme truc. Tian qui va finir sa jungle au niveau du bot side. On a la prio évidemment du côté des FPX pour le moment. La Jinx pourra la reprendre un petit peu plus tard normalement. Évidemment du côté de Tarzan on va finir top side. Enfin évidemment, comme ils n'ont pas de prio de lane en fait à part mid actuellement, les LNG, il va falloir se débrouiller parce que ça veut dire que le carapateur top n'est pas forcément assuré. Si à tout hasard Winbi arrive à prendre prio mid, je vois pas trop ce qui se passe au niveau de la mid lane, mais ça a pas l'air d'être au top pour lui. Mais s'il avait réussi à prendre prio, qu'il avait prio top du côté Nuguri, ils auraient peut-être pu deny le carapateur à Tarzan. Ouais, ça sera pas le cas de chaque côté pour l'instant. Le Rumble qui avait clear plus tôt, vous l'avez vu, Corbin, Red, il a été vu en plus sur ce trinket qui avait été placé sur le Red Buff. Et Tarzan tout de suite sur un pic qui a été nerf, enfin Udyr qui avait été nerf sur le Phoenix notamment. Ouais. Et Karim qui est rebuff. Il y aura beaucoup de changements sur le 11.13. Là, on l'a vu en bas à gauche, hein, c'est notifié 11.11. Et peut-être un dive tout de suite, Duanbi, qui a été tout de suite travaillé au corps. Pourquoi pas le flash pour se repositionner à droite. Il sait qu'il a la pression parce qu'on ne sait pas où se trouve vraiment son jungler, puisque sa route allait vers la droite pour Tian. Mais c'est un flash gratos. Belle pression au début de game des LNG. Complètement. Tarzan qui a su trouver le bon passing. En plus, il a pris l'information au niveau des Corbin de Tian. Donc là, il voit Tian, hein, il long ping juste avant. Nuguri qui est sous pression, c'est attention au niveau du bot. Par contre, c'est Iwandi qui doit reculer pour le moment. Ça le dive. Tentative de dive sur Nuguri. Plus de flash maintenant pour la Nug. Il ne pourra pas s'échapper. First Blood du côté de Hale. Ah là là, c'est tellement bien joué, exécuté. On aura besoin de ça côté LNG, être capable d'aller très vite parce que le call, il est là, mais il faut être capable de l'exécuter sur un Nuguri. La TP avait été présente. Attention à Tian qui va annuler. Peut-être on va aller sur lui. Flash in de la part de Icon. Est-ce que oui, on l'a dit, très squish kiss. Rumble qui va tomber ultra rapidement. Nuguri qui va essayer de faire les différences. La smoke peut-être avec l'arrivée dans le backup de Duanbi. Est-ce qu'on est obligé de faire des kills? Ça devrait peut-être passer la chaîne. On a flash, double flash du côté LNG. La cage qui va peut-être carry. On va se repositionner. Nuguri, il s'est fait encore qui va retourner. Mais c'est quoi ce qui se passe? C'est insane. Allez, qui va faire tomber la monture? Oh, ils sont tous low life. Mais c'est pas possible. 3-0. Il a tellement carry avec les cages, Gardoum. Mais oui, mais il y a eu un grid colossal de Tian qui a avancé un peu trop tôt sur les adversaires. Il était donc 1v3, 1v2 au début d'ailleurs. Nuguri qui pouvait pas arriver plus vite que ça après sa mort. Hein. Clairement, Duanbi, au moins il arrive, son piège à ours n'a pas touché la bonne personne, ça a touché Tarzan et c'est pas ce qu'il souhaitait. On va revoir tout ça. Et voilà, là c'est le moment où Tian, il est tout seul. Le temps que Nuguri arrive, il est déjà mort, Tian. Tarzan qui rejoint les copains. Il y a du CC, Nuguri, il a pas les dégâts pour tuer Icon. Duanbi arrive et regardez Duanbi, en fait, son piège à ours, il va toucher Tarzan.
Ouais, alors que c'était clairement pour aller qu'il y a Flash derrière, Tarzan aussi, Icon qui récupère les CD, c'est tellement bien joué. Et là, c'est pas possible, le stun de Tarzan qui carry et qui permet à aller de récupérer le CD, le hookshot qui repart vers l'avant. Oh, on a rarement vu les FPX se faire prendre comme ça, c'est-à-dire wow. Sur des... En fait, ils sont en réaction eux-mêmes, ils sont très forts là-dessus. Et là, LNG a été capable de se réadapter à chaque fois, de jouer avec les CD. Et ça, mentalement, ça peut jouer. Hein. Ah, clairement, ça peut être chaud du côté des FPX. 3-0, 1000 gold d'avance là-dessus. Il faudra attendre le niveau 6 de Doinbi pour moi. Une fois qu'il y a le niveau 6 de Doinbi, Tian Nuguri, ils vont avoir des options au niveau de la map. Et il faudra les utiliser vite. Parce que tu l'as dit, la Camille 3-0, mais en termes de RVM, déjà, c'est pris, pour ouais, Nuguri. Et après, en termes de game global. Oh, le split push. Ouais. Oh là là. Oh là. La déception pour Nuguri qui se dit d'un coup, les gars, avec ce double move, 3-0 sur ma lane. Et c'est ce qu'on disait, la possibilité de faire snowball, un pick qui peut split push. Et là, Tarzan, bah, plus besoin de faire grand-chose. Le top est déjà un petit peu dicté. Après, ça reste Nuguri en face. Hein. Bien sûr, tu l'as dit, ce pick d'Akali qui est censé quasiment un petit peu counter naturellement Camille. Mais ça peut être compliqué à gérer ce 3-0 parce que Camille va avoir son mythique très rapidement. Et là, en plus, il y a eu des assists. Hein. 3 quand même hein, sur Icon avec son Ryze. Ah oui, c'est pas non négligeable. Mais il se prend 20 CS. Enfin, un peu moins, on va dire une quinzaine si on compte les clips sur le tour. On essaie de dive ici. Icon qui est tout seul. Il a pas de flash. Icon qui va tomber rapidement sous les coups de Tian. Pendant cela, ça se retourne LWX. Malheureusement, qui s'est trop avancé. Et la téléportation de Hale. Ça fait beaucoup de joueurs LNG ici dans leur propre jungle. Tu me diras, c'est assez normal. Oh, j'adore cette game, Gardoum, ça part dans tous les sens. FPX qui n'est pas habitué à se faire gérer comme ça en début de game sur les moves et qu'on voulait répondre, peut-être forcer même Doinbi qui est complètement condamné. Hookshot, 4e. Non, il va le laisser à Light, parfait. Light qui avait fait le décalage. C'est une bonne récompense pour la décarry des LNG. Non, mais ça va, il y a Tam Kench qui farm au bot pendant ce temps-là, t'inquiète. C'est une consolation. Hein. La réponse au mid, alors que le dive était exécuté, l'agressivité à l'état pur, vous êtes en LPL, messieurs, dames. Et derrière, c'était un kill de fait, forcément, sur Icon, mais derrière, on avait la possibilité de se retourner. Attention quand même, hein. 4-0 sur Camille, my bad, puisqu'il a repris le kill au mid avant d'aller c'est quasiment vrai. Refaire un double. Il l'a laissé sur Light Light qui a dû dire hey bro, t'as déjà 4 kills, au top c'est bon, essaye, laisse-moi. Fais croquer, frère. Et il l'a regardé, il lui a dit exactement ça. Après, on notera que l'écart de gold c'est 1500, donc ce qui a déjà beaucoup d'impact à 8 minutes de jeu. On a déjà vu les FPX revenir de ça, mais en ce moment, comme l'ANG c'est chaud, écoute, il y a peut-être un espoir. Tian il a pas peur, hein. Tian il n'y a pas son top laner qui est là. Au niveau du mid, c'est un peu chaud. Il se dit, écoutez les gars, sur un malentendu, attention, je peux faire le héros de la faille. Seulement, il n'y aura pas de malentendu puisque Tarzan est là. Ouais, Tarzan, attention aussi, mais pour l'instant, l'appui de Doinbi est le premier. Il y avait décalage aussi du Senatam au bon moment, heureusement. Et ça va permettre de mettre la pression suffisante pour laisser finalement Tian récupérer cet objectif majeur. Hein, objectif qui peut permettre d'aller récupérer un maximum de plates. Mais où justement, parce qu'il faut trouver une ouverture pour avoir le push et récupérer des plates. Voir justement un endroit où on en gratte une ou deux pour ensuite ouvrir sur une first brick. Tu mets sur Nuguri ou alors tu dis qu'il est complètement claqué, qu'il ne pourra rien faire parce que la Camille a déjà le Defender Divin avant 9 minutes de jeu. Ou est-ce que tu mets au mid pour te dire, bah écoute, Doinbi, super carré Doinbi, quoi, on a besoin de toi. Ouais, peut-être justement pour aller le plus vite sur l'ouverture, essayer de l'aider dans le push. Hein, finalement, face à un Ryze, ça va être très compliqué aussi. Le but du Ryze, c'est très vite, au bout d'un moment, d'avoir assez de CDR pour clean sa wave rapidement avec une résonance là. Et on le voit, voilà, la possibilité à chaque fois de pouvoir décaler pour sa team. Peut-être Tian qui est révélé encore une fois, le trinket. Est-ce qu'il y a une possibilité? Pas du tout. Ça sera un Drake, en plus Drake océan, bon move là. Tiens, vraiment, il va récupérer les objectifs, il en a cure hein, de tout ce qui se passe sur la map. C'est hop, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et il a raison, si tu joues avec la peur au ventre, tu ne joues pas. Faut être tellement confiant que même en retard, tu te dis que tu peux gagner. Et je trouve ça bien vraiment que les FPX arrivent à faire ça. Ça change pas qu'il y a un avantage de gold du côté des NG, ça change pas que top actuellement, hey, il détruit n'importe qui. D'autant que bon, bientôt niveau 9, donc le protocole de précision rend 5 potentiellement. Mais à côté de ça, bah, côté FPX, il va falloir trouver des options. Et l'option pour moi, vraiment, c'est le chargé de Doinbi accompagné d'un equalizer de Tian. Ouais, la spéciale. Et attention à ce que tu l'as dit, la pression. Voilà, ce trinket qui permet de révéler aussi l'agressivité de Tian. Tian qui arrive sur les Krugs. Peut-être se faire bum, justement. Attention, ça peut prendre assez cher. On sait qu'il y a un Tam Kench pas loin. On l'a vu à chaque fois que le Rakan vient pour un bum, puis il peut faire la dévoration. LWX qui n'était pas trop enquiquiné. Et justement, au mid, Tarzan qui est là pour attendre. Il attend la transi. Il sait que Doinbi va arriver justement pour mettre la pression un maximum. Mais pour l'instant, Icon qui met un petit peu de temps vu qu'il y avait une wave à récupérer. Et ça va être fait tellement rapidement déjà pour lui.
Ils connaissent par cœur le cerveau de Doinbi. Ça a été analysé, ça, hein, ils savent, hein, les décalages, ils savent le side, ah, ils peuvent essayer de pré-shot. Ça va être important parce que tu le disais, Gardum, tout va se jouer sur est-ce qu'il y aura des erreurs côté LNG, sachant que côté FPX, on se dit peut-être dans l'agressivité, est-ce que LNG va se roue, est-ce que c'est une équipe qui est assez stable pour garder son lead, alors que ça va bouger, bot. Oh, les collisions directement le portail transdimensionnel de la part de Icon, ils sont trop nombreux, l'ulti qui ne touchera pas, c'est du côté de LW qui c'est un 4v4, un kill qui a été récupéré par Doinbi. Est-ce qu'on peut enchaîner Icon? Il va mourir lui aussi, quoique Icon, le flash-in de Tian qui pousse assez loin, Iwandi qui essaie de le sauver, tant bien que mal, ils sont très low HP sous la tourelle, Tian qui s'avance, oh, la traversée des abysses de Stamkench, on veut les enfermer, il faut pousser les sbires. Oh, ils ont plus de PV, ils peuvent rien faire là-dessous, et ils vont être récupérés un par un et ça va faire très très mal. 3 kills de récupérer, ah ouais, un doublé en plus de ça sur Tian. Il n'y avait pas la wave, il y avait pas la wave, ils étaient très très low. Je crois qu'ils ont perdu quand même LWX. C'est ça, ils l'ont perdu mais la game elle vient de se retourner. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que t'as une équipe à 1500 gold de retard qui se dit les gars on va faire un dive bot. Oh t'es sûr frère? Ouais, dive bot. Hop, plus 600 gold. C'est incroyable. C'est-à-dire que même en étant en retard, ils osent faire ce genre de move et ils ont raison, hein, en plus, ils ont vraiment raison de le faire. Parce que bah, ils ont un Kled et il faut en abuser. Ils ont un Rumble aussi qui est très fort à ce moment-là. Et ils commencent à 3 quand même. Ils se sont fait split. Ils ont bien regroupé. Et c'est là, hein, la vitesse d'exécution, le regroupement, les FPX qui ne tergiversent pas. Et regarde qu'ils vont être capables de tout de suite. Tu sais qu'il va flash pour essayer d'aller sur Icon. Et dans un deuxième temps, heureusement pour eux, eh bien, il n'y a pas de possibilité de vraiment rester sous cette tourelle. Oh et non, oh, top, Nukuri. Ouais. Le pauvre. Oh le pauvre. Oh, je pensais qu'il allait réussir à se faire tuer sans assist à côté, mais non, il y a eu les assists. T'as pas dû jouer à grand chose. L'equalizer histoire. Ouf, j'allais dire oui. C'est pas pour un engage ça. C'est histoire de wave clear, la troll bot qui a été récupérée tout de même de la part de Doinbi. On lui donne des golds à Skled, hein, il en a besoin. Il y a aussi des golds du côté de LWX dans une certaine mesure. Tian, c'est Nukuri qui va passer une très mauvaise game, mais si ses alliés font assez mal, il pourra juste aller récupérer les petits kills comme Knight tout à l'heure. Ouais, c'est, il sera là pour être un finisher. Plus qu'autre chose, et jouer sur finalement le gros burst, hein, qui peut être trouvé par Tian, par Doinbi, et finalement essayer de jouer les troubles faits. Hein, l'électron libre qui est là, qui prend pas de risque au début, qui rentre dans les fights dans un second temps pour essayer d'aller assassiner une à deux personnes, terminer le travail avec son ultimate, avec sa smoke pour temporiser, se repositionner. Les boltanes qui sont placés au mid maintenant. Et c'est dur parce qu'il y a une option de split push claire. Il y a Camille qui est vraiment sur orbite du côté des LNG. Ça, c'est une bonne nouvelle. De l'autre côté, on sait que tu as un gros joueur sur un side, que tu as la possibilité maintenant de te projeter vers le late game parce que tu as Icon qui avait beaucoup d'assists. C'est un race qui sera dangereux. Derrière, il y a Light. Après, pour l'instant, Light, c'est un petit peu délicat pour lui puisque ils ne peuvent pas vraiment y aller avec le Rakan. On l'a vu, hein, la possibilité de disengage. À chaque fois, c'est chaud parce qu'il y a un Kled qui va rentrer dedans. Ouais. Ok, Doinbi a l'air chaud. Mais bon, c'était le premier protocole de précision. Le deuxième, je pense que ça a mal se passer pour lui. Et il y a Tian qui arrive. Est-ce qu'on peut bait réellement? Non. On ne va pas pouvoir. Ail qui joue de on façon va forcer assez safe sur Camille, ouais. Alors qu'il y a un hookshot, que la possibilité, je pense, d'être très mobile. Voilà, en plus, il y a les salades qui vont être récupérées. Voilà, jamais ils vont l'avoir. On va perdre sûrement du temps. Et pour aller, c'est tout bon, hein, parce qu'il va récupérer la pression. Il peut donner à sa team l'information sur Tian, qui est un élément hyper important. Christ, peut-être le go-in, justement, dit Wandy. Ils ont des fourmis dans les jambes, peut-être les LNG, c'est pas mal, qui veulent être proactifs. Ouais, attention, parce qu'il y a l'ultimate en plus de ça de la part de LWX pour terminer cette agression. Ça s'est passé vachement mieux que j'aurais cru. Ouais. Parce que Crisp, il a pas hésité à flash de l'autre côté du mur. Hop, dévoration sur LWX. Écoute, ça s'est bien goupillé. Le deuxième héros de la faille qui va être concédé par les FPX. On dit on a eu le premier qui était le plus important. On a récupéré la first brick. Maintenant, on joue les Drake, puisque même si eux ils ont le deuxième héros de la faille, ce sera moins utile que de pouvoir scale avec Dragon des nuages, Dragon de l'Infernal, ça va être quoi, ça va être quoi? Attention, instant de vérité. Nuage. Avec des pics comme ça, Tom Ken, ceci dit, qui court un peu plus vite, c'est pas ouais, en plus Rumble, hein, Rumble qui a déjà pas de CD quasiment sur son Equalizer. Ça peut être très très délicat. Le top départ qui sera encore plus rapide pour les FPX, qui sont prêts à répondre, hein, du tac au tac. C'est ça qui est bon, hein, quand on les a vus dans l'agressivité. Gardum, tu as dit, ils n'ont pas hésité. Mid quand même, ils ont tenté, c'était chaud. Ouais. Derrière, ils vont au bot, tout de suite, ils dive aussi. Ils n'ont pas peur, voilà, d'essayer de se projeter. Ils savent que de toute façon, en late game, c'est compliqué. Il y a du Raz, il y a de la Jinx. Il y a une Camille en plus de ça qui peut mettre la pression, absorber le 2v1 aussi. Il peut désengage. Et c'est ça qui est bon aussi côté LNG, c'est qu'on a plusieurs solutions pour essayer de finalement de jouer comme tu avais dit un petit peu. On essaye de temporiser un peu les agressivités FPX
Le but, c'est de réussir à avoir ces informations assez rapidement pour en faire quelque chose de l'autre côté de la map. C'est ça, il faut un gros warding. Hein. Vous le voyez actuellement, le warding est principalement bot side. Il y a quelques wards dans la rivière top du côté des FPX. Oh, bah, cette fameuse ward d'ailleurs d'Unbi. Malheureusement, elle restera présente. Mais ouais, l'idée, c'est de jouer le split. Hein. Split incroyable du côté des LNG, vraiment. Hein. Il faut juste qu'ils puissent le mettre en place. Et t'as un 3-1 avec Ryze et Camille en plus. Tu peux essayer de jouer justement pour de split les FPX qui sont bons en exécution, en regroupement instantané. Hein. On l'a vu à chaque fois d'ailleurs. Dans ce spring split. Ah, prochain objectif, ça va être quoi? Pas de dragon dans 3 minutes 30. On voudra le défendre du côté des LNG. Est-ce qu'ils auront la force au requis? C'est un peu la question que je me pose. Tarzan sera pas trop mal. La Camille aura son deuxième item du côté de Hale, pas de problème. Mais en face, t'as un Indy qui est bien revenu. T'as le moissonneur d'âme du coup du côté de Yotian. Mince, l'item qu'il a, dont j'ai oublié le nom. Le Dark Harvester Ouais, moissonneur nocturne, quelque chose comme ça. Ah, moissonneur nocturne, je crois que c'est ça. En français, ouais, je sais que j'ai souvent les noms déjà en anglais de base. Ça doit être le moissonneur nocturne, je pense. Night Harvester, ouais, moissonneur nocturne, je pense. J'étais pas loin avec moissonneur, mais... confondu légèrement avec la rune fondamentale bien sûr. Donc pour l'instant côté FPX, t'as envie de défendre un petit peu, t'as envie de que ta Akali revienne. Il y a un item, il y a le Riftmaker quand même qui est présent. Et t'as toujours cet espoir de la Senna qui hard scale à l'infini par rapport aux adversaires aussi, hein. Et surtout en fait la Senna elle a un double intérêt, c'est pas juste son propre scaling, ses dégâts. D'ailleurs on notera qu'elle joue pas profondeur divin mais qu'elle joue avec le Kraken. Mais c'est aussi le fait de pouvoir heal les alliés, leur permet de rester longtemps en fight, que ce soit via son Q-spell mais aussi via l'ultimate. Ouais, totalement, hein, c'est ça, hein, c'est un assistana total sur Dwenby et surtout pour sustain Tian et voir Nukuri s'il veut tempo avec la smoke. Il y a vraiment cette faculté à aller très vite sur l'exécution de début de fight et ensuite pourquoi pas de sustain pour continuer le fight. Côté aller, il faut continuer comme ça hein, pour l'instant. L'outfarm n'est pas si massif que ça que 10 CS, mais c'est vrai qu'on avait récupéré beaucoup de kills. Derrière, la possibilité de se projeter donc, sur cette fameuse Hydrovoras, un deuxième item et quasiment une tenue de lane infinie hein, en split. Capacité de sustain, même quand tu subis l'agression, tu recules un peu avec le hookshot, tu recules, tu attends, tu remets la pression à chaque fois. Tu sais que ton side, il sera pushé à chaque fois. Tu mets une pression même pour le Nash, tu gardes ta TP, tu rejoins l'équipe s'il y a besoin. Après, c'est le bon choix. En plus, Icon, il va pouvoir push les sides facilement, donc ça veut dire que c'est double side qui est push. Pour les FPX, faut voir la réponse qui peut être apportée, c'est-à-dire le full go-in. Hein. Ils peuvent jouer ça, effectivement, un petit poussé séparé, pas piqué d'un ton. Il y aurait de quoi faire, mais pour l'instant, côté FPX, marrant, c'est que tu vois qu'il temporise. Ils n'ont pas encore le niveau 11 de Tian non plus. Un Equalizer rang 1 maintenant, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt. Avec un Equalizer rang 2, ah, si tu chopes le Ryze et la Jinx, vraiment le fight peut devenir horrible à jouer du côté des LNG. Ça, hein, et puis avec un ADC peu mobile, hein, parce que même s'il y a un Rakan, Rakan est là pour évidemment piler un petit peu, mais bon, ça ne peut pas non plus offrir une porte de sortie à la Jinx, qui peut être bloquée. Hein, elle joue heal, donc il n'y a pas de cleanse. On reste évidemment stack sur le slow. Le target va être important. Light pour l'instant assez tranquille. Double Kraken pour les ADC, t'en avais parlé. On a quoi? On a le Gordrinker côté du Kled. On attendra évidemment pour vraiment rentrer dans le fight correctement. Et Light qui va rester au mid. Le but est à chaque fois évidemment de défendre cette tourelle T1 mid. La map n'est pas ouverte. Bah ouais, parce que sinon si t'arrives pas à défendre la tourelle, le problème c'est que tu vas complètement ouvrir le bot side jungle. Et si les FPX ils peuvent avancer leur ward au niveau du bot side jungle, donc ça fait un quart de jungle volé. Des gold évidemment en moins, mais aussi et surtout les contrôles du dragon. Oh, ça c'est le râle du désespoir. C'est écoutez les gars, on l'a dans les poches, on sait pas quoi en faire. Autant le donner à Camille, autant filer des thunes à Hale. Il est déjà tellement bien, il a déjà deux items. Il faut pousser dessus. Ouais, il était full life. Plus la TP, c'est. Ouais, parce qu'il a TP, parce que le héros a été lâché, donc du coup il a voulu accompagner absolument, sinon ça aurait été quand même dommage. La tourelle est récupérée. Est-ce que. Ah, il a l'appui quand même de Tarzan aussi. Il faut faire gaffe, hein, parce que c'est un Drake dans 10 secondes. Voilà, le héros de la faille qui va être abandonné, il a déjà fait son taf. Bon, ça aurait été bien, hit T2, mais c'est pas grave. Le NB qui a fait quand même sa TP, parce que de toute façon ils sont sur le side qui va commencer à revenir vers le Drake. Oui, du coup, il voulait être là, faire acte de présence avec ses alliés pour pouvoir récupérer l'information, mettre des wards, canceler les wards adverses aussi potentiellement. Mais là, ils sont pas vraiment dans une très bonne position. Les FPX, il n'y a toujours pas le niveau 11 de Tian. C'est tellement dommage d'arriver à avoir un objectif, d'avoir un Equalizer 2 disponible et de ne pas être niveau 11. Oh, ils veulent y aller, top départ, avec évidemment le rush-in du Kled. L'Equalizer qui a été posé en fin de rush pour essayer de faire reculer cette équipe. C'était au-delà de faire des kills, on fait reculer pour garder la position, mais on n'a plus grand chose pour initier là-dessus Gardo, mais on va subir justement le flank. Attention, il y a Ale qui est derrière. Oh, ils l'ont pas vu, je crois. Il faut se méfier, il reste bien paqué tout de même.
Elle tourne pas mal, mais le flash inside et l'engage qui a été fait de la part de Iwandi. Ça se retourne à Iwandi qui est tombé rapidement. Elle qui est en plein milieu de la mêlée. Est-ce qu'il peut le faire? Elle, pour l'instant, il n'y a pas de kill de récupérer. Elle qui va trouver sa shotgun de récupérer par Dwinbi. Le RPX remporte ce fight. Tarzan qui essaie de s'échapper tant bien que mal. Le dragon a été récupéré par Light. Mais ça fait 4 kills en faveur des Fun Triple plus kill pour finalement Dwinbi. Et Tian qui va aller cramer directement le jungler pour s'ouvrir grand les portes du Nashor. Ah, c'est pas très grave, ils ont perdu effectivement par la Jinx, le Drake, mais quel fight, il n'y a pas eu assez de dégâts, quel sustain, LW c'était free pour ensuite sustain toute sa team et était derrière, on n'a pas réussi à les faire tomber, quelle gestion de fight, c'est les FPX, non mais incroyable. C'est incroyable, ils perdent personne. Dans le zoom sur la LPL, on aurait analysé ce teamfight. Ah ouais, c'est scandaleux, on attend avec impatience le replay sur ce reset après le Nashor. Alors que le setup était bon, tu l'as dit, pas vu du côté de Halley, on essaye de regrouper. Oh, je crois que c'est focus, grave. C'est le focus de joueurs des LNG qui n'étaient pas fous. Après, les LNG actuellement, Rodraf fait pas mal, hein. Ryze fait pas mal, Jinx ça fait pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça pose problème. Là où au moins le WX, bah, il met du CC, il met du shield, il met du heal. Et là on voit l'engage du coup, elle est faite. Il s'en doute quand même un petit peu, on l'a vu la position, et Wandy qui rentre tout seul dans le fight, qui tombe trop vite. Derrière il se fait exhaust, allez, donc il fait pas grand chose. L'ultimate pour sustain toute sa team. Ouais, c'est vraiment masterclass là. L'ultimate Dwinbi qui reste derrière, on perd personne. Et à partir de là, c'est fini. En plus on se fait taper par le Drake. Mais ils ont tous fait un fight monstrueux, hein. Qui tanque la terre entière pour ensuite sortir du fight, faire un petit flash out, il prend un triple kill là-dessus. C'est grave mérité. Ils ont tous fait un fight de folie. Et illégal. Ouais. Waouh. Ah, ils sont tellement stables, c'est ça la résilience en fight avec leur composition, alors que pour l'instant c'était très très compliqué, ils repassent devant, 4K quasiment d'avance. Ah, Dwinbi là par contre, il n'y a pas bon. Il n'y a plus de monture, flash in pour aller le chercher, ultimate en extech pour aller, alors qu'il y a un autre kill qui est fait en simultané, au mid là-dessus, Gardoum, top portail transdimensionnel. Aussi. Personne ne peut se battre face à Camille, aïe, double shutdown pour Ayle. 950 gold plus 700 gold, ça fait 1650 gold. Personne ne doit se battre avec Camille en 1v1. Oh, quel game, on est à 22 minutes, 20 kills, 10 partout. Et à chaque fois, c'est une agressivité ultra. Vas-y, reprends ta phrase depuis le début. Extrême, voilà. C'est l'agressivité totale. Je me suis complètement emmêlé, mais c'est incroyable. Genre, ils viennent se faire clean ace, derrière, ils repartent au combat. Il y a un fight bot, agressivité mid. Ultimate de Ryze pour revenir sur le bot side. Non, il s'est passé quoi ici? Parce que là, bot, t'as Dwinbi qui se bagarre tout seul. Ah, mais c'est LW qui s'est fait catch. Jamais de la vie, ça doit arriver, ça. Jamais de la vie. Parce que bot, bon, à partir du moment où il y a un 1v1, Dwinbi peut pas le gagner. Personne ne gagne face à elle, hein. Vraiment, faut qu'il soit 2 ou 3 pour le tuer. Parce qu'ils ont pas d'anti-heal. C'est bête, hein, mais bon. La Camille, entre sa poigne de l'immortel, le profondeur divin, l'hydrovorace, si t'as pas d'anti-heal et que t'es pas plein, ça ne passe pas. Ouais, et attention quand même à cette Camille qui doit être respectée, on peut pas la prendre en 1v1, on l'a vu, 7-1 pour Halley maintenant qui doit continuer son taf, et décalage on l'a vu avec l'ultimate de Ryze, c'est bien, après avoir perdu clairement le fight, et on rééquilibre les débats, toujours un petit peu en retard en termes de gold, ah, c'est bien ce que proposent les LNG parce qu'on attendait justement une réponse claire de leur part, être capable de répondre finalement au FPX. Ah, combien? Il n'y a que 2000 gold d'avance pour FPX. Prochain objectif, ça va être le prochain dragon. Dragon de Damoclès potentiel, côté Fun plus Phoenix. Mais les LNG, ils commencent à avoir de quoi se battre. Parce que autant le fight précédent dans la rivière, bah, les LNG, ils n'avaient pas de dégâts. Hein, que ce soit Ryze, que ce soit Jinx. Sauf que là, tu es à 2 items sur Jinx, 2 items sur Ryze. Ça va faire que croître encore d'ici 1 minute 20. Le fight sera pas aussi gratuit pour les Fun plus Phoenix. Et s'ils n'arrivent pas à tuer rapidement Ayle, c'est elle qui va tuer toute leur équipe. Ouais, ça, c'est qu'on l'attend en flanc, on l'a vu, hein, il s'était fait un peu contrôler. Ce qui me fait peur, c'était Yuandi, hein, la vitesse où il tombe, hein, finalement, parce qu'on essaye de reculer. On attend cette entrée, justement, d'Huracan dans le fight. Et généralement, FPX capable, sur le coup, hein, de bien encaisser l'agressivité avant de repartir et de faire ce clean ace qui offrait le Nashor. Et finalement, on n'a pas trop encaissé côté LNG. Cette force de frappe, la Camille, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et derrière, cette possibilité de snowball et de scale vraiment fort. Après, tu l'as dit, en face, il y a quand même LWX qui scale jusqu'à l'infini. Ouais. Putain, la Akali. Alors, Akali en lake, là, elle n'est pas face à une coupe Arc Tank en face. Hein. Il n'y a pas grand monde pour réellement protéger les carries. Akali, elle peut faire un petit bonhomme de chemin. Hein. Vraiment, il faut juste réussir à mettre des dégâts avant. Donc, ça va beaucoup dépendre de Tian et de Dwinbi.
parce que survivre grâce à la Senna pendant pas mal de temps, c'est bien, mais ce sera sans doute pas suffisant. On se met en place autour du dragon du côté des Fun plus Phoenix, et on n'a pas l'air de vouloir y toucher ni le contester. Pour les LNG, si vous regardez bien, ils se répartissent plutôt sur le top side de la map. Ouais, pour l'instant c'est un timing quasi abandonné. Pourquoi pas, sur les sides, on va essayer de mettre la pression. Ça a ping d'ailleurs, puisqu'ils se doutent que le top side va être focus. Ouais, Doinbi qui reset pour aller le défendre. Il n'y a pas de TP pour Icon, on va rester sur le top side. Il y avait le Udyr plus, évidemment le Rakan. La Death Rocket qui avait été envoyée, mais on a bien pull out le Drake du côté des FPX. Drake fait rapidement, il faut tout de suite se projeter pour défendre la mid lane qui va être agressée, la T2 au top qui va être concédée. Est-ce qu'on peut pas même agresser? Non, il y aura le retour de Doinbi. Voilà, c'est juste une T2, c'est bien, on va faire ça à chaque fois en avance. On répond sur la map, on reset maintenant. Tu l'as dit, le but c'est d'avancer le plus possible vers ces fameux items, parce que tu avais raison de le dire, en fait on n'avait pas assez de dégâts, on attendait vachement les items côté Jinx, côté Ryze. Ryze cette fois-ci maintenant commence à se mettre en place, on attend la Banshee, troisième item qui est quasiment complété. Et on est en train de faire quoi? Une Malmo du côté de la Jinx. Ouais, je pense, la peur du burst de la Akali. Ouais, fait. C'est ça. Il y a vraiment que Akali pour aller chercher loin derrière. Plus l'Equalizer, s'il perd trop de dégâts dedans, ça va pas être fou du côté de Light. On essaye vraiment de jouer sur ce qu'on peut. C'est en mode, les gars, j'ai besoin de survie pour taper. Et il va faire le nécessaire pour ça. On notera, point important, c'est au niveau du stuff de Doinbi, le Black Cleaver qui est présent. Il va augmenter ses propres dégâts, bien sûr, mais aussi ceux de LWX. Ouais. À chaque fois, c'est horrible. Tu vois toutes ces âmes qui sont récupérées par cette Senna qui n'a pas besoin de farm, qui permet à son support de stack beaucoup plus d'items rapidement. La Warmog du côté de Crisp. Pardon, pas besoin de farm, je sais pas comment le stack il est LWX. Bon, beaucoup oui, mais... Ouais, parce que 27 minutes, on sait que généralement il y a un gros timing quand tu commences à passer les 100 soul. Devrait ne pas en être loin. Il faudra qu'on check effectivement quand l'observateur sera sur la Senna. Et Icon qui se fait plaisir. Maintenant, les waves disparaissent tellement rapidement. On va respecter. Ils veulent évidemment avoir l'initiation. Il faut récupérer un maximum de vision pour les FPX. Alors, s'avancer un petit peu autour de la middle lane. Ils veulent attendre, je pense, le 3. Regarde, c'est un 3 démoniaque un petit peu avec la possibilité de repush le side. On est en train de push du côté de Allée. Parce que le problème, c'est que envoyer simplement Akali, c'est compliqué. On est en train de stack Nuguri sur le side. Ah, Nuguri ne gagne pas. Il gagne pas le 1v1, clairement. Mais il peut défendre la tourelle. Il a ses Kamas à partir du niveau 9. C'est vrai qu'Akali, ça clear bien. On note très très safe. Il ne va pas s'avancer. Il ne sait pas où est la Camille. Nous, on la voit. Elle est en train de rejoindre ses mates au niveau de la mid lane. Faut attention à ne pas se faire engage loin de la tourelle, par contre, côté FX. Et allez, on pourrait provoquer une TP justement en réaction, parce que le truc de Allée, ce qui est bien avec Camille, c'est que tu split push, t'as ton hookshot, il s'est retrouvé très très vite mid, c'est-à-dire qu'il fait le décalage, il push sa wave, il force finalement la Akali à aller défendre, il revient avec sa team au mid, il met un peu la pression ici, éventuellement s'il y a une semi-agression, on force un petit peu les TP ou quoi, il peut repartir ensuite. Complètement. Le truc c'est de bait, mini-agressivité. Et il y a 104 âmes du côté de la Senna. Et c'est toutes les 20 âmes. Alors avant, toutes les 20 âmes a gagné 25 de range. Maintenant, toutes les 20 âmes a gagné 20 de range. Ce qui lui fait 700 de range actuellement. Corrige-moi si je me trompe. Loi. Et ce que je trouve abusé, c'est Q-Spell, même sur les tours, qui tape d'assez loin. Forcément, avec un Kraken, il y a la Ginzo qui a été complétée. On va commencer à tabasser sérieusement. Il y a un G1 qui est présent. G1, oh, il a le couperet noir Sterak. 4 items pour Doinbi. Qui va être dur à tomber parce que t'as le Sterak, t'as le GA, il y a la monture aussi de Skarl. Ouais, t'as le Gore Drinker en plus pour essayer de sustainer un petit peu dans la mêlée, le Conqueror. Et je te rejoins, c'est pour Light, ça va pas être une partie de plaisir actuellement. Ils veulent faire un item ennemi de plus. On n'y est pas. Par contre, c'est là où on y est, c'est qu'il y a le Baron Nashor. Quoi. Et le Baron Nashor, c'est pour ça qu'on push le top side. Prendre une petite info, ensuite aller faire le Drake. Attention, Drake Damoclès, puisque pour l'instant vous le voyez, 3 Drake à 1, c'est maintenant les FPX qui ont le lead sur ça. Et on a push à nouveau le top side pour ensuite avoir un reset facilité du côté de Icon. On va garder sa TP. Allez, également forcément, puisqu'il peut mettre cette pression toujours. Avec la possibilité de décaler pour aller éventuellement mettre la pression devant un objectif comme le Nashor. Allez, peut aller décaler. Ouais. Ça m'amuse, c'est tout. Donc voilà. On va rester là-dessus. Beaucoup de ping quartz comme dans le stuff des FPX pour l'instant. Ils veulent forcer les adversaires à commettre le une erreur. Le slot à ping quartz, c'est pour toi ça. Voilà. Oh, le dernier slot à droite. Moi je suis complètement satisfait. Le seul truc qui leur manque, c'est du catch. C'est-à-dire que si quelqu'un vient ward, à quel moment ils peuvent choper une personne et la tuer? Et c'est là où c'est difficile, parce que tu peux avoir les meilleures traps du monde. Si personne vient dedans, c'est pas fou. Oh, ils sont smart, ils prennent la prio mid pour ensuite se projeter sur la position préférentielle devant le Drake. Ils savent que ça va jouer là-dessus.
l'âme des vents, mine de rien, qui vous donne de la mobilité flat et surtout évidemment l'ability ace maintenant sur votre ultimate. Et ça va être scandaleux, Tian qui aura son ultimate tout le temps, Dwayne B qui aura souvent son ulti pour rentrer dedans aussi. Et tu l'as dit, ultimate pour Senna, on dit pas non. C'est vrai, tu le disais, hein, la possibilité de faire un peu des flankings à la traversée des abysses, plus Dwayne B qui rentre en frontal ou même en flank. C'est ça qui serait assez incroyable à faire. Après, bon, c'est-à-dire que t'as pas ta grosse frontline qui est là. Et attention, Frost, on se regroupe près du dragon. Qui dit dragon dit bagarre, qui dit bagarre dit victoire d'un côté ou de l'autre. Ouais, et on connaît la LPL, ça peut partir très très vite. Justement, Dwayne B qui est allé tout de suite en frontal pour se montrer. Il va temporiser très longtemps avec son GA. Voilà, la monture déjà qui est tombée. Le Stera qui lui donne quasiment une deuxième monture. Et pour l'instant, pas de soucis. Oh, le portail, ils sont mis tous dedans. Ça va aller tellement vite. Pas de dégâts du tout, quoi. C'est full live du côté des LNG. Ils savent qu'il y a plus d'initiation. Ils peuvent décaler tout de suite avec le Ryze. Ah non, mais complètement. Ça, c'est adapté. Une seule qui a passé l'engage côté FPX. Et malheureusement, pas de quoi défendre l'objectif en full fight. Du coup, bon. Perle Drake, est-ce que c'est grave de perdre le Drake? Non. Est-ce que ça annonce beaucoup de choses par contre sur le fait qu'il puisse pas prendre de fight? Oui. Oh, c'est qui? C'est Icon qui a TP, ouais, pour défendre la Giga Wave. Incroyable. Et on va décaler, attention, mais c'est allez et allez, il a un outshot et très très dur à choper, il a un GA. Et ça va être dur d'aller choper ce monsieur. Oh là là, c'est tellement smart, ils avaient des options late game, ils avaient cette possibilité d'avoir un speed pusher qui allait être complètement feed. Ouais. Oh, ouais, ouais, c'est le call FPX avec la Death Rocket qui va révéler un petit peu les plans. On va devoir disengage tout de suite, on a peur pour le moment parce qu'il n'y a pas d'equalizer. On est dans le pit. Celle-ci, la salade, vite, c'est sain pour vous, mangez la salade. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut réellement s'avancer? Le chargé de la part de ce Kled, qui est-ce qu'on va pouvoir attraper pour l'instant? Il est tout sur seul Light. Il est tout seul, Dunby, on va se retourner tout de même sur Icon, malheureusement, ce sera uniquement la Banshee qui va être utilisée. Dwayne B qui doit reculer, on n'a plus de monture pour le moment. Le star est à part de Dwayne B, l'Equalizer qui est excellent. On essaie de se retourner pour l'FPX. Non, on abandonne tout. Ouais, l'Equalizer qui était là pour les calmer un petit peu. C'est les LNG qui sont intenables, en tout cas en reprise. À chaque fois qu'il y a finalement un ultimate de la part de Dwayne B, derrière on répond. Et tu disais, il se retrouve split, bloqué. Il n'arrive pas à choper la cible qui est light, bien évidemment. Et pour l'instant, eh bien, ça ne marche pas côté FPX et les LNG qui temporisent bien. Et puis les cartes de gold qui ne veulent plus rien dire. La 1000 gold quand on a plus de 100 000 dans un game, ça ne veut plus rien dire. Toi d'accord. La seule chose qui fait peur pour moi, c'est Ayle. Et d'ici quelques minutes, la Jinx arrive aussi. Oh là là, et on voit les items qui grandissent du côté de Light. Light qui, mine de rien, met quand même une sacrée dose, hein, puisque c'est le TAM qui farmait. Mais maintenant, on est à 340 CS en 32 minutes. 33, c'est très propre. Light, on vous l'avait dit, hein, notamment, n'hésitez pas à venir tous les lundis au Bagarre Club. Pas mal de petites questions servies par notre cher Aureus qui va connaître tout un petit peu à force de créer beaucoup de questions et de les proposer. C'est le but, rédacteur en chef, à peu de choses près, beaucoup directeur de publication. C'est ça. Et il y a de quoi faire, hein, parce qu'aller chercher beaucoup de questions, 17 équipes, on vous le rappelle, beaucoup de statistiques à aller chercher, beaucoup de pics de sortie. Beaucoup de gros joueurs aussi, beaucoup d'agressivité, c'est la LPL, donc les KDA, ils sont souvent assez violents. Bon, il y a beaucoup de morts aussi des fois, mais passons peut-être justement la possibilité d'y aller avec l'Equalizer pour essayer d'arriver dans le fight avec Dwayne B. Mais on est encore une fois en train de bien disengage du côté des LNG, Gardoum. J'y arrive pas du côté des FPX à trouver un joueur et à le tabasser pour attention au nombre. Vraiment, on est beaucoup plus préparé du côté des LNG, beaucoup plus tanky aussi, parce que bah, sur la plupart des picks, il y a des stuff défensifs. Leur but, c'est de ne pas mourir à l'initiation des FPX, et s'ils survivent à cette initiation, ils gagnent le fight. Et c'est ça, parce qu'après, quand tout est claqué, on arrive dans un second temps, dans un fight long, en fait, finalement, profiter un petit peu de Icon, aller qui peut disengage, qui peut tenir, il y a du peel, Wandy, il faut qu'il reste vraiment autour de Light, c'est dur pour lui de full initier. C'est vrai que pour l'instant, en fait, c'est la première initiation, il y a un petit peu aller dans la suite qui se met en place. Et pour l'instant, je suis assez content de voir à quel point les LNG sont capables de tenir finalement le rythme démesuré de l'agressivité. De fou, et ça avait bien commencé pour eux. Hein. C'est juste un moment où Dunby a eu un triple kill, mais dans l'ensemble, ça roule très bien. Côté FPX, j'ai l'impression qu'actuellement, on manque de dégâts. On est dans cette phase de jeu où, oui, en théorie, ils font mal. Est-ce qu'ils font assez mal par rapport au burst adverse? Non. Et ça va être là le truc gênant pour FPX, c'est qu'il faut trouver une bonne engage sur des gens qui sont pas trop nombreux, qui n'ont pas de copains pour venir les aider. Or là-bas, c'est quasi impossible, hein. Il y a la double TP. Du coup, pour FPX, l'option, c'est d'attendre l'erreur adverse. Ouais, c'est exactement ça. On essaye de voir si ça peut découpiller du côté LNG. Est-ce qu'il peut y avoir un petit out pause? Est-ce qu'on peut enfin faire un pick-up et tuer une cible ultra rapidement?
que tu as dit, ça reste quand même squishy. Un Icon peut se faire lock. Derrière, il y a Light aussi, mais qui est souvent évidemment entouré par, par le Rakan. Et cette possibilité à chaque fois d'avoir finalement Tarzan qui, je le disais, fait des translations un petit peu entre le side qui est poche et surtout rester autour de la mid lane et de ce 1-3-1. Derrière, il y a la possibilité pour aller de se déplacer très très vite. Comment tu vas chercher aller en fait? Parce que même si là tu vas le chercher, tu mets du temps. C'est deux, tu vas péter le GA, c'est-à-dire qu'après tu perds un temps monstrueux. Ah, non, je te rejoins, en fait, faut que le temps du GA, t'arrives à tuer quelqu'un d'autre. Sauf qu'il commence à se battre à côté, hein. T'as un Ryze qui a système, ok, la Jinx est à peu près même truc, à peu de choses près. Du coup, toi, t'as qui fait réellement mal? T'as une Akali qui est un peu late et qui va pas pouvoir aller tuer les carries, c'est-à-dire qu'il faut réussir à bloquer les adversaires à 5 dans un couloir, que l'ulti de Tian soit menaçant sur toute l'équipe, que l'ulti d'LWX aussi pour que Nuguri puisse ensuite clear le fight. Mais c'est des conditions qui n'arriveront jamais. On n'est pas bête du côté de la NG. On va justement essayer de se battre dans des espaces, dans des grands espaces. Ouais, c'est la réponse hein, pour réussir ce gap et pour les LNG de montrer qu'ils peuvent être présents et de pourquoi pas rush ces fameux playoffs. Hein, ça va être tellement rude. Les places seront chères, vous le savez, beaucoup d'équipes. Pas beaucoup seront en playoffs, même si maintenant les playoffs ont été un petit peu extendus. Et l'Equalizer qui va être claqué justement, fight pour le Drake, Drake qui va être validé par les FPX. Et la Soul qui est tombée, Dwanby, la monture qui est tombée, le Terra qui s'exprime pour l'instant. C'est pour les LNG pour l'instant qui sont à nouveau en prio. Il y a un petit recul qui a été fait de la part des FPX. Nuguri, zéro dégâts. Le portail, ouais, et on va aller se projeter sur un Ashor, j'ai l'impression. Okay. On va attendre de voir, on le commence et on voit si on se retourne. Et ça va pas le faire côté LNG, ils vont pas pousser plus que ça. Mais ok, c'est LWX qui a mis plus de dégâts, le seul qui était à peu près à portée. On a comme une Drake, il faut se satisfaire de ça. Surtout, Dwinby n'est pas mort, on n'a pas dû claquer l'ange gardien. Donc pour le prochain fight, on aura encore tout disponible. Là, regardez les flashs. Les flashs, c'est le truc important, c'est la ressource importante pour les fights. Tout le monde les a encore, donc en fait, là, sur cette phase de jeu, c'est juste, on sécurise l'âme des dragons, mais attention, ça veut aussi dire on ouvre le dragon ancestral. Ouais, et ça, c'est le dragon qui peut faire tout basculer. Pour une des équipes, combien de games on a vu se terminer sur un Elder. Et derrière, ça peut être les exécutions tellement fort. Et allez, on le sent tellement strong. Il a envie de le faire. Cette game, c'est un peu pour lui. Mais ouais. C'est le joueur de Camille hein, pour l'instant. On l'avait dit, et il était attendu là-dessus. Forcément, t'as le pourfendeur divin qui est vachement balèze. Camille, ça a toujours fonctionné. J'ai pas souvenir à des méta où tu pouvais dire non, Camille, c'est vraiment injouable quoi. Ça n'existe quasiment pas, voilà, parce qu'en plus ça gère beaucoup de match-up au top. Il y a peut-être Malphite qui te fait un peu galérer, Renekton niveau 6, et encore tu peux te débrouiller. Comme c'est un pic mécanique, c'est un pic qui a plein d'options. Comme qui? Comme Riven et Irelia. Coïncidence, je ne pense pas. J'attendais forcément le rebond sur la. Oh, je sais même pas ce que ça vaut Riven en ce moment, comme je peux pas jouer. J'en ai aucune idée. En tout cas, l'objectif Frost, c'est le dragon. Côté FPX, il faut aller chercher des wards par contre, parce qu'on va vouloir récupérer l'information. Ouais, et les informations, c'est la vie. Clairement, le warding qui donnera les informations pour l'équipe qui sera celle qui sera à l'initiative. Même si pour l'instant, les LNG, j'ai l'impression, absorbent bien les initiatives FPX. On a cette Banshee, vous le voyez, hein, pour Icon qui est un peu plus safe. Prise d'informations et toujours cette middle lane qui n'est pas tombée. La T1 toujours debout. Est-ce qu'on peut la gratter? Ça semble très compliqué. Décalage tout de suite. J'ai l'impression qu'ils mettent la pression tellement rapidement puisque pour l'instant... Eh bien c'est pas vu et ça y est, ça a forcé l'ATP, l'ultimate de la part de Dwanby, l'Equalizer. Beaucoup de dégâts qui ont été posés cette fois. On sait qu'on a une Senna dans le bac pour sustain. Mais ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont bait l'ATP de Nuguri. Et il a encore sa téléportation, Light qui est sous exhaustion sans la L qui essaie de réengage. Dwanby qui rentre dans la mêlée directement, L qui est derrière. Il y a LWX à 3 joueurs sur lui, Tian qui va essayer de rejoindre Dwanby rapidement, le flashy de la part de Tian pour cramer les adversaires. 2 kills en faveur des FPX, mais L il est toujours pas mort. L, tuez-le, tuez cette Camille. Ça ira finalement, c'est la Jinx qui va mourir. 3 joueurs du côté des LNG qui sont décédés, les FPX ont réussi à faire l'inimaginable. Ils ont tué 4 joueurs et en fait ils se disent comme elle, on peut pas le tuer, on va juste tuer tous ses potes. Ouais, c'est ça, c'est split. C'est... On se retourne sur le reste de la c'est composition. Fou. Ils vont finir la game là-dessus. Ils finissent la game, elle il peut pas défendre. Et tout part d'un bait TP initiation d'ONB du côté des LNG. Oh, c'est tellement cruel pour Ale qui va rester tout seul en vie et qui va voir sa base disparaître. Le timing, il va essayer évidemment de se donner hein, pour essayer d'empêcher le focus sur les T4. Il n'y aura absolument pas le timing. Il se fait voler son goûter là, Ale. Il se fait voler son goûter, ses chaussures, son slip. Le gars, il était vraiment sapé comme jamais et il est reparti malheureusement à poil. Voilà, les FPX qui remportent cette game. Et quelle game quand même, quelle game, sincèrement. On a tenté des ultis de Ryze, mais il y avait Kled pour suivre. Et là, les FPX se sont dit, ok les gars, de toute façon,
quitte à ce que Nuguri, ils doivent TP, on va full engage. Mais ce qu'ils ont fait dans ce fight, c'est vraiment... Au début, t'avais Tian plus Crisp plus LWX qui était sur Ail. Dévoration de la part de Crisp sur LWX. Comme ça, ils ont pu tempo un peu Ail. Tian, il a rejoint Dwinbi vraiment dans la mêlée pour cramer les adversaires. Ils ont très bien joué avec les stopwatch, avec les anges gardiens. Et ça a été la débandade, finalement, du côté des LNG. Parce que Ail, il gérait des joueurs à lui seul. Mais il ne pensait pas que ses quatre alliés allaient être gérés par deux ou trois mecs. C'est ça, et puis il voulait faire tomber très rapidement, pourquoi pas la backline. Le problème, c'est qu'il y a une dévoration. On l'a vu, ça temporise trop longtemps, hein, malgré l'ultimatum X-Tech. Ouais. Il est là, il se fait contrôle, il se fait limite exhaust. Et tu l'as dit, les splits, il est tout seul. Alors, il est très bien, mais on reste de l'autre côté, on split le fight. Et en fait, les dégâts, déjà, parce que l'Equalizer, on fait reculer cette composition qui a pris un petit peu le debuff, qui est obligé de disengage le Nash. On provoque des choses. Mais après, le problème, c'est que derrière, on va dedans. Les FPX, encore une fois, tu l'as dit, face à un split push, c'est quoi? On rentre à chaque fois dedans. On arrive à laisser celui qui est vraiment huge et aller chercher finalement les pick-up sur ce qu'on voulait. On l'a dit, Jinx, hein, pas assez mobile finalement, qui se fait rush. Le Rakan, on l'a vu tout seul, obligé d'essayer de s'enfuir. Il s'est fait détruire d'ailleurs à distance avec la range incroyable, avec le scaling qu'avait évidemment cette Senna. Incroyable, les FPX capables, même quand ils sont vraiment dans le dur, de réussir à rester sur leurs fondamentaux. Dwenby avait les kills, il a l'initiation. Et malgré cet Akali qui ne marche pas, tu l'as dit, qui va attendre le dernier fight où il se dit je tempo et je finis les kills. C'est la capacité de teamfight des FPX sur cette game. Rester masterclass. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a eu en face? T'avais des carry late game Ryze et Jinx, mais il n'y a personne pour les protéger. Du coup, les FPX ont dit attends. Eux, ils vont faire mal si on les laisse faire. Ouais. Est-ce que quelque chose peut nous empêcher de les tuer? Non, on va les tuer. Et pendant ce temps-là, elle, qu'est-ce qu'on en fait derrière? T'inquiète, il y a un Tahm Kench. Et genre vraiment, la gestion des fights était trop bien côté FPX. C'est une leçon League of Legends, c'est des teamfights d'école, ça a été bien géré, bon placement, belle dévoration. Tu sens que le collectif FPX, tu vois, ça clique bien, il n'y a plus de bagarre entre les joueurs. Ouais, bon, un petit peu trop agressif au début de game, on l'a vu, tout tenté. Bon, après, ils se retrouvent un petit peu derrière, mais ils savaient que face à l'ANG, ils avaient tout pour réussir à être plus rapide à l'exécution. Ils l'ont fait. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un support peut-être plus tanky, plus temporisation avec des CC. Après, on a Srakan, ok, c'est un CC, le truc c'est squishy, et en fait, il ne peut pas vraiment. Ouais, voilà. Mais ils n'ont pas engage. Bah, c'est ça. C'est. Bah c'est ça, parce que leur compo était finalement sur le disengage, la réception, puis ensuite la temporisation. Et tu l'as dit, avec finalement une Jinx qui est censée être loin derrière pour pouvoir AOE avec ses roquettes et un Ryze qui commence à faire le taf. C'est compliqué parce que allez, ils se retrouvent tout seuls. Peut-être qu'un Alistar aurait été mieux du coup. Parce que tu aurais une protection de ta Jinx et de ton Ryze. Parce que là, vraiment, t'as une je fais un Rasengan sur la table, ok. T'as une mêlée générale de la part des FPX qui allait chercher. C'était vraiment fou parce que les deux teamfights qu'ils ont bien gagné comme ça, c'était au niveau du dragon vers le bot side et au niveau du baron là qu'on a vu à la fin, et ça leur a permis de remporter cette game. C'est beau, c'est du League of Legends qu'on veut voir, c'était dynamique, c'est allé jusqu'au bout, ça se bat pour chaque petit morceau de terrain. Il y a une Akali, on se dit elle sert plus à rien, finalement c'est dans le dernier teamfight, Nuguri il fait bougez pas les potes, je vais faire des trucs quand même. Dwinbi qui a été exceptionnel sur son cled, je pense qu'il sera MVP, mention spéciale, MVP, tout ce que vous voulez, acheter lui des fleurs, des chocolats, mérité. Ok, en tout cas, voilà, nous on va vous laisser évidemment, on aura le MVP juste après. On n'a peut-être pas eu les stats encore. Ah, on n'a pas eu les stats, effectivement. Ok, on va attendre les stats qui vont arriver juste avant la pause. Ouais, pour. Ok, donc pour l'instant, ça temporise un petit peu du côté de la prod LPL, mais on a un petit peu tout dit. C'est vrai que pour l'instant, c'est hyper frustrant pour ma part quand même. C'est LNG qui avait ce plan de jeu 1-3-1, tu l'as dit, pour finalement contrecarrer le plan FPX, être capable de se mettre en place. En plus, ils ont eu ce move légendaire. Il faut pas oublier le 3-0 sur la Camille au top. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment, c'était fou. Et puis après, comme quand il y a Nuguri, c'était Dwinbi qui essaie le 1-20 avec Camille, il meurt. Tian qui arrive, il meurt aussi. Et là, tu te dis, vous venez de récupérer le baron. Ensuite, il y a LWX qui se fait catch et deux mecs qui meurent tués par la Camille. Pour finalement. Je suis en train de me demander ce qu'il y avait. Je tourne, je vois quelqu'un, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans mon dos il y a un truc? C'est ok, on n'a pas les stats, ils sont partis en pause du côté de la Chine. Du coup, nous aussi, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce BO. A tout de suite. Et de retour sur Gaming pour la suite de ce deuxième BO de la journée. Et quel retournement de situation aurait... Qu'est-ce qui s'est passé? Les LNG n'ont pas réussi à aller jusqu'à la fin de cette game. Et les FPX s'en sont sortis quand même de ça. Est-ce qu'ils peuvent aller faire le deuxième? Ouais, heureusement qu'il y avait un Kled qui arrive à trouver les engages. D'ailleurs, c'est la Dwinbi, la Dwinbi qui aura ce MVP largement mérité. On discutait peut-être avec Nuguri et ça, Kali qui a fait quand même des choses assez sympas. Ouais. Mais le Kled, bon, c'est toujours un pic original. Hein. C'est vraiment l'un de ses pics signature, en tout cas midlaner Defend Plus. Et c'est vrai qu'il a réussi à trouver des opportunités sympas. Mention honorable à Ale sur sa Camille, carrément, qui a fait une game de fou, particulièrement son play au bot où
Bah, il se retrouve en 1v1 et encore ensuite en 1v1 et il prend les deux joueurs des FPX à la suite en 1v1. C'était parfaitement exécuté de la part du top laner des LNG et ça a l'air, hein, ça a l'air cette équipe d'être l'une des favorites quand même de ce summer. Alors pour rappel, ils étaient seed 10 pour les playoffs du Spring LNG et ils se sont fait sortir par les Sunning. 3-0, c'était au round 1 des playoffs. Ouais, mais ça reste une équipe, effectivement, hein, qui peut faire des choses. Je suis assez d'accord avec Gardoum, le fait que, par exemple, Icon ne soit pas un des tiers 1 midlaner, plutôt un tiers 2, hein, si on devait faire des tiers des joueurs par poste en LPL. Mais voilà, il a quand même réussi avec son Ryze à trouver des choses. Et ce fight qui coûte cher, la re-engage des LNG, ils ne sont pas forcément obligés de la faire. Le call vient de Ale qui arrive quand même à venir catch LWX, qui avait à partir de là à peu près 150 stacks sur sa Senna. C'est une des grosses forces du pick, bien sûr, et on a su c'était l'utiliser. T'as un Kled devant, il est cover par une Senna et tu peux te faire plaisir, quoi. Ouais, c'était tellement frustrant pour la backline LNG qui n'a pas réussi à faire tomber les joueurs FPX qui ont bien temporisé jusqu'au bout. Et ouais, ça y est, c'est repositionné notre poro caster. Mais c'est dommage parce que tout était bon. Comme a dit Gardoum, la possibilité de faire des erreurs côté LNG qui ont permis aux FPX de finalement s'en sortir. Il a fallu être costaud, c'est ça aussi qui forge un petit peu FPX, c'est-à-dire être dans la difficulté. Ces équipes justement qui n'ont pas grand-chose à perdre sur le papier parce qu'ils savaient que FPX était favori. Mais oui. LNG doit assumer, on le disait pour l'instant, en 3-0. Donc ils font partie des favoris également pour ce début de summer. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Pour l'instant, Ale est clairement en train de montrer que par rapport chaud, à Mikuya, il y a des possibilités de split push. Faut pas lui relaisser Camille, hein. Il est vraiment chaud dessus. Mais c'est clair que c'est un pick qui peut faire la différence. En tout cas, les FunPlus, s'ils gagnent cette game, ils seront premiers ex aequo avec Edward Gaming et WE. S'ils gagnent le BO en 2-1, par contre, ils seront derrière EDG et WE qui, si on zoome un petit peu sur chaque game qui a été jouée, ils sont 6-1 EDG et WE. Là où FunPlus est en 4-1, enfin 5-1 maintenant. Donc voilà, s'ils gagnent, ils sont à égalité. S'ils perdent et qu'ils regagnent derrière, ils seront deuxième. Et voilà, ils passeraient devant ces LNG, quoi qu'il arrive, en termes de head-to-head, ça c'est sûr. Et les FunPlus, de toute façon, on les voit en favoris. Hein. C'est quand même finaliste des playoffs du Spring. Ils ont fait une très très belle remontée. Ils étaient à seed 5, si je dis pas de bêtises. Seed 5 des playoffs, 5 ou 6. Ça doit être 5. Ils étaient en 3ème round, donc c'était ça, ouais, il me semble. Ouais, et c'était compliqué, quoi. C'était compliqué, mais ils ont réussi à bien remonter. Le fait que Tian et la Douin, ça synergise un peu mieux, ça joue aussi beaucoup dans ce renouveau. Voilà, il fallait retrouver une stabilité. C'est vrai qu'ils ont été très amochés par la jungle. Les problèmes internes, on en a parlé à chaque fois. La possibilité de mettre en place à la fois un champion du monde, hein. C'est jamais facile, hein, avec en plus un rookie qui peut plus jouer, un deuxième rookie, ensuite on récupère Tian, donc pour l'instant c'est bien pour eux, mais tu le disais, on attend vraiment là une réponse et une équipe qui se retrouve, c'est-à-dire une équipe quand même qui est championne du monde 2019, qu'on attend éventuellement au World, c'est quand même une force de frappe. Donc en plus c'est vraiment un style qui plaît à tout le monde, c'est la LPL, c'est l'ADN, vraiment ils ont toutes les armes pour être polyvalents, en plus ils ont des réactions, on l'a vu très rapide, la possibilité d'avoir le lead, donc le shot call doit être intéressant, encore une fois, voilà, ça se trouve bien, c'est ça qu'on avait peur, cette capacité à gérer les égos, à se retrouver, avoir confiance en ses mates, parce qu'il y avait Tian, Dwenby, bon ok la question elle est là, au début ils jouaient avec Nuguri, la possibilité de jouer, mais quand on voit que Nuguri là ça marche pas, on est capable de trouver autre chose. Ouais, c'est clair, mais il y a pas mal de potentiel de toute manière dans cette équipe des FN+, même eux, hein, ils peuvent step up largement dans ce summer. Déjà, il faut se faire au retour, hein, des vacances pour la plupart de ces joueurs, pour remettre un pied dans la méta, etc. On est au 11.11 pour l'instant LPL, mais le 11.12 va pas tarder normalement sur les ligues majeures. Après, il y aura le 11.13 qui a été revealed d'ailleurs récemment sur les réseaux, si vous suivez Marketer. Voilà. C'est d'ailleurs l'un de ses derniers patchs qu'il communique sur Twitter, Marketer, parce qu'il va changer un petit peu de rôle au sein de Riot et ils ont annoncé d'ailleurs, hein, qu'ils allaient chercher une autre manière de communiquer autour des patchs, parce que c'est vrai que c'est lui qui faisait les previews et qui les envoyait, etc. Le lead gameplay, je crois, Marketer, du côté de Riot, en tout cas sur la partie des champions. Du coup, voilà, ça va bouger un petit peu aussi de ce côté-là, mais nous, peut-être qu'on aura moins d'infos, plus d'infos. Pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Il y a les nouveaux items aussi, des nouveaux items qui vont arriver. Un item de split push, un item de temps, il y a pas mal de choses. Voilà. Ouais. Donc la méta, là, d'ici 2-3 patchs, ce sera clairement plus la même. Être capable de retrouver, encore une fois, tu le disais, le split push, des tanks aussi sur le top side. On voyait des horns revenir aussi un petit peu parce que pour l'instant, on avait des briseurs, des choses assez huge.
Effectivement, le TK aussi qui va changer celui-là. Donc, il fait pas trop de bruit, mais effectivement, ça change un petit peu la donne. Ils vont faire un peu comme Diana. Ils vont passer son ultime sur un sort, un des sorts principaux, et la dévoration, qui est vraiment le sort un peu compliqué à équilibrer finalement sur Time Gench, qui va passer en ultime. Plus fort. Alors, je sais pas trop encore comment ça va être fait dans le détail, mais il y aura un CD plus long, donc faudra l'utiliser beaucoup plus intelligemment. Tu l'auras pas sur tous les ganks. Tellement fort. Tu l'auras pas sur tous les ganks. Et est-ce que tu dévores un allié ou un ennemi? C'est un ultime, donc normalement la dévoration sur un ennemi, ça devrait faire beaucoup de dégâts, ou le contrôler peut-être longtemps, genre pas 4-5 secondes, j'en sais rien du tout. Mais il y a peut-être des choses assez cool à faire de ce côté-là. Il faudra faire les choix. Ouais, il y aura des choix à faire et voilà, il y aura un ultime assez, assez long. Qu'est-ce qu'il y a, Chico? Un peu dans le style, un petit peu. Ouais. Comme Lissandra, bien vu. Son tombeau de glace, c'est soit sur elle, soit sur un adversaire. Mais voilà, des petits changements qui sont cool. Il y a eu le changement de Mundo aussi récemment, qui arrivera aussi très soon du côté des ligues majeures. Du coup, ouais, ça va être des petits ajouts très cool à suivre. Ouais, des petits reworks qui permettent un petit peu de rendre les persos un petit peu plus dynamiques, hein, sur des persos qui sont trop linéaires. On va arriver sur une draft un petit peu différente. Ça a déjà avancé pas mal là. Ça a déjà pas mal avancé. Alors, on aura encore les LNG Blue Side, donc ça veut dire que les Fun Plus ont choisi le Red Side, là où les LNG en Game 1 avaient choisi le Blue Side. Ok, intéressant. Ban de 7, René qui est Udyr, il y a encore le Kled de disponible, hein, pour les FPX qui vont repartir sur cette Senna. Pas de Varus, on a respecté la Camille et le Lee Sin de Halley également. On va repartir également sur le Rumble de Tian, hein, de toute évidence, il était assez chaud dessus. Et là, la Karma en first pick, c'est bien côté LNG parce que c'est un flex pick qui peut apporter beaucoup. Ça se couple très bien avec la plupart des AD carrés également. Et avec un S réel, ça peut permettre à un S d'avoir la prio au bot. Parce que Karma est très fort pour prendre la prio. Et du coup, ça peut changer un petit peu l'early de ce champion S réel qui est souvent en dessous en termes de prio au bot. Oh oui, alors ça peut être aussi une Karma mid, hein, qui est généralement, qui peut être en soutien. Ou même une Lulu qu'on a déjà vu en soutien du Xin. Du Xin Jungle, ça sera un Ezreal pour Light, et tu l'as dit, Karma qui peut aller sur le bot side aussi pour aider le Ezreal à exister un petit peu mieux et à temporiser le push bot lane. Le Nautilus peut-être pour accompagner donc cette Senna ce coup-ci. Attention, parce que là, on sait qu'Icon il a déjà joué Sylas. Et il y a un Equalizer, il y a une grenade ASM. C'est un pick qui pourrait faire le taf. Attention, par contre, Dwinbi il aura des contres, hein, à Sylas. Et ça commence à ban. On pense que la Karma sera sur une solo lane. Pour l'instant, Leona qui saute. Leona ban. C'est vrai que Ez, Leona peut faire très très mal si on met cette Karma mid pour temporiser un peu la middle lane. On n'a toujours pas le mid laner. On aime bien avoir le cutter pick, en tout cas permettre à Dwenby et ensuite à Nuguri de se projeter sur des picks un petit peu plus favorables. En tout cas, en réponse, le Renek a été retiré. On regarde encore un petit peu les bans. C'est vrai que ça allait vite. Le set très flexible qui avait été retiré. La Camille, tu en as parlé, hein, le respect cette fois-ci à Lé qui était trop chaud. Le Lee Sin avait sauté également parce que l'ouverture en Lee Sin peut être que compliquée. Le Kled en respect cette fois-ci parce que Dwenby au mid, on l'a vu avec un Rumble, la combo peut être très très dévastatrice. Le ban de Wukong pour aller, j'aime bien ce genre de pick aussi en flanking mid-game. Est-ce qu'il n'y aurait pas du Jace dans les parages? Est-ce qu'on peut pas retirer? Qu'est-ce qu'on peut retirer aussi au mid? Il y a le Nocturne qui a toujours pas été retiré dans cette draft. Sur les solo lines, notamment Dwenby qui le jouait à l'époque. C'est bien le Jace, hein, je me doutais, hein, de ce Jace qui avait été laissé open. Problématique en réponse, hein. On sait que Nuguri, alors Nuguri, il y a quoi? Il y a Knarr qui avait été ban tout à l'heure, hein, un pick qui permet de s'en sortir un petit peu sur pas mal de choses. Alors on prend normalement le mid laner, j'ai l'impression, Viego. Voire le top laner, Viego qui peut être flexé. Et c'est Locke, c'est Locke. On n'aurait pas un Sylas en réponse. Ça me plaît cette idée, ouais. Parce que même si t'as un petit peu plus de range avec ton Q, etc., du côté du Viego, les trades quand même avec le Régicide, t'es contre un champion mêlée, donc tu peux quand même faire des choses. Après, le Viego peut aussi très bien être au top, le Rumble peut être joué au mid par Dwinbi, donc ça, y a pas souci. Et là, Kali, pour l'instant, qui est montré, on ne veut pas revoir Nuguri dessus, ce sera Locke. D'ailleurs, du côté des LNG, Icon, on sait qu'il joue, hein, c'est dans son champion pool, il joue bien sûr cette Akali. On va voir si c'est lui ou Ale qui va la jouer. En tout cas, on va avoir un petit peu la révélation de tout ça. La Karma peut encore être au mid. C'est Ale qui a joué une fois à Akali. Ouais. Oh, attention, ça fait beaucoup de dégâts magiques dans cette proposition LNG. Beaucoup d'AP là, quand même, ça paraît un petit peu tendu. Mais après, on a le Xin, on a le Ez, mais... Et c'est Locke, le double AP, tu le disais, eh bien, qui va être récupéré. C'est normalement une Akali qui a été jouée une fois
part Ale et Icon, lui, n'a pas du tout joué, que ce soit Leblanc et Akali pour l'instant. Ok, bah beaucoup de snowball possible, beaucoup d'exécution. C'est très agressif côté LNG. Et on va jouer donc avec un S-Karma pour contrôler un petit peu le bot side. Et on va jouer autour d'une agressivité top jungle mid assez insane. Et c'est le Lucian de Nuguri qui a été récupéré sur le top side. Ça, c'est, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce Lucian top. Ça doit beaucoup plaire également à Gardoum. Mais bon, il pourra nous en parler hein, si LNG réussit à égaliser. Mais en tout cas, voilà les deux compositions qui sont lock de chaque côté. Des picks très très engageants, que ce soit le Lucian, le Viego, la Akali ou la Leblanc. C'est des picks, voilà. Faut jouer autour. T'as pas un scaling qui est forcément assuré. Il faut que tu réussisses à récupérer quelques ressources en early. Et Tian sur votre écran qui va encore une fois évoluer sur ce Rumble du côté de la jungle des Fun Plus Phoenix. On a des compositions assez sympas. Il y a de la range quand même avec cet equalizer du côté de ce Rumble, mais finalement derrière t'as que Nautilus réellement pour aller trouver des engages quoi. Ouais. Ouais, ça va être pas forcément évident. Quel pari de l'agressivité, franchement. Chapeau pour l'instant au LNG qui a envie de répondre à cette équipe par l'agressivité, alors que c'est eux d'habitude, FPX, qui dictent le jeu. Peut-être Leblanc qui est sorti hein, pour essayer d'aller chercher tout son petit monde, la Akali. Et on aime avoir la réponse du côté red side avec cette possibilité de counter. En tout cas, le Lucian qui a été placé en réponse sur le top side. Ah, intéressant un petit peu hein, ce Rumble, toujours problématique avec l'Equalizer du côté de Tian, tu en as parlé. Allez, les joueurs sont focus, faut oublier. Encore une fois, cette première game très frustrante, notamment pour Ale qui avait été énorme. On peut pas lui reprocher grand-chose. Clairement. Clairement, et on voit les compositions d'équipe très agressives tout de même côté LNG. Je me demande bien ce qui est passé dans la tête de Yil. Après, c'est Squishy en face, hein, à part le Nautilus. C'est Squishy, et ma question c'était qu'est-ce qui est passé dans la tête de Yil, le nouveau coach, hein, l'un des nouveaux coachs de LNG qui arrivait voilà, au début de l'année. Jeune coach qui n'a pas forcément d'antécédent avant cette équipe des LNG. Donc voilà, on va pouvoir suivre ça. Les Jayo du public. Ouais, et de plus en plus ce qu'on voit en début de game aurait là-dessus aller chercher un trinket très tôt sur un debuff pour avoir la route de jungle, et c'est super smart parce qu'on a mis du temps à arriver dans la jungle. On n'a pas cover justement le top side. Hey, j'ai l'impression qu'on a quand même ping le bush où il y a une ward. Alors est-ce qu'on a un red trinket? Pas du tout hein. Du coup on peut pas enlever ça. Tarzan qui est vu, ça y est, donc ça permet à l'équipe DFPX de s'adapter. Ça c'est une grosse information à lire, ça, c'est une très très grosse information. Il commence tout seul Tarzan et il va faire un top 2 bot. La question qu'on peut se poser, puisqu'il joue Xin, c'est un personnage qui aime avoir l'initiative des fights 1v1 dans la jungle, qui aime être proactif. Est-ce qu'il va faire un 4 camp, un 5 camp, est-ce qu'il va faire un full clear? Oh. Et on revoit un petit peu l'invade qu'il y avait eu, en tout cas la tentative bien scout hein, encore une fois par l'FPX. C'est ce qui a permis hein, d'ailleurs d'aller poser cette ward très très tôt au niveau du blue buff du côté des Fun Plus. Ouais, c'était ça en fait hein. Ils étaient allés sur le bot side, ok, et du coup ensuite ils étaient revenus, mais on était allé prendre l'information. Belle adaptation encore une fois des Fun Plus. Et tout de suite vous le voyez ce counter avec Nuguri qui se fait plaisir avec un range qui a déjà mis midlife à aller. Il lui a dit bah tu vas rester sous ta tourelle et c'est moi qui vais avoir le push. Il faudra peut-être mettre une ward très très tôt. Après il sait de toute façon que le Xin était parti sur son blue et que normalement il va glisser vers le bot side. Ouais, complètement. Donc il sait qu'il est assez tranquille là-dessus. Et la ward qui a été positionnée intelligemment par Icon au niveau des Raptors. Donc on a l'information sur Tian. On sait combien de sbires il a. Il en a 12. Donc il fait lui de son côté un bot top. Et on va pouvoir suivre ça, normalement ça fera un carapateur de part et d'autre. Et on a fait un 4 camp finalement du côté de Tian. On veut très très vite aller dive, mais regardez cette ward défensive hein, très très intelligente côté LNG. Ale ne va probablement pas rester sous sa tourelle, mais regardez l'agressivité de Nuguri face à son vis-à-vis flasher, direct. Hein. Tian va flasher bien sûr le Q-spell. Ale qui brûle, il brûle dans sa smoke et c'est un first blood pour les Fun Plus Phoenix. Il n'a pas respecté. Comment tu peux revenir vers l'avant alors qu'on a la vision, comme s'il voulait être sûr qu'en fait il gagne du temps en baitant finalement la présence du jungler. Mais bien sûr que derrière, en plus, il claque son flash, qu'il est suivi par ce flash. Et c'est un first blood pour Tian.
Ah dommage, Ale qui avait fait une magnifique première game là, qui ne respecte pas. C'est... Regarde, on est sur le carapateur topside du côté de Tarzan. Il se doute qu'il y a dû avoir un back du côté de Tien après ce first blood. Du coup, il en profite pour récupérer le carapateur topside. Et normalement, il a l'information qu'il n'y avait pas de red buff sur Tien. Du coup, il court dans la jungle. Et on va voir s'il arrive à le contester. Il a une priomide avec cette Leblanc. La Kali a généré une grosse vague de sbires également. Ouais, donc il peut Lucian, avoir du backup. Ouais, le Lucian complètement... Il y a un trinket qui a été posé par Tarzan pour être sûr d'avoir l'information du décalage du top laner adverse. Et ça a été pris, je crois, par Tien. Tien qui va se faire rush cette fois-ci. Tien qui n'a plus de flash. Avantage sur Tarzan, mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout sous la tourelle là. Ouais, ward très défensive là. On a l'information sur Tarzan. On sait qu'il n'a pas engage au niveau des Krugs. Les Krugs engagés d'ailleurs par Tien. Bonne vision là sur les, le Bush et les Krugs du côté des LNG. Tarzan qui veut y aller, mais il y a assez de ward défensive du côté de Tien. Du coup Tarzan va aller de l'autre côté. Normalement, s'il a bien suivi, il sait qu'il n'y a pas de carapateur botside qui a été fait, donc il peut passer au mid pour aller dans la river botside. Et il va même peut-être se permettre de gank sur, sur la Dwarmb. Ouais, Icon midlife, attention. Quand même, il ne peut pas y aller trop tôt non plus. Tarzan qui est arrivé, tu l'as dit, pour essayer de mettre la pression d'ONB. Tranquille là, aucun souci pour lui. Et il peut aller faire peut-être le double carapateur. Non, il revient vers la mid lane. Alors que le carap est toujours up. Décalage, alors, on veut vraiment les informations sur le topside du côté de Tien. Le carapateur bot qui est toujours pas fait. Toujours énormément de priorité bot pour ils veulent redive, il n'y a plus de flash. Ce qui est logique. Au top, monsieur l'observateur, voilà, avec Tien déjà sur Ale. Oh, c'était compliqué, il prend les coups de tourelle. Icon qui c'est va arriver doublé, au bon c'est moment. Un doublé. C'est un doublé, c'est clairement un double kill pour Icon qui score un magnifique, une magnifique phase de jeu après cette téléportation. Lui qui était déjà en avance en termes de farm, bon bien sûr il s'est fait reprendre une wave le temps de décale, mais il récupère deux kills. Icon qui a les clés en main pour emballer cette game et on va revoir cet engage avec Tien qui arrive rapidement au niveau de cette top lane. Ale qui arrive à bien juke hein, finalement l'essor de Tien qui se fait fortement sanctionner et ensuite voilà. Récupération du red buff, on peut juste auto-attaque pour Icon. Il va pouvoir emballer normalement cette game. Et ma question c'était, là Leblanc a été prise en réponse du Viego. Est-ce que Leblanc a plus de push, a plus de prio mid que Viego? Parce que si on a la prio mid pour Icon, avec ses deux kills et le stuff qui avance, on va pouvoir créer énormément normalement de décalage côté Icon et vraiment pour le coup emballer encore plus la game. Ouais, on veut quelque chose qui réponde à l'agressivité, effectivement. Alors dans les premiers niveaux, c'est compliqué. Mais après, pourquoi pas avec des distorsions, de la OE, essayer d'avoir un petit peu plus le lead. La TP qui a été call hein, par Dwenby. Et regarde, c'est surtout, on peut dodge un petit peu tout hein, du côté d'Icon. On est un vrai magicien. Double kill, c'est vraiment pas une bonne nouvelle hein, pour Dwenby là. Quel décalage, on a encore un petit peu grid côté FPX sur le topside. Ce gank derrière, ce dive, en plus de ça, on n'avait pas assez pour tanker. La temporisation de Ale cette fois-ci. Oh, le flashy, le Q-spell et Nuguri qui emballe lui aussi son topside avec ce kill. Bon, ça lui coûtera son flash, son ultime. Le flash de Ale reviendra d'ici 1 minute, 1 minute 30. Mais voilà, en tout cas, on prend des ressources pour ce Lucien qui a besoin lui aussi de snowball. Ouais, regardez ça, la outfarm va être massif. Hein. Le kill, encore une fois, réalisé, pas de TP pour Ale. Qui avait bien temporisé pour donner les ressources, ça sera plutôt à son midlaner de faire des différences. On l'a vu, hein, comme tout à l'heure, la Akali dans le mal, qui devra essayer d'exister par la suite. Mais là, ça fait peur parce que Nuguri, cette fois-ci, lancé, hein, clairement, qui va avoir un avantage de stuff. Il a un cull qui est en train de se stack. Possibilité pour les LNG, cette fois-ci, d'aller chercher un premier Drake. Pas si significatif que ça. Ah, c'est ce qu'il faut, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre hein, pour LNG de toute manière. Et on est à 40 secondes avant ce héros de la faille, donc on a le temps hein, de le préparer. Il y a toute la jungle topside à clear également pour Tarzan qui va pouvoir être sur le bon côté de la map pour préparer le héros de la faille. On a une énorme wave qui est en train d'être créée par Icon, vraiment l'une des clés de ce match-up. On va revoir. Et on va revoir effectivement en bas à droite de votre écran ce qu'il s'est passé. Voilà que Ling hein, qui a fait le travail. Tellement fort contre Akali parce que la Q-Link, t'es obligé de la pré-shot une fois que t'as l'information un peu dans la smoke. On sait que ça va toucher. Et après, ben, ça permet de prendre le lead totalement. Et incroyable, ce Lucian, vous le savez, qui a des dominations de lane qui sont assez impressionnantes. Le Guardian qui fait un petit peu les différences. La chaîne de la Karma. C'est vrai qu'on joue avec double chaîne. Hein, le barrage Terrebon qui a été claqué. Ouais, et on va les faire reculer complètement le lead pour cette bot lane LNG. Tien a pris enfin ce carapateur sur la droite. Ouais. Pink, messieurs, dames. Il est vu le jungler des FN+, là-dessus. On a Tarzan dans la rivière topside. Il y avait une pink ward hein, sur la gauche de votre écran, vous l'avez vu, mais engage de ce Herald tout de même pour LNG. J'aimerais bien voir l'état de la wave au top, voir qui a la priorité
pour venir en c'est soutien. C'est hyper compliqué jungler, ce que fait Tarzan. Ouais. Qui avance avec son mid laner. Il y a Icon. Icon, il a beaucoup de dégâts, on vous le rappelle. Oui. Il met déjà sacré burst. Flash out du côté de Tian. Il n'y a bientôt plus de jungler. Et l'ultimate de Dwinbeast sera loupé. Mais il faudra quand même l'interruption. La Karma est arrivée également pour soutenir les LNG sur cette phase de jeu. On a l'ultime de LWX. Il n'arrivera pas à prendre de kill là-dessus, mais ça pourrait suffire. Dwinbeast qui score un double kill là-dessus. Il va pouvoir se transformer en Xinzari en enchaînant ce petit couloir. Toujours en vie là-dessus sur le Viego. Toujours en vie. Insensible pendant qu'il rentre cette fois-ci dans le corps d'un nouveau opposant et Dwinbee qui fait le travail là-dessus, récupérera 2 kills, 1 assist et on pourra prendre également ce héros de la fight normalement pour Fen+. Oh là là, quel move de la part des FPX là qui prennent un lead considérable. C'était le setup parfait, l'avancée avec un Viego qui peut enchaîner évidemment les ultimates. Ouais. Doublé de la part de Nuguri aussi, c'est une telle bonne nouvelle pour le champion du monde qui va récupérer un maximum de ressources. On revoit, c'est compliqué Tarzan qui provoque un peu au début. Le lead est pour Icon. Icon, tu l'as dit, hein, qui a déjà un petit peu snowball avec ce 2-0. Malheureusement, ça suffit pas sur Tian. Mais entendre entre Icon et Tarzan. Tarzan aurait dû probablement sauter sur Tian et laisser le héros de la faille. Et derrière, on enchaîne Dwinbee qui peut rentrer trop tard sur ce Xinzao, prendre possession de son corps et derrière. Ultime, on reprend la possession ensuite de la Akali. Oh, la grenade ASM qui permet de facilement lock le doublé. Et Tarzan qui retourne cette fois-ci sur ce timing. Ah, finalement, ce sera un premier Herald pour LNG. Quasiment à la 10e minute de jeu. Donc le deuxième héros de la faille, ce sera pour la 16e minute de jeu, le pop. Et on va pouvoir voir comment ce Herald sera joué dans les poches du jungler d'LNG pour l'instant. Grosse wave aux bots. Ah, c'est dommage, hein, le miscom, hein, tu le disais, mais la capacité de se replonger peut-être dans l'agressivité. On l'avait vu, la fenêtre était là, l'arrivée finalement de la Akali dans le bac et on n'a fait que reculer. Du coup, Ali après se retrouve complètement seul aussi. Et le Viego, il adore ça, les isolements et la possibilité ensuite de faire des kills pour reset son ultimate. À l'image d'une Tristana, hein, qui peut ensuite enchaîner, se repositionner, systématiquement avancer. Même un Kha'Zix dans les heures les plus sombres de la jungle. Assez insane puisqu'il était tout le temps fufu. Tu l'arrivais, il fait des kills, il enchaîne. Et ton équipe disparaît pour à mesure. C'est un peu dommage hein, puisque là, les LNG, ça avait plutôt été une bonne gestion. La Karma, je crois, qu'a flash in pour aller chercher Regarde, intéressant le stuff de Dwinbee. Il est parti pour Fender Divin. J'ai vu beaucoup de stuff sur Viego. C'est permissif. Maintenant. Ouais. Il y a de l'arc boucle immortel, il y a même... D'habitude c'était ça. Il y a même... c'est quel Miller, c'est Fofo qui l'avait joué avec une force du vent, pardon. Gale Force, ok. Ouais, là on a un pourfendeur, il y a aussi eu des builds à la base de Kraken. Kraken, il y a aussi eu des builds du côté de Style of Me, le jungler des Sunning, un peu plus tanky. Alors lui c'est tout est tanky. Tout est tanky de toute manière, mais voilà. C'est quelque chose qui est également cohérent et faisable sur le champion, mine de rien. Donc ouais, mais le pourfendeur divin tellement fort. Offensif, d'une direction d'optimisation. Ouais, complètement. Et généralement des BRK aussi, puisque oui, c'est un roi déchu, et en plus, il peut faire l'item. Donc c'est plutôt cool. L'Igualizer K a été claqué. Pour l'instant, un petit peu en réponse. Icon qui a du feu dans les jambes, on l'a vu, qui était en 2-0. Attention, allez, lui, on le savait, va souffrir sur ce topside. Et bon, Nuguri en 3. Déjà pour l'instant, les deux carry FPX sont en train de... Ouais, ça fait le taf. Ça fait clairement le taf, les solo lane FPX. Et on a déjà 2 minutes hein, sur le timing du Herald qui est passé, la moitié déjà. Il va falloir s'occuper à où jouer ce héros de la faille du côté de Tarzan et des LNG. Le dépush, la TP qui a été call, une TP agressive aussi sous la tourelle de la part des FPX. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il n'a pas été annulé là? Attention, allez, qui re-rentre dans la mêlée avec sa Akali. Est-ce qu'on peut réellement aller chercher ce kill? LWX qui va tomber, Iwandi qui prendra le kill avec sa Karma. On enchaîne peut-être sous la tourelle. Grenade ASM pour temporiser un petit peu. Se souvient les LNG qui sortent vainqueurs de ce fight. Ouais, pour l'instant, est-ce que Tarzan est pas un petit peu en difficulté là? Il n'y aura pas encore d'Equalizer pour tenter le dive. Et le grand gagnant, vous le voyez, c'est Nuguri là. Toujours à chaque fois à la moitié sur sa cam, là en train de se positionner pour récupérer un maximum de ressources. Le héros de la faille qui va être lâché. Il me semble que en fait c'est Dwinbee qui a été annulé sur sa TP.
par Tarzan, je crois, avec un bump. On reverra peut-être plus très tard. Probable, très Icon, Icon, la chaîne là-dessus. Aurait... Flashing de la part de Tarzan. On va enchaîner. Le kick qui devrait être fait, quoique. Oh, Dwinbi, il peut enchaîner. Il est en forme de Xinzao maintenant. Et l'ultimate pour Gapclos sur Icon qui. Oh non, non, il a loupé. Il a loupé sa distorsion. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit, Icon. Il n'a pas le droit. Et pourtant, il a glissé. Il a glissé. Dwinbi qui prend encore une fois un double kill. Frost, c'est une catastrophe pour les LNG. Ah ouais, on perd le fil. On est en train de faire des mistakes qui sont pas censés exister si on veut être au contact des champions du monde 2019. Ah, c'est dur. C'est dur parce que là, on sent qu'ils perdent un petit peu pied. À l'image d'Icon qui est censé, on le disait, être tiers 2 mais plutôt stable. Et là, qui fait des erreurs comme ça avec un pic mécanique. Il était chaud bouillant. Il avait son 2-0. Et là, il y a des petites erreurs qui sont commises. Et pourtant, sur le bot side, le move était intéressant. L'ATP avait sûrement été annulé. Ouais, c'est ce que je te disais. Ouais, il y avait l'ultime. Il va sur le creep. Ah non, c'est carrément le fauchage sur l'ulti, je crois, le coup du teammate. Et donc, du coup, là, le move bot, tu l'avais pré-shot. Donc, tu l'as commenté parfaitement. Il y avait eu la chaîne. Ensuite, on avait essayé d'aller chercher le deuxième kill. Il y avait la grenade ASM. Non, et là, le manque de dégâts sur la dwimb. Regardez, c'est ça. L'ultimate de LWX qui fait la diff. Et là, hop. Insensible, on peut re-engager là. Et là, Icon qui se. Il est allé sur le clone, non ? Qui glisse. Ah là 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 là, aïe 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 aïe. C'est dur, ces images sont dures. Et bon, une image qui était cool, c'était au moment où Icon fait son petit fail, la dwimb est morte de rire. Le sourire du mid laner FPX fait toujours plaisir. Toujours voir le positif. Jacques souvent il sourit alors là. Ouais. C'est un petit peu dur. Effectivement, on n'a pas encore eu trop les icônes au-dessus de la tête pour Icon justement. Mais bon, après pour l'instant, il ne faut pas perdre entièrement pied. Côté LNG, me prouver que justement cette composition peut exister même dans la difficulté. On le sait déjà, il y a la frustration de la première game. On avait l'air d'être reparti comme il faut. Pour l'instant, 8-4, on est en train de prendre un petit peu le lead. J'ai peur hein, parce que Dwinbi, s'il snowball là, forcément avec son Viego, tout est bon. Tout est, en plus, ça snowball sur le top side du côté de Nuguri. On sait qu'il a un bon Lucian. Attention, ça peut être compliqué. Icon qui est attendu au tournant pour l'instant. Il peut pas mettre de dégâts, on l'a vu, hein, Tian, il est prêt à répondre avec son lance-flamme. On va reprendre la priorité, mid lane. Oh, ça peut aller vite. Oh, allez, ça peut aller vite. Culling sur la mid lane pour Nuguri qui repousse un petit peu la défense LNG là au niveau de cette T1. Et Light qui arrive, pourquoi les dégâts sont montés, distorsion. On n'a plus beaucoup de dégâts à mettre sur Nuguri pour le tuer. Pas de mort pour l'instant sur cette phase de jeu. Le il top laner des Fun Plus restera en vie. Oh là là, c'est tellement close entre ça et le move juste avant. Ça commence à être frustrant, attention, on manque suffisamment de dégâts pour terminer. En plus en face, tu l'as dit, hein, cette Senna qui va poser souvent problème, mais faire tomber les premiers champions, ça va être tellement important. Parce que là, c'est ça en fait, c'est qu'on a tout pour empêcher Icon de terminer le travail. Aller pour l'instant est un petit peu en délicatesse, ouais. Aussi avec ça à Kali. Tu parlais de cette frustration qu'il peut y avoir un côté LNG, faut pas laisser cette frustration les submerger, faut se reprendre. La game n'est pas finie, elle est loin d'être finie. Ah, parce que s'ils se font bait et que derrière ils se font retourner en face c'est derrière. Ça. Bon, on est à 16 minutes 30. Voilà, le second Herald qui est là depuis une trentaine de secondes, il va être récupéré encore une fois par Tarzan. Il y a 4000 gold d'écart en faveur des Fun Plus. Et il faut rester dans la game côté LNG. Ils ont un Azreal, ça spike à deux items. Là, Akali doit avoir besoin de ressources également. Pareil pour la Leblanc, mais bon, il y a des choses potentiellement à faire. Mais j'ai peur parce que le scaling hein, côté FPX, il est très bon. Viego, je pense que ça scale bien. On a une Senna en fasting, un Rumble, donc un bon équilibre de dégâts. Et ça pourrait faire la différence. Ouais, pour l'instant, pas de soucis pour les FPX qui attendent de voir les agressions finalement et ils y répondent. Capacité aussi à aller faire pas mal de dégâts. Dwinbi, il le sait, hein, les fights longs un petit peu, on travaille les barres HP, ensuite il peut enchaîner. 4-0 pour lui. C'est chaud, hein. En plus on a du scaling, on joue pas du tout côté LWX qui est là pour vraiment supporter un petit peu ces carry qui sont ces deux solo lanes. Tian également en helping un petit peu. Et les grenades ASM qui sont là pour lock des persos très mobiles, hein, puisque c'est vrai qu'on a Akali, on a Leblanc, on a Ezreal et même Karma hein, qui peut booster tout ça. Donc on peut mobile par les CC. En plus le Nautilus qui est un bon premier setup pour ensuite permettre à Tian de setup son ultimate. Il faut lâcher ça bien sûr, allez. C'est la tourelle hein, qui est condamnée. La TP pour revenir tout de suite à la défense de la mid lane hein, qui est pas loin d'être tombée. C'était Dwinbi. On n'aura pas besoin pour l'instant. Oh, on a fait, j'avais même pas vu, on a fait un shame tank pour Crisp. Ouais. Ouais, le
Il veut pouvoir gap close. Il sait qu'il n'y a pas énormément d'engage dans son équipe. Donc c'est cohérent. C'est cohérent pour le support des Fun Plus. Bah, c'est lui hein, qui sera la première vague. Ouais, largement. Après, la question c'est est-ce que LNG aura ce qu'il faut pour tanker cet engage? Normalement, avec le Mantra Shield, on peut se repositionner. Ouais, pareil, Akali, Ezreal. Le blanc, on a de la mobilité. Le but, c'est de mettre la grenade ASM, mettre l'abordage, le ramener. Derrière, t'as un Equalizer plus la Q-Link qui est censé faire super mal. Et en fait, eh bien, Doinbi est censé venir après tranquillement. Quoi. Ouais. À la limite, il faudrait peut-être même commencer par l'Equalizer pour forcer les dash out. Aussi. Et derrière, c'est vrai, on peut derrière aussi, là, t'as le Nautilus qui peut venir avec son Shem Tank pour venir sanctionner, surprendre un petit peu. Mais il y aura aussi les flashs, quoi. Icon. Oh, il était déjà planqué Icon. Il va essayer de tout dodge pour évidemment. Et ça y est, il va être spotted. Au début, il n'était pas vu. On a quand même scout. On a placé cette ward. Pas dupe, pas dupe les Fun Plus. On évolue sur une faille des océans. Donc on fait attention à tous ces nouveaux bush qui sont créés dans cette faille. Et on engage, bien sûr, le dragon qui sera récupéré par les Fun Plus. On va pull out. Ça, c'était un bon choix évidemment pour être hors de portée d'une petite distorsion Q-spell qui pourrait être menaçante. Le bruit de ce skin, encore une fois, Frost. Derrière, ils sont engagés. Il se fait engager. Doinbi là-dessus. Ultimate également pour Light. On va abordage le wall. Parfait. La tourelle qui sera récupérée par Ale. Alors qu'on se fait un petit peu cramer dans sa propre jungle pour Icon. Le but étant d'avoir l'information évidemment sur cette Leblanc qui peut pas vraiment défendre Nougouri. Il est trop fort. Il va aller récupérer d'ailleurs une T2. On est en train de se faire manger petit à petit côté LNG. C'est ça qui me frustre un peu, Auré. Il va falloir peut-être répondre à un moment donné. Pour l'instant, c'est un push topside de la part de cet Akali. Ale qui a sa TP. Le héros de la faille a été lâché mid. Très intéressant puisqu'on savait qu'avec son shot, ça allait terminer la tour. Pour ça, on a une bonne prio top hein, côté LNG. Là. On a la wave sous la T2. On a repris la T1. Mais on a une bonne priorité mid côté FPX. Regardez, on est même dans la jungle bot side des LNG pour la Nug et pour Tian. On va venir surprendre Nuguri hein, qui est retourné au niveau de la mid lane. On va pouvoir récupérer également la T1 sans problème. Light ne pourra pas défendre. Mais regarde, on se fait un petit peu en cercle là par les LNG. Dean qui va pouvoir commencer l'engage. L'Equalizer n'est pas si mal que ça à l'arrivée avec la distorsion du côté de Icon qui met de bons dégâts. Pour l'instant, c'est un double kill pour Tarzan et ça enchaîne du côté des LNG. On va enchaîner directement avec cet Akali qui est toujours en vie mais qui se fait complètement cramer. Qui va aller se faire chercher par Doinbi. Doinbi peut y aller. Là, la mobilité maintenant, ça devrait terminer. Voilà le dernier Q-spell. L'arc térébral. Oh, Tian qui a dû stresser un petit peu. Ouais, il a dû claquer des fesses un peu, je pense. On s'est fait peur pour le jungler des Fun Plus, mais c'est bon. On est en vie et ça fait du 3 pour 3. Alors, à qui bénéficie ce move assez even? Qui récupère les kills? C'est la question. Doinbi en a récupéré. Donc, ça déjà, c'est cool. 2 kills sur Tarzan. Je pense pas que ce soit petit. Tu préfères les récupérer sur la Akali, sur le Ezreal ou sur la Leblanc? Ouais, clairement. Très, très clairement. On va revoir tout ce qui s'est passé parce que c'est parti d'assez loin. On savait qu'ils allaient terminer la tourelle. Donc on est arrivé en flank cette fois-ci, justement, à l'Equalizer qui a été claqué. On a essayé de sortir de là, l'Equalizer. C'est vrai que Tian est passé derrière dans les corbins. Regardez le placement. Allez, qui peut vraiment temporiser. Le problème, c'est que bon, Après, le Lucian est tombé quand même hein, ce coup-ci. Quand Nuguri tombe. Le problème, c'est qu'il y a Doinbi aussi qui est debout. Donc quand tu fais tomber un premier carry, il y a le deuxième qui est là. Tian qui est resté en vie assez longtemps. Oh, le Nashor qui est con. Commencer complètement la TP assez lointaine de la part de la Leblanc. Oh, il est très de Icon, l'Equalizer pour essayer de gagner un maximum de temps, l'empêcher d'être au contact. Tarzan qui pourra peut-être pas l'avoir. Ça ne s'est pas récupéré l'arc térébral pour faire un premier kill. Est-ce qu'on peut pas enchaîner? Pas mal, on va clean up là-dessus. C'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. On va pouvoir enchaîner sur Doinbi pris en tout seul dans le pit et l'interruption. Encore une fois pour Tarzan qui est en triple kill. Ils vont sur cette phase de jeu. On n'arrivera pas à cancel. Crisp qui est le seul survivant de ce fight, le seul à porter le buff du baron Nashor. Tout le monde est en vie du côté des LNG. Oh, quel move, ouais qui fait plaisir pour les LNG là, qui ont quasiment réussi à faire le clean ace sur un Nashor. Finalement, c'était le mieux qui pouvait leur arriver. C'est Nashor qui était bien pré-shot dans l'idée. Encore une fois, la projection est bonne, ils vont vite, ils se disent j'ai l'Equalizer, on va gagner du temps, ils ne pourront pas être au contact. Ça a été le cas. Le Nashor, le problème c'est que derrière c'est oui, t'as le Nashor, mais est-ce que tu peux sortir? Et la réponse est non, parce que déjà Tian, le but de Icon, c'est il a pas de smite, il fait quoi? Il essaye de tuer le jungler pour essayer d'avoir un petit peu plus de fenêtres. Derrière, il y a un double kill de la part de Tarzan, ça c'est parfait. On n'oublie pas qu'il y a une karma aussi. Heureusement Triple kill de Tarzan. Heureusement que dans cette situation, Tian est resté lucide et récupère ce Nashor. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Ouais. Égalisation du coup en termes de kill côté
des LNG toujours dominés hein, en termes de gold et de tourelle, en termes de Drake également. D'ailleurs, le prochain, Frost, c'est pour bientôt à peu près une minute avant le potentiel troisième dragon élémentaire pour les Sun plus Phoenix. Ouais, t'as raison de le mentionner, hein, ça va être important quand timing à chaque fois, hein, le momentum qui permet d'aller chercher eh bien, la pressure de map pour ensuite se positionner en premier sur ce Drake et c'est une sous l'océan super importante. Ça peut être déjà le Drake Damoclès pour les FPX. Peuvent-ils s'en sortir avec les Drakes justement? Ça peut être une condition super importante, surtout si t'as une âme océan sur une Senna sur ta composition. Le fight peut être vraiment rallongé à l'avantage des FPX. Là où finalement tu veux aller faire des exécutions rapides justement avec Icon qui va aller se projeter tout de suite. Tarzan qui est en position mais le problème c'est qu'ils sont en plein dans l'equalizer, ils prennent pas mal de dégâts là-dessus Auré. C'est une catastrophe ce qui s'est passé, on essaie d'y retourner mais c'est trop dur. Icon qui s'est vu peut-être un peu trop beau et il a bait tous ses coéquipiers dans ce fight et les Fun Plus n'ont perdu que Nuguri. Il n'avait pas son flash donc ce n'est pas si grave que ça, il le récupérera pour la prochaine phase de jeu. On est en supériorité numérique, un 4 contre 2 côté FPX. On va pouvoir récupérer eh bien, des T2 avancés sur la map, contrôler la vision. On récupère même en parallèle de cette T2 le Drake du côté de Tian. Troisième dragon pour les Fun Plus. J'aimerais bien revoir cet engage de Icon parce que je n'avais pas vu l'opportunité que lui apparemment avait vue. Ouais. Et il faut des micros ouvertures pour une Leblanc. Ça a été pris tout de suite et tu le disais, la possibilité d'aller faire en plus de ça le fameux troisième Drake complété. Et on est allé. Regardez après son engage, Icon il s'est fait contrôler si longtemps en fait, par Chris. Il veut LWX avec une double distorsion, ça on avait compris. Il lui enlève quasiment la moitié de ses points de vie et. Chris il fait un boulot de fou, hein. il reste devant, il contrôle tout le monde. C'est passé un peu le problème de cet engage en fait, c'est que Pata quand même le Nautilus qui est devant. Qui pile la balle. Ah, il a pris énormément et derrière, de derrière tu le dis coups. Finalement avec le. Avec difficulté incroyable, on a eu d'avoir Nuguri et finalement derrière, on perd complètement pied. Et derrière, c'était Crisp, le seul porteur du Nashor qui permettait d'aller mettre le push sur la mid lane. Attention à ça quand même, parce que forcer un petit peu trop sur un focus comme LWX derrière, on peut s'exposer. Crisp qui fait le taf, il est là évidemment pour la surveiller. Nuguri pareil, hein, tout simplement. Ah c'est chaud, hein. On aimerait bien les voir réussir à faire un petit pick-up décidément la Akali cette fois-ci, toujours en souffrance de l'autre côté. Et on ne voit pas trop ce Ezreal, on est dans la capacité normalement de mettre pas mal de poke avec à la fois cette Leblanc, même si elle tue pas, tu vois, essayer de mettre un midlife encore, faire reculer. Le problème c'est qu'on veut tellement le tuer parce qu'on sait qu'elle doit que si tu le mets midlife, il va sustain derrière. Et finalement t'auras mis une pression pour pas grand chose. Attention l'arc terrible, bon, pour essayer de dépush là-dessus Auré, je pense qu'on va devoir concéder la T2. Très très difficile à se projeter. L'Equalizer qui va simplement bloquer la zone. Icon on sent qu'il veut y aller. Il a son timing Luden, on a le Morello non Nikon aussi. On a le Sonoir à 8 stacks, encore un peu léger. Hein. Il manquerait 2 stacks pour aller chercher le Medjay, avoir le bonus de movement speed. Et derrière pouvoir snowball dessus. On l'a dit, hein, et tu l'avais très bien dit d'ailleurs dans la draft. On n'est pas très tanky côté FN+. Oui. Il n'y a pas de Drake des montagnes non plus hein, de leur côté. Ils ne peuvent avoir que des océans maintenant. Donc on peut trouver les dégâts peu importe le moment dans la game. Après le souci ce sera, on aura quand même le Nautilus qui sera très tanky, qui continuera à faire son boulot de pile. Et on aura bien sûr cette Senna qui va continuer de stacker à mort les âmes. Là j'aimerais bien savoir à combien d'âmes elle est. On est à 26-27 minutes de jeu et on a la réponse 103. Du coup son passif c'est toutes les 20 stacks. Vous gagnez de la range, des crits, etc. Du coup, son passif qui est activé 5 fois, globalement. Ouais, arrête, c'est un peu illégal, ça fait peur. Ça fait peur. Pour le moment, et surtout la possibilité de sustain sa team, quand à chaque fois on prend un petit peu des coups d'harcèlement. Va falloir surveiller, mais c'est vrai que les LNG, c'est pas terminé, on l'a vu tout à l'heure, peut-être sur des fights regroupés, Tarzan qui avait été capable de se projeter, on a une Karma pour assister tout ça. Et c'est vrai qu'il faudrait essayer d'agresser un maximum, utiliser Light et tu le disais, attendre un petit peu plus de dégâts parce qu'Akali elle était en retard, on attend le stuff. Pour l'instant il y a le mythique, il y a le Zonia, la capacité d'aller chercher aussi eh bien, un troisième item sur cette Leblanc de Icon. Parce que le problème c'est ça, c'est le burst doit venir instantanément contre un perso qui sustain comme Senna. Attention, on va back ou pas du côté d'Icon, il va bien back. Tant pis pour cette wave, on s'en occupera plus tard. Mais le Baron Nashor est là, lui. Il va être engagé d'ailleurs, peut-être au spawn, bien sûr, par les Fun Plus. Là, Akali est de l'autre côté de la map, c'est checké hein, avec l'ultimate de Light. Allez, il a cette épée. Hein.
Il y a cette TP, il y a double TP d'ailleurs qui ont été call là-dessus. Auré, on va partir. On se retourne tout de suite côté FPX. On fait pas l'erreur de trop se paquer. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça peut être dramatique. Ça peut forcer. C'est ce qu'on voulait. Double TP de forcer. Est-ce qu'on peut pas juste reculer côté FPX? On va prendre la primi d'un côté LNG. Ils ont la pause. Ils vont en profiter. Il faut annuler des bacs peut-être. Nashor est full vie. Il y a Icon et Allé en cover. Et on a récupéré la wave. On l'a envoyé sous tour. Du coup, c'est des ressources qui sont perdues. Ça part les Fun Plus, quoi qu'il arrive. Peu de ressources, mais ça pourrait faire la différence si le fight continue. Icon qui check un petit peu la vision, il sait qu'il y a une pink ward. De leur côté, les Fun Plus, ils savent qu'ils n'ont plus d'opportunité de jouer la wave mid. Du coup, ils vont jouer la wave top avant de back et de défendre. Mais là, regardez, on a beaucoup de dégâts normalement avec ce Ezreal, avec Iwandi également. Du coup, on va récupérer une T2. Ça aura coûté par contre les deux téléportations des LNG. Ouais, et cette fois-ci, on ne pourra pas le faire deux fois. La provocation était parfaite côté FPX, j'ai l'impression qu'on veut y aller effectivement. Il n'y a pas d'équalizer, ça va, côté LNG. Métian le récupère bientôt son equalizer, donc il faut rester vigilant. On a tous les summoners côté FPX, ils sont prêts à se battre pour ce potentiel quatrième dragon et pour cette âme des océans, Frost. Ouais, l'observateur qui a même pas voulu regarder ce qu'allait faire l'arc térébrant qui avait été claqué au mid. Oui, on va se remettre en position justement, on se regarde beaucoup. Il y a une faïence là. Ouais, Icon qui essaye de faire surtout de stack cette wave. Il a raison pour récupérer une priorité mid. Voilà. Oh. Il sait qu'il a des possibilités de s'extirper facilement. Et Doenby fait pareil de l'autre côté. Il va récupérer la wave. C'est bien joué. Bataille de wave pour aller se projeter le plus rapidement possible pour mettre la pression dans la river. C'est bien ce qu'ils font LNG. Ouais. Ils contestent très bien la prise de prio des Fun Plus au mid. Oh, le mais il n'y a pas d'informations. Ils avancent à l'aveugle. Attention Tarzan. Non, là-dessus, le catch. Peut-être il va tomber. Éventuellement, rapidement, le contrôle pour aller le chercher encore plus loin. Grenade ASM, l'Equalizer. Tout a été mis. L'ultimate de la part de la Senna. On va les faire tomber. Iwandi. On va enchaîner. L'abordage est parfait. Ça fait deux kills pour les Fun Plus Phoenix. Est-ce qu'on peut pas repush le mid rapidement et aller vers le Nash? Ah, il y a Icon, et on joue avec la range. On va au Drake, côté au Drake, LNG, il y a ce Drake, effectivement. Et on essaye de poke un maximum du côté des LNG, mais ça paraît très peu. Ces tirs mystiques contre 5 joueurs avec une Senna qui continue de stack, qui va pouvoir heal complètement. On y va du côté d'Icon. Cette fois-ci, il arrivera à sortir un petit peu de ce pit, mais c'est bien une âme des océans. Maintenant pour les Fun Plus Phoenix et les chances de victoire côté LNG, les chances de comeback dans cette partie s'amoindrissent. Il faut trouver l'opportunité, mais c'est dur hein, parce que la science du teamfight et du positionnement des Fun Plus n'est plus à faire. Hein. On sait qu'ils sont très très bons dans ce genre de phase de jeu. Ouais, et là malheureusement si en plus de ça on se commit un peu avec le fait check du jungler, en plus de ça, ça permet évidemment, c'est le cas d'école, hein. On va se placer, on met la pression, on sait qu'ils doivent aller clear un petit peu la vision. Il y a quoi? Il y a tout qui est mis. Ils peuvent se permettre hein, de tout mettre. Il y a Crisp qui est devant. Ouais. Regarde, on sent qu'on peut pas y aller. On voit comment aller. Il est derrière. Il peut pas y aller vraiment dans le bac. Derrière, on recule côté LNG. On voit son support disparaître. On voit le regrab qui est très très bon sur aller. Regardez sur le direct. Sur le direct. Ouais. Il y a ce Baron Nashor et on conteste. On conteste la jungle topside. Attention, ça go in du côté de Allé. Il y a également ce Xenor. Oui, pas mal ça. Tarzan qui reste en vie pour l'instant. Ça fait un kill hein, du côté des LNG qui continue. Ça fait deux kills. Kill également sur Nugiri, le duo top jungle qui est mort côté FPX. On enchaîne. Mais attention, il y a l'âme des océans qui va commencer à faire le travail en termes de régénération. Et on essaie de repousser les Fun Plus dans cette rivière topside avec Icon qui arrive dans la mêlée. Regardez, Tarzan est encore en vie. Il va pouvoir se repositionner. C'est très compliqué. Light qui commence à DPS énormément. Il va pouvoir dash in dans la mêlée. Flash sur le côté. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Il va tomber. C'est Dwibi qui est à la réception là-dessus. On a encore 3. Du côté des LNG, on peut faire le travail. Peut-être Dwinby qui continue à enchaîner les kills. Il va pouvoir récupérer ce carapateur, mais c'est beaucoup trop dur pour les Fun Plus Phoenix. Les phases de regroupement, quand même, quand on arrive à trouver l'engage du côté de la Akali et de la Leblanc. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts côté LNG. Ouais, le burst est présent. Il faut poser tous les dégâts avant de tomber trop rapidement. Et ça permet dans un deuxième temps à Light d'aller même vers l'avant avec son Ezreal. Ouais, c'est fou. C'est hallucinant. Et surtout, finalement, de se laisser oublier du côté de Tarzan qui fait des dégâts avec son Xin. Le problème, c'est qu'à la fin, on a perdu quand même trop de joueurs. On va revoir ça. Ouais, Allé qui ne se fait pas voir. Il peut y aller. Double burst possible. Il faut sortir de cette zone de l'equalizer. Tian qui est tombé très très vite. Le barrage Terreban malheureusement qui fait pas assez de dégâts. Le problème c'est pour Doenby hein, qui est là à l'affût dès qu'il y a un joueur qui est low. Il va aller chercher Iwandi derrière. Bon, c'est pas le meilleur truc non plus la Karma pour aller chercher évidemment. Voilà, il se replace tout de suite. Heureusement qu'il y a ce GA hein, qui change la donne. Et la Light. On temporise. Ouais. Je sais pas quelle opportunité. Ah, il a vu l'opportunité sur LWX peut-être. Ouais, là, mais c'est chaud, il peut pas vraiment l'exécuter. Le problème c'est qu'il est obligé de se repositionner, il va tomber. Ça permet quand même de prendre le kill sur LWX.
Et on sait que si la Senna reste en vie, elle peut remonter le Viego ad vitam aeternam. Gwenby, il est full HP, quoi. Regarde-le depuis tout à l'heure. Il vient, il enchaîne. On ne peut plus vraiment aller le chercher. 9-1. Il a le Sterak. Il est en kill. Il a Randwin Sterak. Et derrière, il a la BRK. Il a une stopwatch derrière. Quand est-ce qu'on le fait tomber? On n'aura jamais vraiment le temps de tout mettre. Ouais. Ah, surtout qu'il y a une Senna derrière. Encore, on va le dire souvent dans cette game. Cette Senna qui continue de stack, hein, en plus. On a dépassé les 33 minutes de jeu dans ce BO Frost. Et ça scale du côté des Fun Plus. Et on sent quand même, hein, que c'est compliqué pour LNG. Même si on arrive à trouver des opportunités de fight, on avance de moins en moins sur la map. Et ça va leur coûter cher, parce que les Fun Plus Phoenix, en termes de prise de vision et en termes de suppression de vision, ils vont pouvoir commencer à travailler là-dessus. On a un bon score de vision, hein, du côté de Chris, du côté de LWX aussi. Surtout d'ailleurs du côté de LWX. Ouais, la petite agression pour Icon. On essaye de mettre des petits dégâts. Le problème, c'est que derrière, toujours pareil. Le sustain, l'arc térébrant pour Scoot. Snasher, décidément, toujours provoqué. C'est les FPX qui sont à la manœuvre. À chaque fois, ils provoquent finalement les LNG pour être sûr qu'ils arrivent à la contestation. Snasher qui va être difficilement contestable. Est-ce qu'on peut pas recline? Il est carrément allé chercher au corps à corps. Pour l'instant, Tarzan qui est très 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 low. Snasher, est-ce qu'il peut pas être volé? Il est pris. C'est pris par Tarzan, et ça enchaîne les kills maintenant avec Light qui retrouve son DPS. Il ne reste plus que la Dwamble là-dessus, mais il y a trop de joueurs du côté des LNG. On va tenter de régénérer un petit peu. Il faudrait prendre un reset pour le passif, mais ils n'y arriveront pas. C'est un ace seul aller et tomber sur sa Akali dans ce team fight. On a récupéré le bar, on a choré, bien sûr. On va se précipiter dans la base des Fun Plus Phoenix et aller égaliser dans ce BO Frost. Oh là là, les LNG qui reviennent dans cette deuxième game, un partout. Quel fight, et décidément la provocation Nashor qui a été bien répondue. Encore une game que je caste où une équipe a l'âme des océans et elle perd la game. Ça me rend fou. Ah, parfait, ça prouve que malgré cette âme, il y a quelque chose à faire, c'est la LPL. Et vous voyez, encore une fois, quelle vraiment réponse. Et là, Tarzan, il est resté en vie, il est allé chercher vraiment ses responsabilités. Et derrière, il prend le Nashor, ils prennent le fight. Et les FPX, qui pourtant ont des fights insane, là, se font des buffs, ont le désavantage sur le Nashor. Incroyable, parce que les LNG, fallait rester vraiment focus. C'était difficile parce que leur double assassin AP qui avait du mal à s'exprimer à cause de la réponse avec Senna, avec Dwenby qui était trop huge, ce fameux stuff tank, hein, qui est une très bonne réponse à double assassin finalement. Incroyable. On attend Light qui farme super bien. Il attend d'avoir son stuff. Le truc, tu l'as dit, hein, ensuite on va mettre un petit peu de dégâts. Et quel taf de la part du Xin de Tarzan. Ouais, franchement, à part ce face check sur le Pixel Bush. Je pense qu'il fait une game très très clear. Oui, à part le... Et ça permet de revenir au score. Alors, les LNG... On savait que ça allait être contesté. Ils ont une des semaines les plus chargées déjà, puisqu'ils ont 3 BO3. Il y a des équipes qui n'ont qu'un BO cette semaine. Eux, ils en ont 3. Ils enchaînent JDG, FPX et dimanche, tenez-vous bien, RNG. Oh, c'est si dur comme semaine pour LNG, mais franchement, ils répondent présent. Prouver, hein. Là, ils répondent présent, ouais. Ils font vraiment le beau jeu. Il gagne malgré les petits fails à droite à gauche. On repense à Icon, son petit fail de distorsion, de ouais. Distorsion, ouais, pour retourner dans le pit du Nash et fuir un peu ce Viego. Il y a plein de petites choses. C'est ça, il y a de la marge de progression. Il y a Ale aussi, Ale au top, qui s'est fait dive très tôt. Il avait la ward pourtant et il s'est fait chasser jusqu'à sa T2, ce qui offre le first blood à Tien. Il y a pas mal de choses qui, en plus, il y a de la marge de step-up. Hein, en fait, j'adore déjà FPX de base, mais j'ai cette folie LNG là qui me prend un petit peu. C'est vrai que on a envie d'y croire un petit peu, cette composition qui devient de plus en plus cohérente. Alors, il y a encore, tu l'as dit, hein, des petites choses à régler. Ça, oui. Voilà, c'est dommage parce que la première game, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout alors qu'on avait un gros speed push. On avait les win conditions qui s'appliquaient pour notamment aller. C'est un bon apport. Et sachant qu'il y a déjà Tarzan, Icon qui est quelqu'un qui est plutôt assez stable normalement, quelques petites erreurs. Light qui a toi, tu en as parlé notamment avec les KDA, les kills, le farming qui est assez insane et tout. S'ils ont un AD qui est présent dès le mid game parce qu'il a une bonne tenue de lane, c'est cool. Les LNG, c'est présent. Auré, ça continue à prouver contre les top team. C'est une bonne nouvelle. La LPL se renforce, les équipes sont de plus en plus fortes, toutes. C'est ça le plus important. Ouais. C'est que ça veut dire qu'on a un pool, tu vois, d'équipes qui contestent les playoffs de plus en plus grand. On va voir les stats. Chikoro, notre réel, qui nous dit MDR, les stats arrivent. Effectivement, un sacré roller coaster. Bon, non, mais là.
Bah, là, là, on voit que ça pourrait être comme un petit hold-up de la part de LNG qui a finalement quasiment jamais la cour. Mais non, tu vois, c'est tout est dans rentrer dans le mental de ses adversaires. Tu leur donnes un avantage monstre au début de la game. Ils commencent à snowball. Tu leur fais un petit rappel au milieu en mode hey, les gars, on est là. Et hop, ils continuent de revenir. Et là, hop, tu leur casses les jambes. Au pire moment, tu reviens un partout. Et là, mentalement, les LNG, ils sont trop bien. Ah, ils sont trop bien, ils récupèrent le choix du side aussi. Ce dos au mur, des fois, que certaines équipes apprécient parce qu'ils n'ont plus rien à perdre du tout et ils se lancent corps et âme. Et là, derrière, ils attendent les petites erreurs. Et tu le disais, voilà, on le voit, hein, l'âme océan. Mais ils ont eu les deux Heralds. Hein. C'est vrai que souvent, les LNG qui arrivent à récupérer quand même des ressources, qui arrivent à se projeter. En tout cas, cette courbe, malgré le déficit, et on pensait quasiment que les FPX étaient partis pour ce 2-0, pas du tout. En tout cas, quelle prestation, quelle contestation des LNG. C'est ça qui est fort, c'est que mentalement, ils sont présents, même si leur composition ne se met pas trop en place. On l'a vu, double AP Assassin qui ne fonctionne pas vraiment. Réponse en face, les FPX. On verra, c'est vrai que c'est eux normalement qui rentrent dedans systématiquement. Dwenby était quand même en train de snowball complètement. Ouais, ouais, mais clairement, son Viego, il faut faire gaffe. Tu mettrais à qui le MVP, tiens, d'ailleurs ça, moi, pour moi, c'est Tarzan ou Allé. Moi, ce sera l'un des deux. Moi, je mettrais Tarzan pour la globalité. Ouais, bah je vais te suivre sur Tarzan France. En tout cas, on aura la réponse après une petite pause et on se retrouve juste après pour la fin de ce BO. Quelle troisième game. Et de retour pour la dernière game de la journée en LPL. Pour l'instant, un partout incroyable, mais les LNG sont bien revenus sur le FPX. Quelle game précédente, mon cher Gardoum, pour terminer avec toi. Mais c'est fou, c'est full bagarre. Je m'attendais à ce que le FPX fasse 2-0, mais à chaque fois que je crois qu'il va y avoir des 2-0, il n'y a pas 2-0. Genre en ce moment, tout le temps, je me dis « Oh, ça, ce match-là, c'est 2-0. » Eh ben non, jamais. Genre, il y a une espèce d'auto-jinx. C'est à la fois très cool pour les LNG, parce qu'on l'a dit, hein, s'ils gagnent, ils sont premiers au classement. Et à la fois pour les FPX, je trouve ça flippant, oui et non. Ça, c'est pas comme si c'était une équipe bas tableau, les LNG, tu vois. Mais où on a envie, les FPX eux-mêmes ont envie, à mon avis, d'être plus forts que ça. Et ça prouve bien qu'il y a encore des problèmes à résoudre dans cette équipe. Il y a beaucoup de bagarres, beaucoup d'ailleurs de fights où il y a Xinzao qui prend 3 kills à des moments où normalement c'est plus très fort Xinzao. J'étais un peu surpris. Mais ça a bien marché et à trop se battre, parfois on finit par se brûler la main sur un fer à repasser. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'ils sont restés solides dans la tête, ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont été capables de répondre à chaque fois en fait aux provocations, aux nashors des FPX. Et le... Bah voilà, c'était sûr, tout le monde l'avait call même dans le chat. C'était sûr. Tarzan qui va prendre son MVP avec un Xin très très huge. Et puis 25% de dégâts de l'équipe en tant que Xin. C'est insane. Deuxième MVP pour lui, 25% des damage. En plus, Xinzao, il a un peu ma coupe de cheveux, non? Oui, il est plutôt Gardoum tier là avec ce champion. On va revoir les moves du MVP. Et là, c'est Icon qui essaie de faire déjà les dégâts. L'arc tellement qui fait le kill en fait. Et là, on verra qu'il y a un triple normalement de la part de Tarzan. Ouais. Tout à fait. Sur Dwenby. Et là. Il s'est échappé à pas grand chose, mais il s'est échappé le Nautilus. Mais oui, puis une fois qu'il s'est échappé, ils avaient refait une offensive au niveau du mid et tout, et c'est reparti un petit peu en cacahuète. Tarzan ici. Alors, c'est pas le smite qui récupère le Nash, comme vous avez vu, c'est Ale. C'est pas le smite, pardon. Ale prend le kill et ensuite il y a le smite qui prend le Nash, veuillez m'excuser. Ouais. J'ai glissé dans ma tête. Un peu comme un pingouin. Un peu comme les LNG ont glissé sur cette game pour aller jusqu'à la victoire. On l'a vu, hein, la courbe de gold, ouais. Effectivement. Mais ouais, mais c'est fou, je trouve, parce que je sais pas, vu la première game, je me dis, ok. FPX, ils sont chauds, ils se battent mieux. Il y a eu quelques erreurs, mais ils se battent mieux. Et là, dans cette game, malheureusement, ces quelques erreurs ont été bien utilisées par les LNG qui ont trouvé la faille. Ça veut aussi dire que côté LNG, il y a peut-être un coaching staff qui est très bon, qui sait indiquer à ses joueurs en mode « Ok, là, à ce timing-là, vous avez des options. Eux, ils jouent comme ci, comme ça, et vous pouvez vous débrouiller avec. » Et c'est intéressant parce qu'on l'avait vu aussi l'année dernière avec les Vici Gaming quand il y avait Coma. Début de split pas fou. Au fur et à mesure du split, on a senti un jeu de plus en plus académique qui arrivait, mais un jeu qui était peut-être trop coréen pour la Chine. Ça manquait un petit peu de bagarre et c'est ça qui a fait qu'ils ne sont pas arrivés au tableau. Ouais. Mais on a senti effectivement l'efficacité du coup d'un bon coach. Et qui sait, Frost, peut-être que si un jour tu coaches la LPL, ce sera une équipe championne du monde. Ça serait plutôt pas mal. Effectivement. Et vous voyez donc ce 1 partout incroyable. On l'avait dit hein, que ce BO serait équilibré. Il l'est effectivement entre les deux équipes pour l'instant invaincues. Toujours pas de winner, mais les FPX devraient quand même se reprendre. Attention quand même, est-ce qu'ils ne doivent pas jouer un petit peu plus agressif pour snowball plus vite plutôt que d'être capable de coin flip un peu la game? Moi, je suis d'accord avec toi. C'est FPX, on s'attend à ce que ce soit eux qui mènent l'agression, eux qui dominent du début à la fin, qui ensevelissent les LNG sous des phases d'agression qui arrivent sur mode largement faire. Je ne sais pas réagir. Ouais. Je fais c'est bien, mec, je ne sais pas réagir. Hein. C'est... Ouais, ouais. Tu les fais, années de t'es en théâtre. Roleplay parfait. Ouais. Ouais, il faut être un acteur. Non, mais je me produis tous les samedis au théâtre du Pied Vert.
Ah, ok. Très bien. T'as pas l'air convaincu. C'est chez les Hobbits. C'est à Hobbitbourg, ok. Ah, d'accord, d'accord. Ça semble tout de suite plus logique. Ah, mais bon. Je me suis dit un petit coin à Montreuil peut-être, mais en tout cas voilà. Je suis plus là-bas c'était, maintenant. Ouais, c'était là où t'étais avant. Avant. Mais bon, peut-être je me suis dit. Mais non, bah il faut voir un petit peu comment ces FPX vont devoir changer leur plan. C'est vrai qu'ils doivent s'adapter. C'est eux les favoris. C'est eux qui doivent répondre sur la faille. Encore une fois, c'est une équipe qui était quand même quasiment championne. Elle est quand même censée s'adapter, tu l'as dit, dans ce genre de BO. Alors sur un BO5, je dirais pas. Je pense qu'ils étaient vraiment capables de le gagner. LNG était capable de prendre une à deux games. Mais là, c'est un BO3. Il faut répondre. Et les du coup, LNG qui ont gagné. Donc c'est les FPX qui ont choisi le Red Side une nouvelle fois. Ok, bah avec Nuguri dans la draft, je pense que le Red Side, c'est un bon choix. Mais je pense aussi qu'il faut Tian sur un pick très aggro, genre un Ekarim. J'aime bien l'idée de Ekarim pour Tian parce que souvent ça marche bien, ça permet aux FPX d'avoir une engage longue distance, de ne pas laisser, selon les games évidemment, Doonby gérer ça. Ça fait pas mal de gants qui peuvent être intéressants pour la Nug aussi. Et la botlane souvent elle est assez indépendante hein, du côté des FPX. Oui, mais il faut juste qu'ils arrivent à se débrouiller. Est-ce qu'on banne la Senna justement hein, qui posait des fois problème côté LNG parce qu'on joue beaucoup sur du scaling et sur du fasting là depuis tout à l'heure. Ah, et puis le sustain apporté par la Senna est quand même assez fou dans les fights. Hein. Alors, est-ce qu'ils veulent la prendre eux-mêmes éventuellement? Pour l'instant, ils retirent le Udyr en blue side. Karmak avait déjà été retiré. Est-ce qu'on retire le Lee Sin qui est laissé open aussi pour le moment? Il y a le Renek qui a déjà été ban, le 7 aussi. La Camille, toujours respect sur Allez. Ouais, tu le disais aussi, la Lulu, ouais, qui peut être quelque chose et de gênant. Ouais, ce sera plutôt le Lee Sin qui va être retiré. Ça se comprend, hein. Ça fait quand même partie des gros, gros pics de la méta. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une méta complètement fermée en ce moment. Il y a pas mal d'options réellement selon les playstyles des équipes. Et il y a certains picks qui reviennent beaucoup. Seth, Renek, Karma, mais bah oui. Et Locke pas la Lulu, il y a une Lulu qui est prise. Triple flex, top, mid, support. Avec l'accent, c'est important. Ouais, c'est vrai que ça donnait beaucoup plus de classe. Cool là. Et c'est vrai que la réponse, potentiellement, ça sera peut-être pas une Senna. Eh, hey, le Varus pour LW. Varus Rumble, j'aime bien. Hein. C'est un duo qui marche bien en plus. Oui. Ah, alors ça, ça me plaît. C'est tôt pour un Nocturne. Quand t'as une Lulu en face. De voire de Tian. Ouais. C'est chaud de répondre avec un Nocturne, effectivement, sur une croissance prodigieuse, sur un polymorphe. Après, on va peut-être jouer ailleurs sur la map avant que la Lulu soit présente en phase de regroupement. On sait que c'est les pick-up, on sait que c'est la possibilité d'agresser. On le disait, hein, cette early game, c'est tu veux voir cette idée, de la proactivité. Et réponse avec quoi justement hein, la possibilité d'aller chercher ce fameux Varus. Hein. Après, tu le disais, alors peu mobile, est-ce qu'on a une porte de sortie? Il y a Tahm Kench éventuellement dans un deuxième temps. Très et la possibilité de. Aussi. Ouais, aussi. Et pas ban totalement. Oula, côté LNG. Parce que là, tu fais quoi, Icon? Tu peux limite le mettre sur Lulu ou sur une Solane, comme tu as dit. Mm-hmm. Tu peux aller récupérer le Thresh sur le bot side. Ok, bon, pour l'instant, on va prendre le Xin de Tarzan qui bah était oui. déjà MVP. Bah oui, Xin Lulu. Oui, Xin Lulu, ouais. évidemment. Et on avait déjà vu ça, la fameuse Lulu ou Karma mid lane pour essayer de booster et aider finalement le snowball du Xin. Ça fait une belle option du côté de LNG ici. Ez pour Light. Ah, c'est une bonne draft pour l'instant. Oui, oui, il n'y a pas trop de problème. En plus, même si la Lulu elle est support, ce qui est intéressant, c'est que tu fais pas full push dans ces conditions-là, parce que Lulu aide au wave clear, au cas où elle est support, bien sûr. Hein, même si, quitte à avoir un Xin, tu préfères avoir une Lulu mid, pouvoir faire ta roaming squad, qui est très très efficace. Un Xin, c'est tellement fort. Et là, du côté des FX, en mode, ok les gars, bot, on a déjà le Varus qui va outpush le Ez. Sylas, je suis moyennement fan. L'idée de la Lona, ça me va. Bah, si on est vraiment full agression comme on demandait, oui, bah, bien sûr, Léona. La Léona full le meilleur support hein, pour initier à long range. Et justement, est-ce qu'on bannera pas le Sylas parce que ça peut faire peur en face? Après, pour l'instant, on flex la Lulu. En fait, le Sylas. On a volé la Léona hein, qui est forte avec Ezreal aussi au passage. Oui, complètement. C'est vrai que Iwandi pourra pas l'avoir. Le Sylas, si tu le prends du côté des LNG, t'auras un Sylas en solo lane et ça marche. Mais j'ai peur d'un Sylas solo lane face à Doonby ou face à Nuguri. Là, c'est plus en termes de joueurs de façon individuelle, de puissance des joueurs. Où le Sylas m'inquiéterait un peu, même si il aurait de belles options d'ulti à voler, hein, ça je suis d'accord. Pas de Broom en tout cas pour cancel les engages de la Léona. Est-ce qu'ils vont pas ban le Thresh après, histoire d'être sûr que la Léona soit free? Ah oui, le coach a dit oui. Le Rumble qui sera retiré à Tian. On se doute que le Nocturne devrait être pour notre cher Dwenby. On retire, alors tu le disais, est-ce qu'on découpe encore les supports? Avec le reste, on n'est pas sûr, donc ban finalement c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on ban contre eux? Allez, il y a la possibilité de prendre aussi un Wukong, de mettre la Lulu sur un. Ouais, bah voilà. Oh là là, mais Frost!
Frost, quel est ton niveau d'analyse ? Sur une échelle de 1 à Frost, tu vois, c'est vachement haut quand même. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, au fort, c'est bien passé le ban. Smart des FPX qui m'ont peut-être entendu le Rise retiré à Dwayne B. Ça veut dire qu'on aurait la possibilité de se dire que Tian pourrait passer sur le knock et partir sur autre chose. Ou en tout cas, le Rise est aussi pourrait être mis et top lane. Mais bon, oh la Gwen, on n'a pas vu beaucoup, mais c'est vrai qu'il... Ah ouais. Oh, c'est validé. Ok, ok, pour ok. Gwen, la Gwen, du coup. Alors... La Akali m'aurait moins surpris, ouais. Parce que du coup Akali flex à un top ou mid sans trop de problèmes, même si je préfère Nuguri dessus comme on a dit tout à l'heure. Maintenant à Gwen, soit, écoute, ça va aller très très bien au niveau du split push potentiel, même si on split push pas beaucoup en ce moment, mais entre de bonnes mains, ça peut faire des merveilles. La première journée, après la game de 17 minutes, on a vu Nuguri dessus et Dwayne B qui était sur un Viego, ça avait marché, mais c'était pas fifou, donc je pense que depuis ils ont un petit peu progressé dessus. Akali, si ce n'est pas récupéré côté FPX, ça le sort à côté LNG. Et on nous annonce clairement, les petits potes, la Lulu, elle sera clairement pas support. Oh non. Il nous rappelle des choses absolument abominables avec cette Yumi qui avait été pré-shot le Rakan finalement. Du côté des LNG pour aller aider ce Ezreal. Botlane très mobile là-dessus. Gardou, Akali aussi, donc qui serait envoyé top lane avec une Lulu. Mid lane, on l'avait pré-shot pour aider finalement ce Xin. Bonne draft pour le moment, très mobile pour essayer d'empêcher un petit peu les plans des FPX. Veulent absolument montrer ce Sylas, mais et c'est validé. Ok, le Sylas c'est Log, du coup il a un ulti d'Akali à voler, il a une croissance prodigieuse aussi au cas où, hein, vraiment. Après l'ulti d'un Xin, il est pas inintéressant parce que si tu peux te protéger de toutes les attaques range, que ce soit du Ez et de la Lulu dans une certaine mesure, il y a des options maintenant. Ouais, le Sylas c'est peut-être plus pour cette idée de se dire bah je peux voler l'ulti d'Akali, aller assassiner quelqu'un. Les autres ultis sont un peu en dessous, je trouve. Pas mal d'AP quand même sur les solo lanes maintenant. C'est vrai que Dwayne B, ça y est, c'est bien. Il y a ce régicide et une bonne tenue de lane aussi. On verra ce qui peut être fait par Dwayne B. Composition intéressante avec une Gwen pour Nuguri. J'ai hâte de voir ce pic, hein, entre ses mains aussi. Akali. Ouais. J'avoue que le match-up me... Ça aurait pu être chaud, mais en fait, Gwen, c'est vrai qu'elle a beaucoup de range au niveau de son poke. Un peu comme Akali, hein. Akali, c'est Kamaz, un peu relou, plus le passif. Gwen peut compenser ça, à mon avis, via ses gros ciseaux. Comme vachement gros, hein. Des ciseaux comme ça, je vois pas ce que tu coupes avec. Des têtes. Ouais, avec des petits ciseaux comme ça, c'est assez malsain. Mais ouais. Ouais, parce que si tu fais de la couture, bon, c'est un peu gros, quoi, pour un petit fil. Oui. Donc, pour les têtes, je trouve ça adapté. Vous avez des idées, mesdames, messieurs, de ce qu'on peut couper avec des ciseaux comme ça? Je prends des jambes, des têtes, des bras, des parties du corps, quoi. Ouais, on peut un petit peu tout couper en vrai. Hein. En tout cas, il va découper, c'est sûr. Nuguri, il a l'habitude de ça. Donc le pic est plutôt roleplay. On va voir le récap, voilà. Avec magnifique Mercedes. Nuguri contre Ale, il y aura les Conquérors bien sûr, Conquérors sur le Xin, on a un létal tempo normal, donc c'est un Nocturne bien dans la jungle pour Tian. Il y aura toutes mes faveurs bien sûr, ce pic que j'adore. Ah, Shikoro qui nous dit que ce ne sont pas des ciseaux, c'est une guignotine. C'est pas mal, j'aime bien la guignotine. Il est chaud, Lucas, là, en vrai. C'est validé. Je suis énervé, là. Il y en a qui étaient en train d'engrainer tout le monde, c'était parfait. Là. Eh ben écoutez, Jago aux deux équipes, un partout pour le moment. On rappelle que les LNG sont en top du classement du côté de la LPL et que Nuguri va évoluer évidemment avec Ignite plus TP pareil du côté de Hail. Ça peut être une top lane full bagarre, mais un Xin Zhao est bien meilleur au gank early que ne l'est un Nocturne. Il va falloir se méfier parce que Tarzan en théorie va vouloir donner l'avantage à sa team rapidement pour ne pas trop subir ce game qui du côté des FPX est quand même plutôt balèze, je trouve. Ouais. From top to bot, comme tu dirais, pour les junglers, il y aura finalement... on a voulu tenter de prendre l'information, j'ai l'impression, puisque Nuguri s'était un petit peu projeté vers le blue buff. On l'a vu Tarzan tout à l'heure qui était complètement spot par la ward. Et comme ça, Nuguri, quand il a l'information, c'est un peu comme The Shy aussi. Hein. C'est vrai qu'il veut se projeter vers l'avant, voilà, mettre l'agression tout de suite. Et la paire de ciseaux, elle a fait très très mal. Oh, c'est pas vrai, arrêtez-le. Regarde, à chaque fois, il joue avec le max range. Tout le temps. Et là, il est en train de gagner ce niveau 1. Mais oui, parce que dès le début, il a réussi à poke en fait le bone plate. Dès que le bone plate a disparu, il a pu remettre des auto-attaques qui sont du coup quasiment gratis après. Hein. Mais c'est ok. Franchement,
Il attaque déjà très très fort Nuguri. Il y aura le niveau 2 avant pour Nuguri et il va devoir jouer de façon très défensive pour le moment. Attend, il joue hors décrypte, tu sais, pour pas se faire burst. Comme dirait Zap, genre cette début de lane est déjà gagné, genre rien qu'avec la petite pression, l'agression du début de game. Et tu disais, on peut zoner, il n'y a plus possibilité d'atteindre les creeps pour le moment. Il va pouvoir aller, slow, il est en train de stack les creeps, il va avoir le niveau 2, tu le disais. Il est en totale dominance pour le moment. Ouais, ça se contrôle bien. Et les deux junglers ont commencé top side jungle, ils vont finir bot side. Il y a une prio du côté des Fun plus Phoenix, une prio qui va rester normalement tout le temps au niveau de la bot lane, hein. Sauf cas de reset, bien sûr. Mais on se permet même du côté de LWX de commencer avec une épée longue. Donc évidemment pour snowball plus vite sur les items. Ouais. Stuff qui veut dire beaucoup de choses, hein, sur la possibilité d'être agressif et d'aller récupérer très tôt des ressources pour faire ses items encore plus rapidement qu'avec un Doran. Et Edwin Beak a pris une petite salutation de la part de Icon qui va être là pour le harceler, le gêner un maximum, tenir la lane. Tian, cette fois-ci, lui qui finit son bleu, qui devrait se projeter vers le Karab bot side. Mais les deux junglers seront normalement au rendez-vous. Généralement, t'aimes bien mettre ton fear, voilà, et attendre la fin pour en fait voilà, faire tomber le shield directement. Il a été vu normalement par le pollen. Ouais. Pas de contestation, est-ce que sa bot lane est devant? Ah, il n'ose pas y aller Tarzan de toute façon. C'est vrai qu'une Leona en early, c'est effrayant. Outre les CC que ça apporte, les dégâts naturels du perso, t'as aussi le passif qui apporte des dégâts aux alliés. Ça, il faut jamais l'oublier sur Leona. Ça fait tellement, tellement le taf en very early. Au top, il y a eu un petit bounce de wave. On a pu faire un reset du côté de Nuguri. Doran Ring, Doran Blade. Ok, le gars, il est vraiment là juste pour dominer sa lane. Et c'est rigolo parce que Doran, ça rappelle des souvenirs à Tarzan quand il joue avec. Ah là là. Le joueur, effectivement, qui s'appelait comme ça. Et à noter qu'il joue Ignite TP, hein, du côté de sa Gwen. Gwen qu'on voyait des fois avec Ghost TP aussi. Mm-hmm. Et là, c'est très agressif. Hein, il est là. D'ailleurs, Ignite TP aussi pour la Kali, en fait, au top. Ça, c'est très bien. Ça se répond. Tac au tac, ouais, effectivement, il y avait une agression bot side. Hein, Iwandi qui avait claqué son Ignite. Généralement, c'est le début des agressions. On va très vite. Hein, on est très chaud sur l'Ignite en LPL, sur le bot side. On va revoir d'ailleurs. C'est allé quasiment trop vite. La petite agression. Généralement, ça part assez vite, hein, puisqu'on a ce bump Ignite instant. C'est ça. Et ce qui est important à noter, c'est que ça fait juste claquer des potions du côté de LWX, mais il en avait 3. Donc en fait, t'as claqué un summoner spell contre 100 gold adverse, quoi, à peu près. 2 potions le temps de remonter tout ça. Nuguri qui domine toujours de la tête et des épaules sa top lane. C'est Ellie qui aimait bien cette expression de la tête et des épaules. Rip Ellie. Ouais, que je suis passé il y a pas longtemps, il stream tranquillement du LoL, donc très très cool comme mec. Ouais, il a eu accès à ça en prison. Ah là là. Je colle pas, il y a 4 jeux à cellule, c'est fou. Et oui, on l'embrasse bien sûr, un des adeptes des LCS notamment, hein, qui était avec toi à la grande époque. Bien sûr, on a vécu des choses avec Ellie. Voilà. Magnifique. Mais bon, la prison fait des ravages. Au top, en tout cas, prio du côté de Nuguri pour le moment. Premier dragon, c'est un dragon des nuages. Et au niveau de la mid lane, alors autant évidemment Lulu c'est relou à gérer, autant Doombi il craint pas, il va pas mourir dans le 1v1 normalement. Il a sa potion corruption, il a des cookies au cas où. Et oh, Tian, un petit niveau d'avance pour l'instant par rapport à Tarzan. Ça permet d'avancer ici. Le problème c'est qu'Icon il est pas très avancé sur la lane. Donc on aimerait juste à mon avis le faire claquer la croissance prodigieuse ou un flash, mais c'est difficile, hein, parce qu'il joue vraiment très safe près de ses murs. Ouais, pour l'instant, on reste le plus safe possible. Voilà, cette wave qui va être théoriquement avancée. Non, il y a une nouvelle wave qui arrive. C'est parfait pour Doenby. On va rater absolument aucun CS sur ça. Là-haut, du passif, c'est parfait. Yann qui a repris un maximum de vision. La river est pour lui. Pour l'instant, sa botlane qui fait toujours l'effort. C'est vrai que pour l'instant, la Lulu est en train de bien neutraliser finalement la Doenby. Et on attend de voir Nuguri à quel point il peut dominer. On le voit encore une fois, sa lane, hein, qui est bien bien push. La wave complètement sous tourelle. Allez, qui va essayer de temporiser un maximum de temps. Et on attend de voir, tu le disais, hein, l'agressivité de ce Xin en early game. Qui pour l'instant se fait match, on ne le voit pas assez. C'est vrai qu'il pourrait éventuellement essayer d'aller perturber le top side. Parce que au bot, alors au bot c'est un peu compliqué. Parce que pour l'instant il y a son opposant plus la bot lane qui gère. Doenby qui peut se projeter pour aller prendre du sustain. La salade, la fameuse, Tian qui va passer niveau 6 après son prochain camp. Donc là c'est reset, into nouveau cycle de jungle. Et il sera niveau 6 après ses Krugs. Est-ce qu'il veut mettre un gank sur Ayle? Après il y a moyen que Nuguri bait la smoke de Ayle et que juste après Tian il arrive pour un gank, hein. Parce qu'une fois que la smoke elle a été bait, Ayle il pourra plus s'échapper. C'est vrai que là il y a une option en moins, hein, clairement.
Allez, on va se battre là-dessus. On avait la zone de Gwen. On ne pourra pas défendre finalement cette pink pour le moment. Contestation peut-être au niveau du red buff. Je crois que ça a été subtilisé. Ouais, il vient de se le faire piquer par Tarzan qu'on a vu juste avant. Dommage pour Tian, dommage, mais bon, c'est pas très grave, même s'il l'a pas, ça empêchera pas d'avoir une grosse paranoïa. Après la paranoïa, t'as deux options. T'as quand tu l'utilises pour essayer de faire un gank, il vaut mieux que ça marche et tant que tu l'utilises pas, les adversaires se disent toujours mince, on voit pas Nocturne et il a une paranoïa. Donc t'as quand même une option de dissuasion qui est pas négligeable hein, tant que l'ulti n'est pas utilisé. C'est vrai que si tu l'utilises, c'est un ulti qui vraiment est à risque puisque tu t'enlèves à un point important. En vrai, s'il y a un beau shot call, en plus, ça peut même aider une lane, hein, puisqu'en fait, tu peux utiliser ton ulti simplement pour mettre une pression passive. Et j'ai déjà vu ça avec ce pick en plus de ça, alors que tu gankes une lane et finalement, ça aide une autre aussi, parce que les joueurs reculent ou en tout cas changent leur attitude en fonction de la paranoïa. Donc, ça peut semer le trouble. Évidemment, c'est une force de frappe de cet ulti. Le héros de la faille, pour l'instant, la game est très posée. 8 minutes de jeu, 0 kill là-dessus. Gardoum, toujours pas de First Blood. Et pour l'instant, on essaie de décaler pour être au rendez-vous parce que ce héros de la faille, du coup, les supports sont en train de roam. Et même l'ADC. Oh, Ail qui s'avance un petit peu, peut-être un peu loin. Ici, la paranoïa de Tian. On est dans la smoke tout de même du côté de Ail. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Tian face à Ail. First Blood de récupérer par cet Akali. Mais attention, Tarzan, malheureusement, qui est seul. Est-ce qu'on peut prendre le héros de la faille? Il reste sans HP au héros. Tarzan qui va tomber. Ça y est, mais un kill aura été récupéré avant cela du côté. Des LNG, pardonnez-moi, ça continue. Nuguri qui revient dans le fight. Nuguri, oh, c'est catastrophique. Qui récupère encore un nouveau kill. Est-ce qu'il peut le faire maintenant? Il est 1v2, malheureusement, ça semble difficile. Double buff, malgré le double buff, Nuguri qui va tomber, ça fait un double buff sur Light. Ouais, ça c'est bon, là, il faut aller absolument faire ça. Mais c'était très très tendu parce que Yuandi, il était assez low life. Ce héros de la faille, quand même récupéré par les FPX. Mon cher Gardoum, avec finalement, c'est Nuguri qui l'a récupéré, il me semble. Hein. Avec sa Gwen, il a fait un kill et. Deux kills, on revoit le début en fait. Je pensais qu'ils allaient turbo-focus le héros de la faille, mais ça aurait été un 50-50. Coup de Tian, il a voulu s'échapper. Le problème, c'est qu'une fois qu'il s'échappe, il est suivi par la Akali. Et là, Nuguri, il fait comme il peut. Le seul souci, c'est que t'as la Lulu, t'as la Rakan et t'as un petit S qui va être dans le coin. C'est-à-dire que d'un côté, t'avais le S, ils étaient 5, et de l'autre, ils n'étaient que 4. Et on le sait, 5 c'est supérieur à 4. Oui. Parce que si une main t'as 5 doigts et l'autre t'as 4 doigts, On est d'accord que Light aurait pu quasiment mettre une auto ou deux sur le héros hein, parce que du coup Nuguri si tu regardes en fait il est en train de taper un ennemi et après il voit le héros et il met dessus et il récupère juste dans l'enchaînement. Ils avaient tous oublié le Herald en mode mais si je le mets trop low HP avec les adversaires le termine. Ouais c'est ça, c'est qu'en fait ils hésitent en se disant c'est pas le focus, il faut absolument que j'aille mettre tous mes dégâts sur les ennemis. Et on va se projeter, on perd pas une seconde, on va aller du côté du Drake d'Evan, le premier Drake qui a été wardé mais qui ne sera pas contesté. Est-ce qu'on a un barrage terrible? On n'en a pas encore. Ok, ça fait deux objectifs de sécuriser tout de même de la part des FPX pour le moment. Allez, il est bien, il peut y aller, peut-être un slow. Nuguri, est-ce que Ail veut se battre? Tarzan est pas très loin tout de même, mais on est quand même dans la jungle des FPX. Voilà, vision. On va respecter parce qu'on peut vraiment aller s'empaler, vous le voyez, il y avait le support qui était dans le coin, je pense qu'ils ont dit qu'au bot il y avait un miss. Que derrière, en plus de ça, il y avait un Nocturne sauvage qui n'était pas très très loin. Et pour l'instant, ça reste très équilibré, égalité en termes de gold. Mais il y a un héros de la faille qui a été quand même récupéré. Mais c'est finalement Nuguri en solitaire. Peut-il avancer sur la lane? Peut-il aller prendre un lead pour prendre des plays très tôt? Oh, l'initiation! Il savait qu'il était tout seul! Quel pick-up pour aller donner une ressource supplémentaire à Light qui avait déjà été équipé d'un kill sur le move au niveau du héros. Regardons, ça c'est bien joué de la part d'Iwandi qui a un boulevard pour elle. Ah mais vraiment de fou et ça met un Ez tellement bien dans la game. J'ai peur pour l'FPX parce que en fait si le Ez au niveau de fin de leur lead début de mi-game il a pas deux items, ils peuvent gagner le fight. Si le Ez il a ses deux items, tout de suite t'es pas dans les mêmes conditions de jeu. Hein. Même si on a un Varus qui fera mal à tout le monde parce qu'en face, qu'on soit d'accord, il y a un peu de heal apporté via Iwandi et quelques shields de la part de Icon. Ça reste assez limité tout de même. Oh, Crisp ici. Et Ail qui le savait, il a mis la ward en amont, le héros de la faille qui était positionné. On vient gratter les golds de notre pote Nuguri ici, histoire de partager un peu un Tian. Il lui a dit, c'est toi qui l'as pris, mais bon, on va quand même split tout ça. Et toutes les plates ont été récupérées. Et Nuguri, ça peut être important, relancer cette Gwen pour l'instant en 2-1. Il doit absolument maîtriser en 1v1 cette Akali de Ale. Et quand Ale est muselée, eh bien, c'est facilité. Voilà, c'est vraiment bien. Mais forcément, c'est une force de frappe des LNG. Et finalement, Icon sur un pick plutôt enchanteur support pour aider absolument Tarzan, qui était MVP, à peut-être se mettre en place. Mais ce Xin a quand même un petit peu de mal. On attend de voir la réponse de Tian.
parce que pour l'instant, le premier paranoïa, il s'est fait un petit peu rec. Ah, c'était pas fou, hein. Il s'est dit, ah, je flash out et je mets dans le noir. Et elle lui a dit, nope. Voilà, ça a été résolu assez facilement, je trouve, ce petit problème. Pas d'objectif pour le moment, bien sûr, vous le voyez. Et l'autre souci d'FPX, pour moi, c'est que ce Varus, il était jamais censé mourir solo. Le but, c'est de scaler assez vite. Tiens, justement, pour essayer de match le Ez dès que possible, on finit à l'arme de Hades en premier. C'est vrai qu'avoir un premier item, létalité, ça ne te sert pas à grand chose. Là où tu grattes un petit peu plus avec cet item là, c'est à dire que tu as un spike premier item moins fort, mais tu as un spike deuxième item qui va être un peu plus fort. Ouais, vote magique. Là, on a la mana mune qui se stack importante à chaque fois. On va. Oh, on joue bien avec la wave là pour en tout cas la freeze là. Et la plate, on était déçu, hein, côté aller, on l'a vu sur le top side, il n'a pas pu aller la récupérer, il manquait rien. Et Nuguri qui peut se projeter à l'image de Shai, hein, quand il domine, cette capacité à aller chercher, même vider la jungle de ton top side. Ah oui, quand tu peux décaler, super important, il a le timing dans la tête. Et là c'est important parce que le mid laner d'en face ne l'a pas, toi tu le récupères sur une Gwen en plus, c'est cool. Et derrière, en plus de ça, bien, tu prends encore plus d'XP. Peut-être, pourquoi il est chaud. Hein. Yuandi, on l'a vu tout à l'heure, capacité c'est d'aller bien. Très vite, se projeter. Icon est là aussi, donc double enchanteur. Ça peut permettre à Tarzan de se mettre super bien. On fait reculer tout le monde. Bon, on va partager les plates avec un petit peu tout le monde aussi. Et oh, le Gwyn. Regarde, Ayle à l'opposé qui recule énormément. Et est-ce qu'on peut continuer l'engage ici? LW, n'a plus de point de vie qui va tomber sous le coup de Iwandi. Crisp qui est là, Twinbee aussi. Il va falloir tuer des gens du côté d'FPX. Tian qui essaie de s'échapper au prix de son flash. Il ne va pas mourir pour l'instant. Si, tué tout de même par Light qui n'a plus de point de vie. Light qui kite bien. Light pour Light. Le moment, l'Arcane Shift. On va tuer Twinbee. Et ce sont les LNG qui en sortent grands vainqueurs. Oh là 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 là, il y en a un qui va quand même essayer de se consoler. C'est Nuguri qui n'avait pas encore sa TP pour se joindre au carnage là. Et c'est pour ça que les LNG se sont dit on peut y aller peut-être au groupement. Décalage des midlaners et surtout on a une possibilité d'avoir un petit peu le lead en début de fight. On va revoir ça, mais Light en a parlé, incroyable, il meurt pas au début. On arrive à se repositionner, à faire durer le fight, à se remettre en place pour mettre les Q-spells. Elle a raté la pink. Oui, elle est totalement miss. Ouais. Ou alors elle est réussie, c'est nous qui ne comprenions pas ce qu'elle apporte de plus. C'est Nuguri, il ne peut pas rater, c'est la pink qui a raté. Alors on va dire mode c'est la pink spec qui a bug. C'est la pink qui a raté le buisson. Oui, dans ce sens-là, je valide. Ah, l'initiation quand même sur Akan hein, qui est là, effectif, LWX complètement rush. Je crois que le Varus tombe. Après, on est allé un petit peu loin. Hein. L'arrivée sur le côté de Dwayne plus Crisp. Mais regarde, on n'arrive pas à les faire tomber assez vite. La lune qui temporise assez longtemps. Ouais, c'est ça, on n'arrive pas. T'as un S qui a un pourfendeur divin en face. Oh là là. T'as un Sylas early game, Tarzan. Un nocturne qui a pas d'avance. Il fait ce qu'il veut parce que Light est focus. Il se repositionne, Tarzan qui fait le taf. Ouais, non, c'est problématique là pour l'FPX, il leur arrive. Hein. Il y a que 1000 gold d'écart, certes. Mais je trouve que c'est très symptomatique des problèmes qu'ils ont en ce moment où. Malheureusement, tout n'est pas assez précis. On a bientôt l'alarme de Hades du côté, enfin la mana mune du côté de Light, pardon. Elle qui attend patiemment et snip snip, c'est le Q-spell de Gwen, snip snip. Oh là, est-ce qu'on veut vraiment se battre ici, Nuguri? Allez. Prend tellement cher, mais attention, on se bat bien du côté de Nuguri, il faut aller tuer Ayle. Oh, mais ça se joue à tellement rien. Ce 1v1 hyper skillé, en tout cas là, on a eu du spectacle ultra close entre les deux top laners. Qui se sont respectés, il n'y en a aucun qui a osé terminer le fight. Alors que de l'autre côté, le Volk a été fait directement de la part de Tian. On peut enchaîner peut-être les chaînes corruptrices qui ont fait un peu le tap. La TP dans le bac, est-ce qu'on aura le temps d'arriver? Il y a Light qui est pour l'instant en free DPS, est-ce qu'on peut enchaîner? Il y aura un kill de part et d'autre, Luxin qui est tombé. Mais là, ça marche bien pour les LNG qui peuvent se projeter. Il y a deux kills supplémentaires qui sont faits. Nuguri qui est condamné pour le moment. C'est un nouveau kill sur la Akali de Halle. C'est la cata. Catastrophe. Exactement. Ça part en cacahuète du côté de l'FPX. Ils se battent, ils récupèrent les objectifs. Oui, mais ils y perdent tellement en termes de gold. Là, c'est 2500 gold de retard pour les Fun plus Phoenix. Light qui est à 4-0-5. Ça y est, ce S, il est fait. La Akali, elle est faite. Maintenant, la game, elle est injouable quasiment pour les Fun plus Phoenix. C'est ça. Hein. Et regardez, tout part de là. On se dit au début, c'est bien, on vole le Drake. On se projette. Et le problème, c'est regarder le tab du support. Yuandi qui est là un petit peu partout, qui permet en plus de ça à Icon de venir pile complètement Light. Light qui est pris, l'arrivée de Halle derrière, qui va terminer, ils sont tous low life. Tian qui explose, Nuguri qui se retrouve tout seul et Dwayne qui lutte pour sa vie et qui s'en sort, le seul rescapé. Oh là 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 là, 11-4 pour les LNG. Et j'ai pas parié de Pog, que se passe-t-il? Je trouve ça vachement fou en fait que les LNG remportent tout ça. Et pour moi, c'est un problème côté FPX qui.
prennent des fights alors qu'ils n'ont pas les spikes de leur compo du tout actuellement. LW qui s'est fait détruire tout à l'heure au niveau du bot. Sylas, ça prend du temps à être efficace. Même si Nuguri, il est bien dans sa game, et encore, mettons des grosses guillemets à bien, il n'y a pas de miracle à faire pour lui parce que c'est un split pusher majoritairement. Je le vois pas changer un fight hein, comme ça en claquant des doigts. Bon, alors on sait que dans la première game, ils ont réussi à faire des merveilles en teamfight, mais là, j'ai l'impression que du côté des LNG, on est prêt. Ouais, on est carrément ready. ONB qui va quand même pouvoir aller terminer cette tourelle. La rotation pour le moment, c'est plutôt évidemment la prio mid qui est cherchée, puisqu'il y a un héros de la faille qui est là. Et cette transition, les LNG qui sont présents, qui sont vraiment rapidement présents sur la map, et surtout, voilà, ils peuvent enchaîner. C'est eux qui sont à la baguette. Et pour le moment, avec leur bot side très insaisissable. En plus, light, c'est facile. Hein, t'as deux supports autour de toi. Possibilité de prendre. Oh là là, ils ouvrent la map, ils prennent le héros de la faille. C'est-à-dire qu'on pourra aller se projeter soit sur la T2, soit pour aller exploser éventuellement la dernière T1. Qui n'est pas le plus important, là, le top side. Pour l'instant, on a grignoté vraiment le bot et le mid. Finalement, c'est pas cher payé. On a lâché ce Drake, on a fait ce move incroyable. C'est un petit peu envolé. Presque 3K hein, d'écart. Pour les LNG, mais encore une fois, quid hein, de la première game où ils n'avaient pas réussi à terminer alors qu'ils avaient aussi un lead. Alors c'est vrai que la compo n'était pas tout à fait similaire. Cette compo, encore une fois, Tarzan, c'est à lui de s'exprimer. Possibilité pour Ale et Tarzan d'avoir finalement Icon derrière eux. Mais c'est ça qui est fou en fait, c'est que t'as un support qui est gigaboosté, t'as Iwandi qui va s'occuper des engage. Icon, lui, son rôle, c'est que personne ne crève et il va avoir largement ce qu'il faut, hein, bien sûr. Et Light, il fait déjà ultra, ultra mal. Et c'est là tout le souci pour moi, c'est qu'il va falloir attendre que le Sylas soit fort du côté de Doombie, mais il sera jamais assez fort pour outrepasser les chiffres de la Lulu. Nuguri va perdre sa tourelle, la T2 va se prendre un coup de tête aussi à mon avis. Personne ne décale pour l'aider si ce n'est Crisp, est-ce que réellement ce sera suffisant? Bon, pas pour empêcher le coup de tête au niveau de la T2. Du coup là, qu'est-ce qui reste comme option? Bah pas grand chose, t'attends que Doombie split push et tu lui laisses plein de ressources. Que je dis, faut attendre que le Sylas soit bien, mais même à ce moment-là, je ne sais pas si ce sera suffisant. Ouais, parce que faut que la Gwen soit présente aussi, il faut la possibilité de finalement éteindre la vision pour avoir le lead sur l'initiation du côté de Tian. Tian qui est censé faire du coup un stuff, vous le voyez bien sûr, tanker un petit peu. Oh, le fameux. Peut-être qu'il n'y aura pas touché. Ouais, c'était ultra close. Meanwhile, bot lane. Les gars, je prends la tête de bot, ça va, vous en faites pas. De toute façon, il savait qu'avec ce héros, il ne pouvait pas faire grand chose d'autre qu'en crossmap répondre. Une T2 par une T2, sachant qu'on a sauvé hein, évidemment les HP de la T3, donc c'est pas si mal que ça pour les FPX sur ce timing fort du héros de la faille lâché par les LNG. Allez Tarzan, faut pas rester dans les parages, là ça sert à rien d'overextend. Ils peuvent jouer les Drake, en plus sur le Drake hein, dans une. Bah oui, ils peuvent jouer les Drake les FPX, même s'ils meurent. Imagine, ils redonnent 2000 gold de plus, mais ils récupèrent encore un dragon. Bon, ça voudrait dire qu'ils perdent le Nash juste après, donc ce serait un peu dommage. Et ça veut dire qu'actuellement, j'avais dit qu'ils allaient pouvoir finir en 21 minutes les Fun plus Onyx. Je pense que je me suis fourvoyé. Peut-être légèrement. Ouais, j'ai des problèmes aujourd'hui, je crois, pour mes pronono. Je tente des trucs et ça veut pas. Alors que quand Aurélius veut troll mon compte, il me ramène des POG. C'est vrai. Ça, c'est. Force. Il va falloir le laisser s'en occuper. Aurélius, le nez creux, en tout cas, les bons pronos. Ah, le nez creux. C'est le nez creux son boomer, ça, fais gaffe. Moi, ça me va. Oh bah. Tranquille, attention justement, regarde ça à l'ancienne, peut-être justement le trap. Crisp qui s'est fait révéler. Et c'est bien côté LNG, faut pas tomber dans la facilité. Regarde Nuguri. Et offrir des pick-up. Est-ce qu'il peut pas arriver par derrière Nuguri en faisant le tour derrière le Drake? Non. Ok, il va plutôt rejoindre sa team pour faire ça en full. J'ai l'impression qu'il peut mettre sa zone pour empêcher Iwandi de faire ce qu'il veut au niveau des contrôles. Donc il permet en fait finalement de repartir. Il y a la Léona qui est censée faire les initiations. Le Poki qui touche pas, ce dragon. Tian, il va falloir essayer de le voler du côté de Tian par contre. Hein. Il va falloir faire une paranoïa au bout d'un moment. Ils m'ont dit dans le bac. Ouais, ils m'ont dit. Est-ce que. Oh, il va pouvoir faire un engage de folie. Ils m'ont dit peut-être. Que c'est l'avancée de la paranoïa. C'est l'engage qui a été fait tout de même de la part des FPX. Le dragon récupéré par Tarzan. Est-ce qu'on peut réellement se retourner? Tian qui n'a plus point de vie. On recule. Tian, il sert plus à rien. Du côté des Fun plus Phoenix, les chaînes corruptrices. Light qui fait un gros dash. Ils m'ont dit le re-engage. Il faut continuer ça. Bum. Tarzan a promis qu'il. Est-ce que ça peut enchaîner rapidement Nuguri qui essaie de reculer, qui ne pourra malheureusement pas survivre. Qui tue Doombie qui en prend un, mais malheureusement c'est une hécatombe. C'est un ace, pas clean, mais c'est un ace. Et qui dit ace dit Baron Nashor. Oh là là, parfait cette strat LNG avec Tarzan qui se fait complètement accompagner. Bah voilà, Icon, vous le mettez sur une Lulu, ça flex, ça permet d'enchanter un petit peu ta jungle. Et derrière, tu laisses aller qui est ultra chaud maintenant avec sa Kali qui est feed et surtout Light qui est sur une lancée incroyable, insaisissable. Et derrière, c'est eux qui ont eu le Drake. Ouais, ils ont le Nashon là, c'est Nashor et Dragon. Exactement. Le fameux.
Oh là là, le setup. Ils vont vers l'avant là-dessus, garde. Oh, regarde, au fur et à mesure, ils les ont tellement grattés que Nougouri, plus d'HP. Tian, il est déjà en sursis. Derrière, il tombe. On peut se projeter. Et regardez, Tarzan qui reste en vie tellement longtemps. Lui, il le colle complètement. Iwondi qui fait le taf aussi pour les initiations. Oh, le Nashork a été validé. On a contesté du côté des FPX. Est-ce qu'on n'est pas en train de forcer complètement là-dessus, Gardom? On a perdu de nouveau Tian plus le Nash. Comment dire, cette game semble c'est un peu en roue libre là. Souvenez-vous, à la draft, j'ai dit « Oh, il reste un ban, ban Lulu !» « Oh non, on va pas ban Lulu !» Paf, first pick Lulu. Qu'est-ce qu'il y a? Ils perdent. Ah, mais coïncidence, je pense pas, Frost. Il y a un moment, je peux rien faire si on m'écoute pas. Hein. Ah, c'est vrai qu'on nous propose aussi le Drashorn. En fait, c'est pas mal aussi, dans l'autre sens. Ah, le Drashorn. Ouais, mais le Drashorn, ça sonne classe, que le Nashon, ça sonne vraiment moche. Ouais, c'est exactement ça. Genre vraiment le Nashon. Ça fait bidon, tu vois, t'imagines, le Nashon. T'imagines, ouais, c'est ça. Un peu, t'imagines un peu soit bidon, un Nashor un peu débile, soit un dragon un peu débile. Alors que là, ça fait plus Draktar, tu vois, Drashorn. Ouais, tu vois, Drashorn, il y a un ça truc. Ça fait un peu énervé, quoi. Un peu médiéval. Oh, Nougouri. Ouais. Nougouri va se faire médiévaler la tête, quoique Tian qui arrive directement avec la paranoïa, est-ce qu'on pourrait vraiment se battre? Il s'en va, il y a la zone. Qui recule, il y a les copains qui arrivent. Icon qui est là, Light aussi, Ail qui n'est pas loin. Heureusement, il y avait les chaînes corruptrices de LWX pour disengage. Ouais, et finalement, le split push pour les FPX avec le fameux Sylas de Dwenby. Et on va perdre la T2. Il sait comme il y a un baron powerplay, qu'est-ce qu'il peut faire? Essayer de gratter des tourelles extérieures. Ah mais je crois que sa team lui a dit qu'il faut venir défendre parce qu'on risque de perdre un quasi inhib. Là on va perdre la T3, oh ça c'est sûr. C'est terrible ce qui se passe, il y a la TP du côté de Ail hein, au cas où. On n'aime pas voir ça. Là il faut pas défendre l'imiteur parce que s'il le défend, il y aura bagarre et la bagarre il la perd clairement parce que gros retard au gold, parce que Baron Nashor qui donne des stats. Hein. N'oubliez jamais les stats apportées par le Nash, il veut essayer de finir. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin, ouais. Voilà. Avec ce forcing sur les T4. Pour l'instant on va protéger le canon. Canon qui est en train de taper. Oui clairement la TP qui va être call de la part de Ail. Pour arriver avec ça à Kali, il y a une possibilité de taper la T4. Encore une fois, le canon qui fait son œuvre. La T4 va tomber. On voit, vous voyez, messieurs, dames, les FPX en train d'être impuissants dans leur propre base. Eux qui sont axés sur l'agressivité à l'état pur. Et pour l'instant, face à DLNG remontés, qui pouvaient sombrer après la frustration de la première game. Et qui ont su faire quasiment un petit river sweep pour le moment. L'initiation, elle est là justement, c'est parti Gardoum. Est-ce qu'on pourrait vraiment les tuer? Crisp qui doit reculer absolument, il y aura peut-être un premier kill, mais voilà, ils sont immourables pour le coup. 2 kills en faveur des LNG, on va devoir reculer rapidement. Crisp qui n'a plus d'HP, Nougouri qui essaie de se battre, Dwinby qui rentre dans le fight, Dwinby malheureusement qui tombe. Et cette Lulu encore et toujours qui protège ses alliés, les uns après les autres. 8-0-9 du fait côté de Light. Et c'est une victoire des LNG face au Funbus Phoenix. Et regardez le chat qui commence à halluciner. Et oui, c'est les supporters LNG qui doivent complètement exulter. Aïe, aïe, aïe. Quelle performance! Oh là 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 là, la catastrophe! Ou la joie! On voulait voir simplement contester ce BO. Ils font plus que ça, Gardoum. Ils restent invaincus. C'est un 4-0 pour et les LNG. Super game, hein, celle-là. Ouais. Vraiment, le BO était très très disputé. Ils affrontent pas n'importe qui. La dernière game était incroyablement bien jouée de leur part. Après, voilà, c'est les FPX de la vieille école. Ils ont encore le vieux maillot. Ils n'ont pas pu déployer tout leur potentiel. C'est vrai qu'il y a ça. Si aussi. T'as pas une bonne tenue, tu peux pas bien jouer. Je veux dire, tu vas pas courir un marathon avec des claquettes et un jean tout rêche. Bah, c'est un peu ça qui subissent là les FPX. Ouais. L'habit qui fait peut-être le moine du côté des FPX, on avait que le logo, ça suffit pas. La petite salutation, on est déjà là, on est fiers, on est quand même contents. Ça sourit du côté des LNG. Quel départ canon sur ce summer. Oui, c'est en train de prouver, vous allez devoir attendre cette équipe au tournant. On attendait aussi les performances éventuelles de BLG dans ce summer, voire de Ultra Prime. Et bien pour l'instant, LNG, c'est strong, c'est là. Ça fait tomber les FPX qui étaient quasiment champions, qui n'ont perdu qu'en finale du Spring. Et ouais, non, mais Gardons, on est un peu sous le choc quand même parce que je ne pensais pas qu'en plus, de cette manière-là, les LNG allaient réussir à faire le 2-1. Ils sont menés 0-1 avec une frustration, ils font le taf. Mais du coup, le LNG-RNG dimanche, ce que Nox dit dans le chat, effectivement, il va être fou. Parce que demain, c'est RNG-OMG, RNG revient, ils vont OMG, ils font POP. Ça va être à peu près ça. RNG doivent se dire. Par contre, ils vont arriver dimanche en mode écoutez les potes, on pensait que ça allait être LNG et que ça allait être free win comme OMG. C'est les LNG qui sont premiers du classement qui détruisent un peu tout. Bon, est-ce que Xiaowu sera à la hauteur? Ouais, c'est la question. Xiaowu est toujours un peu à la hauteur quand même. Hein. Clairement, c'est un des meilleurs top laners de la ligue. Il a été capable de montrer sur à peu près tous les picks, capable de jouer des AD, de jouer des AP évidemment, puisqu'il a été replacé. On attend de voir l'entrée en matière. Mais pourquoi pas un bon petit challenge pour le champion du MSI en entrée, évidemment. Alors, pas tout à fait en entrée, puisque tu l'as dit, il joue dimanche, mais il joue aussi demain pour leur entrée. En deuxième entrée ou en plat principal, quoi. C'est l'entrée, ça. C'est l'OMG.
Et hop, petite dégustation, un petit hors d'œuvre. Non, hein. Voilà, les OMG, ça va être le hors d'œuvre. Et l'entrée, oui. Ça va être les LNG. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Ça me va. Je suis assez d'accord. En tout cas, les FPX, petite frustration, parce que là, on pensait s'en être sorti après cette game 1. On coince derrière deux fois. Et surtout, on se dit, mais attention, parce que s'il y a des équipes comme ça, sachant qu'il y avait déjà les Raratom, il y a les LNG, il y a des équipes comme ça qui sont menaçantes, il y a encore plus de taf à faire dans la saison régulière. Là. Bah, c'est un peu ça. Tu arrives avec un « Ok, les gars, on doit se préparer pour le top 4-5 qui est giga balèze. Ah ça. Bon, en fait, c'est le top 7-8 maintenant qui est trop fort. » Au bout d'un moment, ça va être toutes les équipes en play-off et tu pourras te dire « Bon, bah, t'envoies les 10 équipes de la Chine et ça peut gagner les Worlds. » Voilà. Ça peut aller en play-off des Worlds, je dirais, au moins ouais, en quart de finale, demi et tout. Hein. Peut-être, ouais, mais bon, on en sort un peu plus d'ici la fin du summer. Hein. Oublie pas que la méta peut bouger. Mais, ouais, tout, mais... Un bon petit top 8, déjà, qui est assez strong, voire un gros top 6, déjà, ça, c'est sûr et certain. Et quand tu vois qu'il y a déjà eu genre les Cloud9 qui sont souvent allés en quart de finale et tout... Bah, quand tu vois que là, les Sunning qui sont vice-champions du monde, qui sont finalement avant-derniers... C'est vrai. C'est vrai, bah, ça c'était veut pas dire grand-chose, mais pour l'instant... Au niveau des Sunning... Ouais. Et c'est chaud, les stats, mon cher Gardon, pour voir qu'évidemment, à part petite courbe au tout début de 300 gold pour les LNG, après pour les FPX, pardon, qui se sont vus transformer en Everest du côté LNG. Et finalement, quelle strat, il va falloir s'en occuper, tu l'as dit, la Lulu qui pose problème. Mais oui. La capacité de flex, oui, le problème, il y a Karma, mais il y a aussi Lulu. Et cette possibilité d'aller chercher du Xin. Ah, je trouve lui encore pire que Karma, quoi, parce que du coup ça t'apporte en plus la croissance prodigieuse, en plus un CC avec le tout mignon, alors que Karma son CC c'est en mode toi s'il te plaît ne bouge pas, hop il bouge plus, faut quand même rester à portée de voix et de distance et tout pendant un certain temps, que Lulu t'arrive, c'est simple, hop, tu veux m'agresser, tout mignon, c'est mort. Et c'est pour ça que le Nocturne en réponse à la Lulu, j'ai pas compris. Genre vraiment c'était bizarre. Il pensait que ça suffirait pas, ouais, dans un schéma où tu vas détruire la team adverse ça marche, ouais. Mais très compliqué, Ballsy. Alors on s'attendait à ce que ça soit Ballsy, mais je te rejoins, c'est vrai que la réponse n'est pas simple, et c'est vrai que de balancer un Nocturne de Tian, qui d'ailleurs n'a pas marché dès le début, s'est fait contrôler, l'a tué quasiment personne, il est sorti des fights très très tôt, alors il éteint la lumière certes, mais derrière ça ne sert pas à grand chose. Ça fait jour, nuit, voilà. Voilà. Tian, on va l'appeler Jacouille. C'est à peu près mon résumé de cette game, je suis désolé. MVP, tu mettrais qui, Frost? Et le chat, qui mettriez-vous en MVP? MVP côté LNG, c'est dur à dire. Xin, il l'a déjà pris, hein, Tarzan. Je mettrais Iwondi. Ok, c'est validé. C'est validé, Iwondi. Je crois qu'il n'a pas raté grand-chose sur Rakan. Il a été plutôt bon avec son Ez, mais je suis d'accord pour le mettre à Iwondi, parce qu'Iwondi, c'est lui qui a créé les trucs et tout. Je dirais que si c'est le KDA qui prime, ils vont mettre peut-être Light, mais moi, je mettrais quand même le taf de Iwondi, en vrai, qui est dans l'ombre un petit peu. Ouais, je suis d'accord vraiment avec Iwondi. Pour le coup, dans le chat, on a aussi une réponse Iwondi pour l'instant. Donc. Ok, non, ils m'ont dit, c'est vraiment un bon choix avec son Rakan, présent à chaque fois au niveau des enquêtes, tout ça, t'as complètement raison. Ce que j'aime, c'est qu'ils se projettent, hein, ils sont allés dive au bot aussi. En fait, ils jouent sur la vague Tarzan qui est trop chaud, et ils l'accompagnent avec une macro qui permet ça, c'est-à-dire ces enchanteurs qui sont là, qui boostent, qui verrouillent un peu les lanes. En plus, tu sais que c'est la menace principale, elle est au mid. Mais généralement, tu veux pas qu'elle carry, tu veux pas qu'elle avance. Tu fais quoi? Tu mets une Lulu, tu gênes, comme tu l'as dit, tu silences un peu tout le monde, tu polymorphes. Derrière, en plus de ça, tu as Tarzan qui se met en place. Derrière, tu sais que tu as cette Akali qui est un peu une menace, bon, même si elle se fait mettre un petit peu de côté par la Gwen au début de Nuguri. Et derrière, Light, trop facile, parce qu'en fait, s'il focus Light, lui, il se repositionne, on l'a vu, bah, Tarzan, il se fait un peu oublier. Exactement. Et en fait, tu fais comment? Parce que tu as et Rakan et Lulu, et tu as deux carries à gérer, quoi. Ça va être le problème. Après, c'est le début de la saison. On rappelle, hein, il y a certaines équipes qui mettent du temps à se mettre en place. En général, les équipes haut de tableau, Top Esports, JDG et tout, ça se fait pas tout de suite. Oui, je masse la table. Okay. Mais c'est, ouais. Ça peut prendre raison, un petit peu de temps. Elle est bien. Ça peut prendre un peu de temps. Et il y a quoi comme équipe haut de tableau qui est déjà forte actuellement? Même JDG, c'est fort, mais pas au point où on peut les imaginer. BG sont en 3-0, mais je dirais pas très fort parce qu'ils ont un peu bégayé sur un de leurs vidéos. Du coup, on attend RNG, en fait. Ouais, on attend vachement RNG. On a LNG aussi. On a finalement dans ce trio, parce qu'on avait... On n'a pas IG. Oui, on a... incroyable. On n'a pas IG. C'est incroyable. Ah, il me blesse tellement. C'est quoi ça, c'est incroyable. Super. Non, mais je suis un peu blaze aussi parce que Nox qui nous troll, évidemment pas Akali qui sera MVP. Donc non, mais ça, Nox, elle est biaisée. Elle est née, elle est ça aussi. Hein. Dans son berceau, déjà, j'ai vu Akali. Elle avait une tétine Akali, Nox. Genre, elle avait une tétine Akali, c'était pas peut-être jouable. C'est ça, tu sais, ou alors quand t'avais un poster de Malabar avec les petits tatouages là, et qu'elle avait que des Akali qu'elle mettait sur les bras. Akali partout, poster de Peanuts dans le berceau. Ah ouais, c'est vrai, ça aussi. Ouais. Ouais.
Mais bon, son rêve un jour que Peanut soit chez EDG, on en avait parlé, mais bon. Ça c'est pas. Moi qui ai dit ça. Mais ça n'arrivera pas. Comme Wendy était dans le premier stade, je suppose qu'on aura oui, pas j'imagine. Ouais, c'est possible. Chico, il me semble bien. Bon, et bah, écoutez, mesdames, mademoiselles, messieurs, on va pouvoir se quitter juste ouais, après. On connaît le MVP. MVP, si tu Wendy. L'as pas encore, je veux bien le planning, s'il te plaît. Ah bah, il arrive. Il arrive très bien. Donc, MVP. Alors, Nox, elle est biaisée, donc on va pas prendre son vote en compte. Non, absolument pas. Ouais, I want this, non, ce sera light. Il y a bon, quelqu'un qui a raison. Qu'a pas derrière. Quelqu'un a raison. Ah. Ça va être... Ez ou Ayondi ? Ah ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! C'est le Ayondi ! Bien joué ! Merci, merci à la prod LPL qui. Oh là là, le 2-0-18 ici avec ça. 90% de kills partent. Ouais, c'est beau. MVP le premier, il est mérité celui-là, puisqu'il a fait tout le travail. Et on revoit encore une fois, hein, Light, qui a quasiment à mettre juste un ou deux spells. Il trop mignon de te voir te re-hype sur des replays. Beaucoup trop mignon. Mais n'hésite pas. Ouais, exactement, j'adore ça. Et cette phase de jeu, je t'en avais parlé, la possibilité d'aller sur forcément peut-être l'ADC. Le problème, c'est qu'il y a aussi un petit Tarzan à contrôler derrière. En fait, le problème des LNG, c'est pas qu'ils font beaucoup de dégâts, c'est qu'ils ne meurent pas. Oui. Et quelqu'un d'immourable, au bout d'un moment, ça finit par te tuer. Même avec une petite cuillère, hein, tu peux tuer quelqu'un. Ouais. Et c'est un petit peu ce qui se passe du côté des LNG. À force de temps et de persévérance, on tue. Et là, c'est tout le désarroi des FPX qui sont sur le reculoir. On n'aime pas les voir comme ça. Mais les LNG ont été proactifs, ont su aller gérer leur BO. Et voilà, un et par un, ils sont allés les gérer. Ils ont pris des fights trop tôt. Quoi. Oh, ils n'avaient pas de dégâts les FPX. C'est ça, ils jouent comme si ils se disaient, on est toujours les favoris, on est devant. Bah, mais oui, là, mais non, il faut gérer. La réalité, c'est pas ça. C'est pas ça, effectivement, Frost. Et on est un peu déçus. Si on peut jeter un petit coup d'œil au planning de la semaine, s'il te plaît, Chico. Et comme ça, après, on pourra se quitter. Demain, RNG OMG dès 11h. Sunning Ultra Prime peut être assez intéressant parce que les deux équipes sont dans le milieu de tableau. Oui. V5 Atom, ok, EDG Rogueire, ok, TTFPX, ok, quoique, ok, samedi, attention, ça va être on va violent. Ouais. Et dimanche, on a le petit LNG, RNG, qui du coup serait maintenant le match de la semaine, quoi. Vas-y, LNG, RNG quand même. Oui. Ouais. Ah oui, non, oui, tu parlais d'abord des JDG. Bon, LNG, ah oui, non, j'ai passé ça. Non, c'est le match of the week, clairement, maintenant, avec LNG qui vient de se mettre clairement bien. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si à tout hasard, vous ne pouvez pas regarder toute la LPL, et ça se comprend tout à fait, il y a beaucoup de matchs, tous les jours, 7 jours sur 7, 11h à X, ça dépend, il y a 2 B ou 3. Pensez, il y a le Bagarre Club le lundi soir, c'est présenté par des gens qui sont pas très fous, mais plutôt gentils, hein, au moins. Non, je déconne. Par des gens incroyables. Les lundis soirs, Bagarre Club, vous allez avoir un récap de la semaine, les points forts, les trucs à suivre, des teamfights. Ils vous donnent aussi des infos sur ce qui peut arriver après au niveau des équipes. Plein de choses à savoir. Il faut reconnaître que le Bagarre Club, ça porte bien son nom. Ouais, bah, c'est l'emblème maintenant, hein. C'est la LPL. C'est comme le Cap d'Agde, ça pourrait s'appeler Frost qui danse, quoi. Ouais, bon, en tout cas, voilà, j'attends évidemment ma nouvelle invitation sur le Bagarre Club, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent et c'est vraiment pas mal. On va avoir un petit récap classement pour terminer en beauté après ce planning, mon cher Gardon, pour voir qui trône fièrement bien. C'est les LNG qui n'ont pas démérité 4-0 aujourd'hui maintenant, qui sont sur une win streak de 4, puisqu'ils sont en 4-0 forcément. 3-0 également pour EDG, Team WE aussi, hein, avec LNG qui sont là. Fièrement en haut, invaincu pour le moment, JDG, vous le voyez, FPX qui va rester quand même pas si loin que ça, 2-1, il va falloir rebondir très tôt. TES qui se reprend bien, heureusement ils m'ont fait plaisir, un partout. C'est bon, voilà, le récap clairement. Et puis tu le disais, donc on regarde en bas parce qu'on voit un petit Sunning, hein, dédicace à Zerotic en 0-2 pour le moment, c'est pas fou. Qui est au niveau des RNG, RNG qui n'a pas encore joué, évidemment. Voilà, c'est la seule équipe à 0-0, ouais. Mais ça arrivera dès demain, mesdames, messieurs, dès 11h. RNG qui va jouer face à OMG. Le Bagarre Club, c'est les lundis soirs à 20h. On vous remercie d'avoir été présents. On remercie tous les gens derrière la caméra, comme tout ça, que vous ne connaissez pas, mais sans qui il n'y aurait rien du tout. On fait les bisous, on vous dit à demain. Ciao.